Ceci est un poireau. Aujourd'hui, j'habite en Bretagne. Je cultive des poireaux. Je suis dans la culture des poireaux. Avant, j'habitais Paris, j'étais dans la culture. Tout court. On a un truc en France qui s'appelle la culture. On a même un ministère de ça. Alors vous allez me dire, non, c'est pas possible. Si, si. Non, je vous jure que c'est vrai. Non, vous allez me dire, bah non, c'est les cultures. Non, 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 non. La culture. Et c'est l'État qui dit laquelle c'est. D'accord ? Et moi, j'étais dans la culture. La culture, quoi, tu vois. La culture avec un grand cul, quoi, tu vois. Et donc, j'habitais Paris. Hein. Quand vous êtes dans la culture en France, très souvent, vous habitez Paris. Ça va être chaud ce soir. Normalement, le Kir Royal, c'est après, c'est pas avant. Hein. Et donc, oui, mais donc, oui. Donc, en fait, vous avez raison. Quand vous êtes dans la culture, très, très souvent, vous êtes à Paris. C'est la capitale des cultivateurs. Et donc moi, j'étais dans la culture. Et puis, il m'est arrivé un truc terrible que je vais vous raconter ce soir. J'ai arrêté de croire à ça. Je dis bien de croire. J'ai fini par me dire que c'était une sorte de religion. Avec une nouvelle forme de sacré qui est l'art, tu vois, complètement inquestionnable. Enfin, j'ai fini par me dire que c'était la religion de la gauche, quoi, pour aller vite, si vous voulez. Et que c'est une forme de croyance, parce que tout ce que dit la culture est absolument jamais démontré. Enfin, vous savez, c'est comme l'économie, vous connaissez ce truc-là, c'est un machin, vous pouvez prouver que ça marche pas, mais si, mais ils vont quand même, tu vois, je veux dire. Vous avez par exemple un président de la République qui est capable d'exonérer les entreprises pour que ça crée de l'emploi. Tu vois, je veux dire. Ça fait juste 30 ans que ça n'en crée pas, mais c'est pas grave. Ça va en créer, tu vois. Enfin, c'est une religion. C'est une religion. Voilà, alors la culture, c'est. Alors, bon, alors moi je suis devenu. Donc à 5 ans, je ne sais plus, 5, 6 ans, je ne me rappelle plus, j'avais arrêté de croire au Père Noël. Alors, première grosse désillusion, enfin, quand vous réalisez que vos parents vous ont arnaqué pendant 5 ans, c'est violent, enfin, tu vois. Deuxième grosse désillusion, alors chacun fait comme il veut. Hein. Moi, c'est vers 17 ans, par là, j'ai arrêté de croire en Dieu. Alors, pareil, tu te dis, mais puis ils passent leur temps à se foutre de moi, enfin, c'est pas possible, enfin, tu vois, je veux dire. Alors, à chaque fois, vous devenez un peu plus seul. Hein. Par exemple, quand vous croyez plus en Dieu, mourir devient franchement marrant comme expérience, enfin, tu vois. Et puis alors, à 40 et quelques années, je ne me rappelle plus, enfin, je veux dire, j'ai arrêté de croire à la culture. Bon, alors là, il ne vous reste plus rien. Vous perdez tous vos amis à gauche. Vous perdez tous les socialistes d'entrée, bon, ça c'est normal. Encore que j'ai dit à gauche. Alors, commencez pas. Alors, je tiens à faire deux précisions. Tout ce que je vais dire ce soir est caricatural. Et rien de ce que je vais raconter ne se passe en Haute-Vienne, d'accord ? Et donc vous perdez tous vos amis. Alors les socialistes, ça d'accord, mais même les communistes, même les trotskistes changent de trottoir. Enfin, en France, quand vous dites « je crois plus à la culture », il vous reste quoi ? 2-3 mecs de la CNT encore pour dire bonjour, tu vois ? Enfin, deux anarchistes, enfin, tu sais, enfin... Vous connaissez, 3 trotskistes, c'est une scission, 2 anarchistes, c'est une librairie. Donc, voilà, c'est l'histoire qui m'est arrivée ce soir, que je vais vous raconter, que je vais vous raconter... Bon, ça n'a pas commencé, hein, je vous dirai quand ça commence. Hein, c'est... En fait, là, on se met d'accord sur quelques notions. Enfin, vous verrez, il y a une très très longue intro, un tout petit spectacle, en fait. Quand je dis que j'ai arrêté de croire à la culture, il faudrait que je sois plus précis. C'est trop vague comme phrase. J'ai arrêté de croire en un truc qu'on appelle chez nous la démocratisation culturelle. Voilà, c'est à ça que j'ai arrêté de croire. On dit aussi la réduction des inégalités culturelles, enfin, s'il y en a qui sont dans le business. On parle d'ascension sociale par la culture. Vous voyez un peu cette idée
que si on file de la culture à quelqu'un, si on le cultive, tu vois, hop, il va combler les, il va rattraper dans la, il va monter dans la hiérarchie sociale, enfin, et il va rattraper les riches. Voilà, c'est à ça que j'ai arrêté de croire. Oui, parce que j'étais dans la culture des pauvres. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà. Je cultivais des pauvres, maintenant je cultive des poireaux. J'ai beaucoup plus de succès depuis que je cultive des poireaux. Quand j'essayais de cultiver des pauvres, je me tapais bide sur bide. Le pauvre est une espèce qui résiste à la culture. Alors je faisais ça dans les banlieues, hein, c'est là qu'ils sont aujourd'hui. Et donc mon travail consistait à leur balancer de l'engrais culturel. Hein, essentiellement sous forme d'art contemporain d'ailleurs. Il y a énormément de fumier dans l'art contemporain. Et donc, je leur balançais du théâtre contemporain, de la musique contemporaine, de la danse contemporaine, enfin voilà, pour les cultiver, quoi, je sais pas quoi te dire, pour les faire pousser, quoi, voilà, bon, pour qu'ils rattrapent les riches, voilà, c'est à ça que j'ai arrêté de croire. Ça m'est arrivé en parapente. Alors, le parapente, enfin, je sais pas s'il y en a qui connaissent, s'il y a en Bazet qui connaissent, c'est une blague privée. Le parapente, enfin, l'idée du parapente, c'est de monter, c'est pas de descendre. Hein. Quand vous descendez en parapente, c'est raté. Oh merde, faut replier, faire du stop, attendre qu'il y ait un riche qui passe avec un 4x4, enfin, c'est chiant. Non, l'idée du parapente, c'est de monter, de rester en l'air des heures et des heures. Pour ça, on attrape des courants d'air chaud, vous connaissez le truc, qu'on appelle des bulles thermiques. Alors, bon, j'explique rapidement parce qu'il y en a plein qui ont vu le truc sur YouTube déjà. Donc, vous avez un champ d'herbe, un champ de blé. L'herbe, à cause de la chlorophylle et de la photosynthèse, absorbe le rayonnement solaire. Et donc, l'air au-dessus d'un champ d'herbe reste toujours... C'est en zone de réussite éducative, Saint-Junien. Réussite éducative, c'est-à-dire chaque scolaire. Hein. On verra ça demain dans l'atelier. Il n'y a plus d'échec scolaire en France, vous êtes au courant, c'est les directives de l'éducation nationale. Il faut plus dire échec scolaire, c'est interdit. Il faut dire réussite différée. C'est juste qu'ils ne précisent pas combien de temps elle est différée, mais... Vous allez dire, ils nous prennent pour des lapins de 3 semaines. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais bon, ils ont raison, hein, si ça marche, ils ont raison. Et donc, froid. La chlorophylle absorbe le rayon solaire, donc l'air reste froid. Par contre, à côté, vous avez un champ de blé, donc lui, c'est tout brûlé, donc il n'y a plus de chlorophylle, plus rien. Et donc, le soleil tape, et donc l'air au-dessus du champ de blé, lui, va devenir... Putain, c'est cool, c'est mieux des surdoués, tu vois. C'est tout de suite mieux en centre-ville, je veux dire, tu vois. Et donc l'air froid, et donc vous avez une bulle thermique qui va se former au-dessus du champ. Pourquoi une bulle? Parce que l'air est visqueux, hein, il ne s'évapore pas, il reste collé à lui-même. Bon bref, on apprend ça en parapente. Et donc vous avez une bulle qui se forme. Une bulle, mais une bulle monstrueuse, tu vois, 40 hectares, la taille du champ, quoi, tu vois. Bon. Et puis l'air froid va se glisser dessous à un moment et elle va se décrocher. Donc là, elle va monter, hein, à cause de la différence de température de l'air. Elle va monter 7-8 mètres secondes, si tout se passe bien en été. Là, elle va tout doucement se refroidir. Arrivé à un moment, elle va arrêter de monter. Elle va, ce qu'on appelle le plafond, et là, elle va se condenser. Elle va former un mouton. Comme on est en zone de réussite éducative, je propose qu'on commence avec des termes simples, si tu veux. On va pas commencer avec les termes compliqués comme nuage, tu vois. D'ailleurs, quand je joue en centre-ville, il y a toujours des faillots qui me disent un cumulus, tu vois. Mais bon. Donc. Oui, un nuage, si vous voulez, mais c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs formes de nuages. Non, elle va former un mouton, hein, ou si vous voulez, un cumulus humilis. Bon, bon. Et alors, quand vous verrez des moutons dans un ciel bleu, vous saurez que... Et regardez-les bien parce qu'ils sont alignés. Regardez, ils ne sont pas n'importe où. Puisque c'est le même champ qui balance une bulle toutes les demi-heures et le vent les pousse comme ça. On appelle ça une rude nuage en parapente et nous, on essaye de prendre ça, d'accord ? Alors on va sous le mouton, hop, on tourne comme... On monte comme ça, puis là, sous le nuage, hop, on change de nuage et puis on traverse toute la France comme ça. Enfin bref, c'est ça le parapente. Non, c'est vrai. Il y a un mec qui est parti d'une butte de 60 mètres à Paris, à Mantes-la-Jolie, il s'est posé à La Rochelle. C'est sympa. Alors vous allez dire comment on trouve l'air chaud parce qu'il est invisible. Alors on regarde les contrastes au sol, on regarde les oiseaux, c'est leur métier.
Quand tu vois un oiseau qui fait comme ça. Il a trouvé une mule. Si l'oiseau, il fait comme ça, il cherche une mule. Et donc, il y a des trucs comme ça. Et alors, quand on a trouvé la mule, on monte, voilà. Et alors, j'ai eu l'intuition du mensonge, enfin, de ce qui m'a semblé. Hein. Prenez tout ce que je dis avec des pincettes, hein, sauf si vous aimez la Bretagne. Mais, j'ai eu l'intuition du mensonge, de ce qui m'a semblé être le mensonge de la démocratisation culturelle. C'est-à-dire cette idée que quand on donne de la culture à quelqu'un, il monte dans la hiérarchie sociale. J'ai eu l'intuition du mensonge de ça en parapente. J'étais entré dans une bulle, en bas de la bulle, puis il y avait un gars ou une femme, je ne sais pas, quelqu'un. Les femmes sont meilleures en parapente que les mecs. Donc il y avait un parapente au-dessus de moi qui était entré dans le haut de la bulle. Et vous essayez d'imaginer que moi, je suis le pauvre là en bas, puis lui, c'est le riche tout en haut, d'accord ? Il est au-dessus de moi dans la hiérarchie sociale, dans les rapports sociaux, voilà. Bon. Et maintenant, vous essayez d'imaginer que l'air chaud, c'est la culture, hein, ce qui permet de s'élever, hein, l'ascension sociale par la culture, voilà, comme l'ascension aérologique. Donc, ok. Donc attention, hop. Le riche se cultive aussi. Ça m'a frappé en parapente, ce truc-là. C'était pas con au départ. On va filer de la culture aux pauvres pour qu'ils rattrapent les riches. Oui, d'accord, mais le riche n'attend pas. Vous imaginez un riche qui attend ? Ah, des jeunes pauvres se cultivent dans nos banlieues. Attendons-les. On ne s'inscrit plus en fac, on passe plus de diplômes, on lit plus de livres, on jette nos ordinateurs. Enfin, on arrête de se cultiver, hein, le temps qu'ils nous rattrapent, hein, la théorie du rattrapage culturel. Et alors, quand ils nous auront rejoints, ça sera une société sympa, on partagera le pognon, les responsabilités, ça sera le communisme. Oui. En fait, le riche raisonne pas comme ça. Vous allez même rigoler, je sais que vous allez avoir du mal à me croire, mais il se cultive même généralement plus vite que le pauvre. Il a plus les moyens pour ça, puis c'est son truc la culture à lui, d'accord ? La culture, ça sert plutôt à accentuer l'écart. La culture, ça sert pas du tout à réduire les inégalités, ça sert à les accentuer. Ce que Bourdieu, ce que tout parapentiste sait d'ailleurs, on monte plus vite dans le haut de la bulle que dans le bas de la bulle. Le parapente, c'est injuste aussi, hein. Et donc, Bourdieu avait dit ça. Bourdieu avait déjà dit ça en 64. Il avait dit « la culture, ça sert à reproduire les rapports sociaux ». Et alors moi, j'utilisais la phrase, tu vois, quand je draguais une nana plus intelligente que moi, mais je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, tu vois. Je veux dire, tu vois, t'es là, t'es en face d'elle, tu fais « oui, de toute façon, la culture, c'est ce qui sert à reproduire les rapports sociaux ». En fait, tu ne comprends pas ce que tu dis. Il faut faire du parapente pour comprendre Bourdieu, si tu veux. Voilà, donc moi j'en ai eu marre de les reproduire, les pauvres, donc je trouvais qu'il y en avait assez, donc j'ai arrêté de les cultiver. Et je me suis retrouvé en Bretagne, voilà. Et c'est l'histoire que je vais vous raconter ce soir, pendant environ... Il y a votre première ? Bon, il y a un entracte. Il y a un entracte, l'entracte c'est bien parce que vous pouvez... Donc si vous de toute façon partez. Enfin franchement, si vous en avez marre, partez. Enfin, je ne me vexe pas. Vous pouvez partir à tout moment. Ça va se finir assez tard. J'ai fait le calcul. À mon avis, non mais c'est vrai. À mon avis, on va arrêter à 1h du mat, un truc comme ça, tu vois. Donc si vous avez besoin de partir, vous partez. Hein? Je veux dire, comportez-vous en adulte responsable, membre actif d'une citoyenneté vivante, tu vois. N'acceptez plus jamais de vous faire chier au théâtre, quoi, tu vois. Il n'y a rien de pire que de s'emmerder au théâtre. Je veux dire, c'est une expérience la plus traumatisante, enfin, tu vois. C'est l'horreur. En plus, au théâtre, tu te fais chier, tu le sais dès le début. Hein, je veux dire. La première minute, ah bonjour, tu fais oh merde. Et là, tu n'oses pas, tu vois. Donc, non, non. Franchement, sentez-vous à l'aise. Si à un moment, si, parce que ça va durer longtemps, tu vois, ça va être compliqué, ça va être chiant. Et donc, si vous décrochez, dormez. Enfin, tu vois, je veux dire, vous avez des super sièges. Pff, genre, voilà, ok. Donc voilà. Donc moi, je vais raconter quand même mon petit truc jusqu'au bout. Et puis voilà. En plus, c'est la version courte, 4 heures.
Là, j'ai fait une version à Paris sympa, une version de 6 heures. C'était sympa, on a fait 3 entr'actes et tout, tranquille. On a fini à 10 heures en commençant à 14 heures, c'était bien. Du coup, j'ai pu faire une heure sur l'art contemporain, tu vois, j'ai pris mon temps, alors que là, je ne le ferai pas. Et donc, bon, voilà. Donc, voilà, 4 heures. Alors, 4 heures, c'est la limite hein, d'un spectacle. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes tous habitués à des formats de 2 heures, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Bon, 2 heures, 2, 3 heures, allez, si ça va, voilà, vous êtes dans un. Normalement, vous êtes au théâtre. Quand ça commence à faire dans les 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, ou plus de 8 heures, alors c'est plus du théâtre. C'est de la culture. C'est très différent. La culture, c'est le contraire du théâtre. C'est le contraire de la musique, c'est le contraire de la danse. C'est une formidable démonstration politique de quelque chose. Le théâtre, ça consiste à faire semblant, par exemple. La culture, ça consiste à faire pour de vrai, si vous regardez bien comment c'est fait. C'est pour ça que ça dure longtemps, d'ailleurs, déjà. Par exemple, ça n'a pas commencé, hein, je vous dis quand ça commence. Par exemple, si je voulais vous faire comprendre... Il y a un endroit où tous les cultivateurs se réunissent chaque année, ça s'appelle Avignon. D'accord ? Bon. Il y a 4, 5 ans, 6 ans, je ne sais plus, c'était en 2006, je crois, il y avait un spectacle de culture au milieu de la cour d'honneur du Palais des Papes, hein, qui est un endroit splendide, où les acteurs faisaient pipi sur scène en vrai. D'accord ? Ils se pissaient sur scène devant les spectateurs, ils se pissaient les uns sur les autres, en vrai. Alors ça, c'est de la culture. Il faut absolument comprendre que d'un point de vue théâtral, ça n'aurait strictement aucun intérêt. Si je voulais vous faire comprendre théâtralement que je fais pipi, je sais pas, je ferais un truc comme ça, je ferais ça comme ça, vous auriez tous compris. Tu veux dire, ah, il fait pipi, mais je le ferais pas. Ça serait du théâtre. Ok ? Mais vous auriez tous compris. On appelle ça une convention, entre vous et moi, la convention théâtrale, ok, mais je la sortirai pas, je mettrai pas à uriner, là, sur la scène de la mégisterie, ok. Alors par contre, si je la sortais, si je mettais à uriner, alors je pourrais demander des subventions à la DRAC, c'est-à-dire que... Je pourrais demander des sous au ministère de la Culture, parce que ce ministère est là pour encourager les vraies prises de risques artistiques. Si vous voulez, on va quand même pas donner de l'argent public à des gens qui font semblant, d'accord ? Voilà. Alors, vous allez me dire, enfin c'est insensé, c'est complètement idiot de donner des subventions vertigineuses hein, pour faire pipi par terre. Mais non, c'est pas idiot. C'est génial. C'est remarquablement intelligent puisque ça nous fait croire à quelque chose. Ça manifeste quelque chose. Ça manifeste de la liberté d'expression. Ça nous fait croire qu'on est dans une démocratie. Et ce ministère est là depuis 60 ans pour nous faire croire qu'on est dans une démocratie, alors qu'en réalité, il est là pour nous faire adhérer au capitalisme. Mais ça, c'est pour la deuxième partie, pour ceux qui reviennent après l'entracte. Si vous voulez, à Moscou, au Bolchoï, elle se pisse pas dans le tutu. D'accord ? C'est donc un pays totalitaire. D'accord ? Sinon, on a un ministère pour payer des mecs pour pisser par terre. C'est donc une démocratie. Vous comprenez le truc, je veux dire. Mais une démocratie facile, hein. Attention. Ben, si vous pensez que la démocratie, ça consiste à prendre des risques contre des institutions, tout ça, alors là, vous avez perdu votre temps. Enfin, ouvrez votre braguette, ça fait de vous un démocrate immédiatement. Enfin. Par exemple, c'est très curieux, mais enfin, si vous voulez, par exemple, si vous aviez envie de déclamer au milieu de la cour d'honneur du Palais des Papes que l'office public des HLM du Vaucluse hein, a une politique d'attribution des logements aux familles algériennes, marocaines, à Avignon, hein, qui les tient en dehors des remparts, etc., vraiment, vous ne pourriez pas demander de subvention à la DRAC pour ça. Tu vois. Ça ne serait pas considéré par ce ministère, curieusement, comme de la liberté d'expression. Alors ça, oui. Voilà, on va parler de ça ce soir. On va parler du moment où c'est arrivé, parce qu'il y a eu un avant et un après. Il y a eu un moment au tournant des années 60, en fait. On va raconter ce moment ce soir. Il y a eu un moment où ça n'était que du théâtre, c'était que de la musique, c'était que de la danse, c'était que de la peinture. Enfin, voilà. Et puis, il y a eu un moment où le pouvoir va comprendre l'intérêt politique qui a soufflé à l'oreille de quelques danseurs, quelques peintres, qu'ils font beaucoup plus que de la danse, beaucoup plus que du théâtre.
qu'ils font exister un acte de création, qu'ils sont des créateurs. Alors le terme, on le sort du vocabulaire religieux à ce moment-là, on le met dans le vocabulaire civil. Alors évidemment, si vous dites à quelqu'un qu'il est un créateur, tu vois, le mec, il est là... Oui, au fond, c'est pas faux. C'est normal. C'est normal. Puis surtout, le pouvoir va comprendre un truc génial, c'est que vous ne pouvez pas critiquer une création. C'est-à-dire qu'il va créer une catégorie incritiquable. C'est pour ça que c'est plus de la démocratie. C'est-à-dire que vous pouvez critiquer du théâtre, de la musique, de la peinture ou de la danse. Ça sert à ça. On appelle ça de l'esthétique. Ça sert à se soumettre à un jugement de valeur. Vous pouvez dire c'est beau, c'est moche, il joue bien, il joue mal. Ou, wow, c'est du théâtre, on s'en fout. Alors si c'est une création, mais quand bien même vous feriez chier pendant 5 heures, d'accord ? Je veux dire, si vous la critiquez, ça fait de vous immédiatement un fasciste. Et donc vous aurez compris que ce spectacle est ce soir limite néo-nazi. Donc faites gaffe. Faites gaffe, si vous riez, je vous conseille de rire sous cap. Genre... Non mais parce qu'il y a toujours un peu de police culturelle hein, qui traîne dans les salles pour veiller aux intérêts de la démocratie, donc faites gaffe quand même. Hein, je veux dire... Bon, sauf si vous aimez la Bretagne, hein, mais bon. Voilà. Sur cette histoire du vrai et du faux, il y a un exemple que j'aime bien encore avant qu'on commence. C'est... En 85, il y a un créateur. Alors, le principe du créateur, c'est que rien ne doit s'opposer à sa vision souveraine, d'accord ? C'est l'idéologie, hein, en fait, c'est l'image de l'entrepreneur, si vous préférez. Et donc, il y a un créateur de génie, donc un génie, hein. Est-ce que le monsieur des renseignements généraux peut éteindre son appareil ? Vincent et Nicolas, vous faites ça juste pour me faire peur ou quoi ? Bon, si vous voulez, on peut le faire. Enfin, moi. En fait, vous êtes là. Il y a donc le génie pour monter une pièce de Corneille qui s'appelle L'illusion comique à l'Odéon Théâtre de France. Comme ça se passe dans un palais, il décide, hein, que c'est sa vision de créateur, il décide qu'il veut du marbre. Il veut un décor en marbre, mais en vrai marbre. Et un marbre qu'il faut aller chercher en Italie, très rare, très particulier, tu vois, avec une couleur, tu vois. Enfin, c'est sa vision de créateur, il ne va pas aller acheter du marbre chez Castorama, tu vois, le mec. Et alors, les techniciens du spectacle, les décorateurs de théâtre, hein, les décorateurs de théâtre qui sont des gens très arriérés, hein, très, très en retard, des gens qui croient encore que c'est du théâtre. Les mecs, ils n'ont pas encore compris que c'était devenu de la culture, les mecs, tu vois, je veux dire. Le genre CGT, tu vois, ces trucs-là, tu vois, je veux dire. Les mecs, ils croient encore qu'ils ont un métier. Il n'y a plus de métier aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des compétences. Une compétence, c'est le contraire d'un métier. Bon. Et donc, ça va, ça. Hein, vous suivez ça. Ça va, c'est le DVD numéro 9. Il est en vente. Donc, c'est Anaïg et Alexia sur le management. J'ouvre une parenthèse. Compétence, vous voyez ce que c'est, compétence. C'est du savoir-être. C'est une vraie merde. C'est d'accord. Ça tue le savoir-faire. La compétence, c'est pour tuer le métier. Compétence, c'est votre ennemi. Battez-vous comme des chiens contre compétence. Il y a des profs dans la salle. Les livrets personnels de compétences là. Bon, je m'explique parce qu'en fait on va perdre du temps. En 71 aux assises du patronat de Marseille, 1971, assises du CNPF, le Centre National du Patronat Français, hein, il ne s'appelait pas encore. Le patronat se demande comment casser le pouvoir syndical en France, qui est devenu trop puissant. Hein. On vient de se taper une grève générale 2 ans plus tôt. 68, et donc ils se réunissent. Comment tuer le syndicat ? C'est les Américains qui vont les aider. Les conseillers américains vont leur expliquer que si vous voulez tuer le syndicalisme, il faut rendre impensable la notion de métier. Il faut tuer la notion de métier, il faut le remplacer par la notion de compétence. Et se met à ce moment-là en place tout le management par la compétence dans lequel on est encore aujourd'hui. Je ferme la parenthèse, c'est le DVD numéro 9, il n'y en a que 5. Et donc, non, parce que je n'en ai pas pris beaucoup. Mais qui vont ces trucs. J'ai un poireau à vendre, si vous voulez, à la fin. Et donc, les décorateurs de théâtre, qui eux croyaient avoir un savoir-faire, hein, ça c'est une qualification, hein, c'est le contraire d'une compétence, sont allés voir le génie et lui ont dit « Monsieur le créateur, n'achetez pas du marbre, c'est ridicule, c'est bête, nous allons vous peindre un effet marbre sur le plateau plus vrai que du vrai. Enfin, les spectateurs vont jurer que c'est du marbre, enfin, on s'y engage, notre savoir-faire est en jeu. » Alors le génie a piqué une colère épouvantable.
Il a appelé le ministre en personne, hein, 1985. Et donc il a dit à ce ministre, « Mais qu'est-ce qui se passe? On veut me faire du faux !» C'est une phrase très étrange pour un homme de théâtre, vous ne pouvez pas. J'essaie de vous expliquer que quelque chose a changé à ce moment-là, d'accord? Vous ne trouvez pas bizarre cette phrase pour un homme de théâtre? Qu'est-ce qui se passe? On veut me faire du faux? Alors, n'importe quel ministre du théâtre normalement constitué aurait dû répondre à ce gars, « Bah oui, mon vieux, c'est du théâtre, calmez-vous, on va vous filer trois bouts de papier crépon, ça va le faire. Enfin, » Alors, pas du tout, ce ministre a pris son téléphone, a appelé le syndicat des décorateurs de théâtre, a demandé depuis quand la CGT se mettait en travers de la création en France, etc. Enfin, ça a fait un bordel. Alors, les mecs ont dit non, mais attendez, oh là, vous voulez du marbre, prenez du marbre. Nous, on trouve ça con, mais bon, allez-y. Ça a coûté des sommes délirantes, mais bon, ça, c'est normal. Et donc, ils sont allés acheter le marbre, ils ont rentré les plaques de marbre, ça rentre pas, ils ont pété les portes de l'Odéon, c'est interdit, mais c'est le même ministère, ça, c'est pratique. C'est un monument historique. Donc, ils ont rentré les plaques, des tonnes et tout, enfin bref, un truc. Et puis, le jour de la première répétition, ils ont éclairé. Et là, le génie a piqué une deuxième colère. Et il a dit, « Ma, ça brille !» Oui, ont répondu les décorateurs de la CGT, c'est du marbre. Alors, vous devinez peut-être comment ça s'est terminé. Enfin, vous avez peut-être une petite idée, non? Bah oui, exactement. Les décorateurs de théâtre ont peint du faux marbre sur le vrai marbre. Et c'est ça que vous êtes allé voir si, comme moi, en 85, vous étiez allé voir l'illusion comique de Pierre Corneille, mis en scène par Giorgio Strehler à l'Odéon Théâtre de France. Voilà, on va parler de ça ce soir. On va parler de la signification possible de ça, parce que vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, bien sûr. Vous pouvez dire, oui, mais c'est pas grave, c'est juste un ou deux mecs qui se sont un peu pris le melon. Je crois pas. Je voudrais poser devant vous l'hypothèse que c'est un effet de système et que, voilà, que des choses se jouent là-dedans. Voilà. Ça, c'est fait. Sur la nature de ce que vous allez voir ce soir, j'aimerais qu'on se mette d'accord avant que je ne commence. Vous n'allez pas assister ce soir à un spectacle de culture. Bon, c'est pas un... Ok, ça va? C'est pas un spectacle culturel, ça, c'est réglé, donc je reviens pas là-dessus, je crois que j'étais assez clair. Est-ce que c'est du théâtre? Oui, un peu, si vous voulez. Enfin, je veux dire, tu vois, voilà, vous êtes dans le noir, je suis... Bon, ok. En tout cas, c'est pas du théâtre public subventionné. Alors, ça serait du théâtre public subventionné, je serais pas dans cet espace absolument ridicule. On sent le manque d'ambition culturelle de cette municipalité, si vous voulez. Je serais sur une scène nationale, où j'aurais un centre dramatique national, d'accord? Et j'aurais 4000 mètres carrés de plateau pour moi tout seul, avec 400 projecteurs en face, 400 contre derrière, enfin tu vois, un truc... Et puis je serais devant un décor absolument gigantesque, du genre... Là, il passe pas. Du genre une porte, mais une porte de 30 mètres de haut, tu vois, comme ça, peinte en bleu. Et moi, je serais devant une espèce de petit caca ridicule, comme ça. Vous ne verriez presque pas, tu vois, comme ça. Et je serais écrasé par ce décor mussolinien. Et je vous parlerai pendant des heures du ridicule de la nature humaine, de la condition tragique de l'homme. Enfin, je vous dirais que je suis impuissant, stérile, enfin, tout ce que vous voulez. Et que ça ne sert à rien de se battre et de changer le monde. Enfin, tout ça est complètement dépassé. Enfin, Dieu a gagné, le capitalisme a gagné. Il n'y a plus qu'à se violer mutuellement dans les ruines de Sarajevo, tu vois. Et puis après, et après on se bouffe, on fait de l'anthropophagie après. Enfin, il y en a qui connaissent le répertoire contemporain. Et donc, on appelle ça le théâtre de la cruauté, c'est présenté comme un acte vachement politique. En fait, c'est un théâtre de l'impuissance et c'est un discours que l'État, c'est un théâtre officiel, c'est de l'esthétique d'État, de l'esthétique capitaliste, hein, comme l'esthétique communiste y avait. C'est juste une esthétique de l'impuissance, du ridicule, de la condition tragique de l'homme. Voilà. Ils nous servent ça depuis 60 ans dans ce genre d'établissement. Alors attention. C'est vachement bien fait. Attention, là je me moque, je vanne. Attention, c'est super impressionnant, c'est fait pour ça.
tu vois, il y aurait un noir, et puis il y aurait une musique genre art contemporain, quoi, tu vois, percussion japonaise chiante, un truc comme ça. Et puis j'apparaîtrais dans une lumière bleue totalement dramatique. Mais le théâtre, c'est de la lumière, hein, c'est-à-dire que dans du bleu, vous, vous seriez là, genre... Dans du bleu, je peux vous dire ce que... Enfin, je vous réciterais du Raffarin, vous me diriez que c'est du Sophocle. Alors, je vous dirais que je suis seul, que je peux rien faire, enfin bref. À un moment, j'avancerai. Alors là, je serais repris, mais vous le verriez pas, je serais repris par un latéral jaune et un latéral orange qui me sculpterait. Et là, je vous dirais, et là, j'invoquerai des Grecs. Si vous voulez des sous dans ce ministère, il faut invoquer des Grecs. Ce ministère adore les Grecs, parce que c'est eux qui ont inventé la démocratie, enfin, tu vois, tout ça. Et puis, ça durerait 8 heures, enfin, tu vois. Bon, je peux vous montrer si ça vous amuse. Vincent et Nicolas, c'est ça? Ouais, Vincent et Nicolas sont nos régisseurs pour la soirée, mesdames, messieurs. Vous pouvez me faire un noir et puis me balancer une musique genre mystère de la culture et puis vous me ferez apparaître dans du bleu, s'il vous plaît. Vous allez voir, c'est assez facile à faire. Je suis seul. Je suis si seul. Je ne peux pas changer le monde à moi tout seul. Je ne peux pas abattre le capitalisme à moi tout seul. Je ne peux rien. Je ne veux rien. Je ne suis rien. Je suis seul. Où êtes-vous? Où êtes-vous, Antigone? Où êtes-vous? Où êtes-vous, Anaxerxès? Artarchlios? Putain, je sais pas, des Grecs, Nana Mouskouri. Pourquoi m'avez-vous abandonné, ô Dieu des Grecs? Je n'ai plus rien à dire, je n'ai plus rien à déclarer, je ne délivrerai plus jamais aucun message et ça va durer 8 heures. Merci. Voilà, donc c'est... Voilà, donc c'est pas ça que vous verrez ce soir. C'est pas ça que vous verrez ce soir, mais vous, voilà, vous pouvez voir des trucs comme ça si vous cherchez un peu. Un copain m'a dit... Franck, ce que tu fais, au fond, c'est du conte. J'ai dit, tu trouves, enfin... Il m'a dit, oui, c'est une forme de conte politique, parce que tu t'adresses directement au spectateur, tu ne joues pas le personnage, tu es dans la convention du conte. Alors, mesdames, messieurs, vous avez un truc en France qui s'appelle la convention du conte. Alors, je sais pas, hein, ça doit être un bouquin de 1000 pages, tu vois... on ne joue pas le personnage, on s'adresse directement au spectateur. Il y a toujours des grands-mères. Alors, dans les contes, il y a des grands-mères. S'il n'y a pas de grand-mère, c'est pas un conte, hein, cherchez pas. Je sais pas ce qu'ils ont avec les grands-mères. Tout se passe par trois. C'est d'un chiant. C'est un roi, il avait trois filles. Dans trois pays différents, il y avait trois princes, hein, ça tombe hyper bien quand même, je veux dire. Là, ils avaient trois chevaux, ils ont fait 3000 km avec 3 euros dans la poche, ils ont rencontré trois vieilles, elles se sont cassées la gueule trois fois, ils les ont relevées, c'était pas des vieilles, c'était des fées. Elles leur ont proposé de faire trois vœux. Alors, ils m'avaient invité dans un festival de contes du comté de Grenoble, pour raconter mon histoire, j'ai flippé. Je veux dire, j'étais dans un hôtel de conteurs,
il n'y avait que des compteurs. Alors le matin au petit déjeuner, tu sais, j'essayais d'écouter, tu vois, moi j'avais jamais fait ça, j'étais mort de trouille, enfin tu vois, j'essayais d'écouter. Les mecs, ils passent leur temps à se baver les uns sur les autres sur le thème « Tu as vu hier pendant au moins 2 minutes, elle a fait du théâtre. » Alors moi, je leur posais des questions bêtes. Tu vois, excusez-moi, pardon, juste un truc. Alors, quand on a le trac, alors, comment on fait pour plus l'avoir? Un type, il me regardait, il disait, mais comment ça, Franck, ne plus avoir le trac? Mais il faut absolument que tu aies le trac. Je dis, ah bon? Mais pourquoi? Franck, il faut que tu comprennes que le public vient pour communier sa peur avec ta peur dans une peur universelle. Ah d'accord. Ah, c'est pour ça qu'ils viennent en fait. Il y en a une conteuse, elle m'a dit, Franck, si tu as le trac, au moment de rentrer sur scène, il faut que tu acceptes de mourir et d'enjamber ton propre cadavre. Ouais, j'ai dit, c'est bon, arrêtez de me rassurer. Ça va, laissez, je vais faire autrement, je vais me démerder avec du Lexomil, laissez-moi. Ça va. Ah ouais, les compteurs. Le compteur, c'est l'aristocratie du truc, attention, hein, c'est faussement modeste, hein, ce machin, fais gaffe. Enfin, alors j'avais essayé de faire ça en compte, hein. Pareil, hein, j'ai arrêté, je peux vous montrer 2 minutes, ça vous fait marrer, mais... Ok, bon, alors après... Vincent, s'il te plaît, tu peux me virer cet éclairage de théâtre, là? Tu me mets un éclairage conte, tu peux me faire ça, s'il te plaît? Ah, super. Mesdames, messieurs, attention, je vais entrer dans l'espace sacré du conte. Attention, c'est sur le visage que ça se passe. Il était une fois. Dans mon pays, la France, dans une région de mon pays, la France, qu'on appelle la Haute-Vienne, dans une ville de cette région, un tyran, qu'on appelle dans mon pays un grand-mère. Ce tyran était fatigué d'opprimer sa population, il se demandait comment il se pourrait qu'elle s'opprimât elle-même. Il eut un songe. Un matin, il convoqua son grand vizir, qu'on appelle dans mon pays un secrétaire général de mairie, et lui dit, « Ô grand directeur général de mes services, j'ai eu un songe. Je voudrais que tu convoques pour moi une commission de participation des habitants. À ces mots terrorisés, le grand vizir eut les dents qui se choquèrent de peur. Dire « mère grand, comme tu as de grandes dents, oui d'accord, mais si tu permets à ta population, est-ce que tu n'as pas peur que, oh grand secrétaire général de mairie, comme tu m'écoutes bien, mais comme tu m'entends mal. » Je ne t'ai pas parlé de ma population, je t'ai parlé d'une commission. Ébloui par tant de machiavélisme politique, le grand vizir eut alors les genoux qui sont choqués de peur, dire « mère grand, comme tu as de grandes dents, mais si tu permets à tes citoyens, est-ce que tu ne crains pas que... Oh, grand secrétaire général de mairie, comme tu m'écoutes bien, mais comme tu m'entends mal. » Je ne t'ai pas parlé des citoyens, je t'ai parlé des habitants. Subjugué par tant de saloperies politiques. Le grand vizir eut alors les... Voilà, c'est la connerie du conte. Les coudes qui sont en chacun.
Je vais ouvrir une parenthèse dans le spectacle. Les savants américains, pléonasme, on verra ça demain, ont démontré, ça je vous jure que c'est vrai, qu'il est impossible à un être humain, d'un point de vue anatomique, il est impossible à un être humain de se lécher lui-même le coude. Il faut quand même saluer cet apport essentiel des Américains à l'histoire de l'humanité. Ils ont démontré un corollaire à cette règle qui est que toute personne à qui on a dit ça a essayé au moins une fois en cachette. mère grand, comme tu as de grandes dents, mais si tu permets à tes habitants de s'exprimer, est-ce que tu n'as pas peur qu'ils... Oh, grand secrétaire général de mairie, comme tu m'écoutes bien, mais comme tu m'entends mal, je ne t'ai pas proposé qu'ils s'expriment, mais qu'ils participent. Et c'est ainsi, mesdames, messieurs, que dans cette ville de mon pays, la France, on n'entendit plus jamais parler des vrais problèmes des gens, etc. Bon, j'avais fait ça comme ça. Voilà, donc c'est pas ça que vous verrez. Alors vous allez dire, oui, mais alors c'est quoi? Alors, puis quand est-ce que ça commence? Alors, c'est un colloque. Alors, écoutez, non, c'est pas un colloque. Écoutez, j'en suis venu à l'idée qu'il s'agissait d'une sorte de conférence gesticulée. Comme une conférence, si vous voulez, mais gesticulée. Avec beaucoup de mauvaise foi, beaucoup d'exagération, oui, beaucoup d'imprécision, de parti pris. Enfin, vous voyez, genre Malraux, ce facho, ce mégalo, ce mytho, cet alcoolo. Mais je ne dirais pas ça dans un colloque sur André Malraux, par exemple. Enfin, si, je dirais ça, mais je ne le dirais pas comme ça. Voilà. Je respecterais la convention du colloque. Hein. Si je voulais dire ça dans un colloque sur André Malraux, je dirais, monsieur le représentant du Conseil général, monsieur le maire, monsieur le président, mesdames, messieurs, au fond. Au fond, on peut se demander si André Malraux, lorsqu'il prend son administration en 1959, a d'ores et déjà un grand dessein pour ce ministère. Voilà. Ça veut dire exactement la même chose, tu vois. Tout le monde dans la salle fait « Oh !» comme ça, mais c'est dit dans la convention du colloque. Bon. La convention du colloque est beaucoup plus pauvre gestuellement. Hein. Je vous le refais sans les paroles, regardez. Deux gestuelles complémentaires, soyons honnêtes. La gestuelle d'approbation, quand vous voulez montrer à la salle que vous êtes d'accord avec celui qui est en train de parler. Dans ce cas-là, on fait comme ça, on fait. Et la gestuelle de désapprobation, quand vous voulez vous désolidariser totalement avec quelqu'un d'autre à la tribune qui parle. Dans ce cas-là, on fait comme ça, on fait. C'est subtil, hein, le colloque. Voilà, alors ça sera pas... Alors on finira sur le colloque, si vous voulez bien. Vous verrez que quand j'attaque la partie colloque, là... On va vraiment, vraiment arriver à la fin. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire. Si vous aviez des téléphones portables, si vous avez pensé à les éteindre, rallumez-les. On va comparer les sonneries, ça sera marrant. Vous êtes dans un spectacle de l'ultra-gauche anti-ferroviaire. Et donc, je vous propose qu'on se démontre que par la magie du collectif, on peut transformer une aliénation individuelle en jubilation collective. Si ça sonne, surtout au lieu de vous précipiter honteusement comme d'habitude pour éteindre, au contraire, vous assumez fièrement. Moi, je bois un petit peu d'eau, vous décrochez, vous expliquez la situation à votre interlocuteur. Vous dites, voilà, je suis au théâtre, le mec vient de s'arrêter pour te laisser parler, qu'est-ce que tu veux dire à tout le monde? Vous nous dites son nom, vous lui demandez si ça lui ferait plaisir de se faire applaudir par une salle de 350 personnes. Nous, on l'applaudit, vous le sortez en boîte, vous le demandez en mariage. Donc voilà, sentez-vous à l'aise. Si vous avez, je ne le redis pas, si vous avez besoin de sortir, sortez, etc. Tout va bien. Et puis, dernière chose. Et puis, cette fois-ci, on va commencer. Ça va. Tout ce que je vais dire, il doit être très clair entre nous. Que tout ce que je vais dire à partir de cette minute est un tissu de contre-vérité. Donc de mensonges. Hein, on ne dit plus mensonge, hein, vous savez. Hein, on dit contre-vérité. Hein. Vous ne verrez plus jamais un homme politique en traiter un autre de menteur. Il dit, vous dites des contre-vérités. Hein, dans le sport, vous avez remarqué, il n'y a plus d'échecs. Il y a des contre-performances.
Ah, ils nous ont... On a même un président qui nous a inventé la croissance négative. Hein. Si, si, c'est vrai, c'est vrai. On verra ça demain. Ça va? Cool. Ça, c'était l'intro. 9h30. Déjà une heure de passé, c'est bon. Alors, comment tout cela a-t-il commencé? Ça a commencé par un coup de téléphone à une vieille dame. Le ministère de la Jeunesse et des Sports venait de repasser à droite. Et le ministre qui prend ses fonctions découvre dans ses attributions un truc horrible qui pue la gauche, l'éducation populaire. Oh, qu'est-ce que c'est que ça, là ? Les fonctionnaires obligés de lui expliquer, ben oui, vous êtes, monsieur le ministre, vous êtes aussi le ministre de l'éducation populaire, pas seulement des sports. Vous avez 760 conseillers d'éducation populaire, vous donnez des subventions, des agréments, des diplômes d'éducation populaire à 400 fédérations d'éducation populaire. Enfin, alors le type dit, ah non, m'enlevez ça, non, bah, lui il veut redevenir un ministre de la jeunesse, tu vois, comme sous Pétain, un truc propre, tu vois. Et donc il décide de tuer tout un tas de mesures, et notamment une mesure sur laquelle je n'aurai pas le temps de m'étendre, mais sur laquelle je vais me retrouver à intervenir, qui s'appelait les stages de réalisation. En deux mots, vous dire qu'après la guerre et avant le ministère de la Culture, dans les années 50, etc., il n'y avait rien en France. Il n'y avait pas de centre culturel, pas de théâtre, il n'y avait plus rien, rien. Il n'y avait pas de bibliothèque, il n'y avait pas... Et donc, ils avaient inventé... Des stages de réalisation dans toutes les disciplines qu'on appellerait aujourd'hui des disciplines d'expression, hein, cinéma, radio, etc., pour apprendre en partant du principe que tout le monde peut être artiste. Tout le monde, il suffit d'apprendre, c'est tout, ça s'apprend. Hein, c'est pas certain d'être exceptionnel, on y arrive, ça c'est plus tard, c'est pour la deuxième partie. Et donc ils avaient mis ça en place. Et donc il décide, ce ministre, de dégager tout un tas de trucs pour récupérer le pognon, et notamment ça. Et alors, les syndicats s'en émeuvent, on me demande si j'accepterai, on m'avait repéré, on me demande si j'accepterai de faire un travail là-dessus pour essayer de convaincre le directeur de la jeunesse de ne pas déconcentrer les crédits, de garder ça, enfin bref, bon. Alors j'accepte bien sûr, et je commence mon travail d'enquête et en essayant de rencontrer une personne dont j'avais entendu parler, une certaine Christiane Faure. Mademoiselle Christiane Faure, 87 ans, qui avait mis en place en 1944 une direction de l'éducation populaire au sein du ministère de l'Éducation nationale. Et alors, je voulais qu'elle me raconte cette histoire. Je voulais qu'elle m'explique ce qu'ils avaient essayé de faire. Alors, je trouve ses coordonnées, finalement, et je l'appelle. Mais là, ça se passe pas bien. Je tombe sur un vieux bonhomme, mais détestable. Allô ? Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, j'aurais voulu parler à mademoiselle Faure, s'il vous plaît, mademoiselle Christiane Faure. Et qu'est-ce que vous lui voulez à mademoiselle Christiane Faure ? Oui, pardon, excusez-moi bien sûr, et voilà, auriez-vous l'amabilité de dire à mademoiselle Faure que je m'appelle Franck Lepage et que je fais un travail pour le ministre, enfin je fais... une mission, je dois écrire un rapport, il faut que je fasse une étude. Écoutez, auriez-vous la gentillesse de prévenir mademoiselle Faure que je souhaite la rencontrer dans le cadre du rôle qu'elle a joué à la Libération dans l'éducation populaire et que... L'éducation populaire, monsieur, ils n'en ont pas voulu. Ça n'intéresse plus personne aujourd'hui, au revoir. Clac. Le type me raccroche au nez. Je ne comprenais pas qui était ce gars. Moi, je voulais voir Christiane Faure. Donc, je refais le numéro, puis je m'apprête à lui rentrer dans les dents, quoi, tu vois. Enfin, il me dit « Allô ?» J'ai dit « Écoutez, monsieur, il faut absolument que je rencontre mademoiselle Faure. C'est de la plus haute importance. Venez demain à 10h, l'adresse est dans le bottin. » Clac. J'y suis allé. J'ai sonné. La porte s'est ouverte. Et là, mesdames, messieurs, j'ai vu une vieille dame.
mais vieille. Un espèce de truc, tu vois. C'était courbé en deux, comme ça, tu vois. C'était cassé à angle droit, tu vois. Ça tenait avec une canne au bout, comme ça, tu vois. Qui m'a regardé par en dessous, comme ça, tu vois. Et qui m'a dit... Alors, vous avez trouvé. Bon, alors tout ce que j'ai gagné à l'avoir appelé monsieur au téléphone pendant 10 minutes comme ça, c'est qu'elle a refusé que je l'enregistre. Bon, elle souffrait énormément de sa voix, ça faisait des années que ça durait, elle détestait sa voix, tout le monde la prenait pour un homme au téléphone, et moi aussi, et bon, elle a refusé que je l'enregistre, elle a refusé que je prenne des notes également, ça c'est plus étrange. Elle a accepté le principe d'une conversation de fauteuil à fauteuil, une fois. Elle m'a précisé qu'il n'y aurait pas de seconde fois. Elle a accepté une conversation de fauteuil à fauteuil, sans notes, sans magnétophone. Et donc l'histoire que je vais vous raconter ce soir, c'est ce que ma mémoire a conservé de cette journée étrange qui aura finalement quand même duré 2 jours parce que la première journée, c'est Mademoiselle Faure qui a posé toutes les questions, j'ai pas pu en poser une seule. Elle m'a cuisiné pendant une après-midi, mais comme on m'avait jamais cuisiné, hein. Pourquoi je faisais ça, donc ça, d'accord, tout ça. Est-ce que j'étais marié? Est-ce que j'avais des enfants? Est-ce que j'étais encore avec elle? Non, j'étais plus avec elle. Qui c'est qui avait gardé les enfants? C'était elle, et pourquoi pas moi? Et après, une autre, ah oui, et combien, comme ça? Moi, je répondais, j'étais, excusez-moi, mademoiselle, c'est elle qui a voulu partir, c'est pas moi, je vous demande pardon. Je suis sorti de chez elle complètement déboussolé. Je n'ai pas commencé mon enquête, j'ai pas posé de questions. Ouais, sur le moment, je me suis demandé ce qui s'était passé. Enfin, des années après, je crois que j'ai compris ce qui s'était passé. Enfin, je veux dire, je crois, il me semble que ce qui s'était passé, c'est que Mademoiselle Faure voulait savoir si j'étais du côté de la vérité ou du mensonge. Si elle avait pu soupçonner un seul instant que j'étais du côté de la vérité. La vérité officielle, hein? La vérité avec un grand cul. Et que j'allais faire rentrer en tordant dans la vérité culturelle officielle là, ce qu'elle accepterait peut-être de me raconter. Alors elle ne m'aurait rien dit. Et donc c'est seulement quand elle a été à peu près certaine que j'étais plutôt du côté des contre-vérités. Donc que j'étais un menteur, qu'elle a accepté de me raconter son histoire. Alors, il faut que je vous explique pour que tout soit clair pour vous, qu'à cette époque, j'étais prophète. Prophète salarié, hein, prophète professionnel, enfin, je veux dire. Alors, ça ne s'appelait pas prophète, hein, sur ma fiche de paye. Sur ma fiche de paye, il y avait marqué directeur chargé du développement culturel. Moi, j'avais trouvé ça un petit peu court. Alors j'avais fait rajouter directeur chargé du développement culturel, de la communication, des actions de prospective et de formation. Donc prophète. Et je travaillais dans une fédération dite d'éducation populaire, justement, que certains d'entre vous connaissent, hein. Il y en a dans ce département, la Fédération nationale laïque, pluraliste, co-gestionnaire et démocratique de la jeunesse sociale, solidaire, civique, culturelle et citoyenne de France, qu'on appelle entre nous pour aller plus vite la FLN, PCF, PCS, SS, FF, CCF, FF, CCF. Et mon travail de prophète dans cette fédération consistait à dire la vérité, c'est-à-dire à aller chercher la vérité là où elle s'élabore, hein, près des cercles de pouvoir, enfin disons dans les ministères, et puis à venir la délivrer, voyez, comme un prophète, à ce qu'en France on appelle la base. On dit aussi le terrain. C'est des gens qui me disaient « Ouais, mais Franck, c'est facile pour toi à Paris, dans ta tour d'ivoire, là-bas. » Alors déjà, c'est une tour en béton, mais viens un peu à la base. Hé, hey, oh, hé, hey, bonhomme, hey, descends un peu, là. Viens sur le terrain, un peu, là, voir comment ça se passe. Hein. Nous, on a les deux pieds dans le cambouis, les deux pieds dans la boue toute l'année. Nous, on a les deux mains dans le cambouis. Tout Alors, je vous rassure, ils sont dans des centres socioculturels très propres, avec des moquettes, des fauteuils.
Et c'est comme ça qu'ils parlent d'eux, tu vois. Et mon travail consistait à donner à ces gens-là les mots que le pouvoir souhaite que ces gens-là utilisent dorénavant pour parler du monde, pour parler des autres, pour parler, pour nommer la réalité sociale. En échange de quoi ? Si ces gens-là acceptent d'utiliser ces mots-là, alors le pouvoir accepte de leur donner de l'argent sous forme d'une subvention publique pour pouvoir travailler, pour pouvoir exister. Et donc je faisais un métier utile puisque j'allais chercher les mots qui permettent d'avoir la subvention. Le pouvoir fait un travail sur les mots constamment. Hein. Tous les pouvoirs de toutes les époques, hein, c'est pas la question. Là, il se passe quelque chose de nouveau qu'on verra demain, de plus inquiétant. Mais grosso modo, le pouvoir nous manipule avec des mots. Et ça, je vous apprends rien. Enfin, on domine avec des mots. Benjamin Constant disait la politique, c'est l'art du vocabulaire. Je sais pas, moi, par exemple, en 83, quand les socialistes... Alors, les socialistes en France ne sont pas pour le socialisme. Hein, c'est compliqué, mais bon. Enfin, sauf dans la Haute-Vienne. Et donc... Quand les socialistes vont faire peut-être la chose la plus grave, selon moi, hein, vous avez compris que je suis un gauchiste, de leur histoire, c'est la désindexation des salaires sur les prix. Parce que je dis ça aux plus jeunes dans la salle, parce qu'ils ne savent peut-être pas, mais moi je fais partie d'une génération, mon salaire, moi, il augmentait mécaniquement tous les mois. et donc... Parce qu'il était indexé sur le coût de la vie, d'accord. Et donc, c'est ça, ils ont cassé ça. Alors, c'est le moment où les salaires vont se mettre à stagner, hein, puisqu'on estime que quelqu'un qui sort aujourd'hui de fac avec bac plus 3, bac plus 4, il s'engage en francs constants à exactement 50% du salaire qu'il aurait eu dans les années 70. Ça gêne plus personne aujourd'hui d'avoir 1500 euros, qui est un salaire de merde, et de considérer que c'est un bon salaire. Mais aujourd'hui, il s'engagerait à 3000. Bon, ça, c'est la conférence numéro 5, on n'en parle pas. Vous avez le DVD sur la protection sociale. Et donc... ils vont casser ça, d'accord ? Donc les salaires vont se mettre à stagner, puis le capital va s'envoler, les 10 points de PIB qu'on va prendre dans les dents et tout ça. Bon. Et comment ils ont fait ? Ils n'ont pas dit gel des salaires. Franchement, ils auraient dit blocage des salaires, vous imaginez ? Enfin, ils viennent d'être élus. Deux ans plus tard, ils annoncent un blocage des salaires, on est tous dans la rue. Enfin, tu vois, non, au blocage des salaires. Non, ils n'ont pas dit ça. C'est Jacques Delors qui leur a soufflé le truc. Ils ont dit... Nous allons lancer une vaste politique de désinflation compétitive. Désinflation compétitive, ça veut dire gel des salaires. Hein. C'est un synonyme, ça ne peut rien vouloir dire d'eux. Eh bien, vous n'allez pas me croire. Nous ne sommes pas descendus dans la rue. Non, ah, la défla-fla, au truc, là. Voilà, donc il y a des mots qui nous font descendre et des mots qui nous font rester chez nous. Et donc le pouvoir fait un travail considérable sur les mots. On verra ça avec les oxymores de Sarkozy, tout ça demain. Et les linguistes nous expliquent... Alors, dans la salle, vous avez tous vu qu'il y a des mots qui apparaissent, des mots qui disparaissent, parce que ça va assez vite quand même. Vous avez tous vu des mots disparaître et des mots apparaître. Et les linguistes... nous apprennent qu'on pense avec les mots. Et ça, pour moi, ça a été une révolution. J'avais jamais réfléchi au truc. Moi, je croyais qu'on pense et on invente des mots. Pff, pas du tout. Vous avez déjà inventé des mots, vous. Moi, j'en ai jamais inventé. Hein. Non, c'est pas comme ça. Il y a des mots, on appelle ça un vocabulaire, et avec ces mots, je peux penser la situation. Alors évidemment, pour une situation donnée, si on m'enlève le mot qui me servait à la pensée et qu'on m'en met un autre à la place, pour la même situation... je ne vais pas la penser de la même façon. Je vais prendre un exemple parce que je sens que je parle chinois. S'il y en a ici qui ont connu la guerre de 68, ils se rappellent qu'à l'époque, quand on parlait des pauvres, on disait les exploiter. Bon, je parle des gens dans le travail social, tu vois, tout ça. On parlait d'eux comme ça. C'était comme ça qu'on désignait les gens. On disait, dans les années 70, on disait les exploiter. Ça ne nous posait aucun problème. Alors regardez bien, parce que exploiter, c'est un mot très emmerdant pour le pouvoir. Parce que c'est un mot qui renvoie à un processus qui est l'exploitation. C'est-à-dire que dès que vous... C'est un mot processus. C'est-à-dire que dès que vous dites... dès que vous appelez quelqu'un un exploité, clic, 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 vous avez une machine qui se met en marche et vous cherchez qui est l'exploiteur. Comment il y a quelqu'un qui exploite cette personne ? Où il est que je lui pète la gueule ?
Alors le pouvoir nous a fait comprendre que ça serait mieux dorénavant de les appeler des défavorisés. Alors regardez bien parce que c'est très rigolo. C'est le même homme ou la même femme dans la même situation. On est d'accord, c'est la même personne dans le même quartier, dans la même situation. C'est la même personne, ok? Mais dans un cas, cette personne a été exploitée par quelqu'un, dans l'autre, elle n'a pas eu de bol. Qu'est-ce que je voulais qu'on y fasse? J'en vais quand même pas aller faire chier le MEDEF parce que ce con a pas de peau. Et défavorisé, c'est un état, ça n'est pas un processus. Ce sont des mots état. Hein, il n'y a pas de défavoriseur en langue française. Vous ne pouvez pas penser le processus de la défavorisation, c'est impossible. Personne n'a défavorisé ce gars, il est défavorisé. Hein, c'est comme les exclus, hein. Il n'y a pas d'exclueur. Hein. C'est la naturalisation des rapports sociaux, ça s'appelle ça. C'est-à-dire, il y a les inclus, les exclus. Ben, il y a les noirs, il y a les blancs, c'est la nature, d'accord? Les noirs et les blancs, c'est la nature. Et ben voilà, les inclus, les exclus, c'est la nature. Moi, je m'en fous, je suis inclus, les autres, je m'en tape, c'est pas ma race, hein, tu vois. Et donc, si vous appelez, alors si vous acceptez d'appeler cette femme ou cet homme une défavorisée, alors le pouvoir accepte de vous donner de l'argent pour travailler avec, puisqu'il sait que vous n'allez pas travailler du tout de la même façon si vous êtes travailleur social avec une personne, si vous pensez qu'elle est victime d'une exploitation, si vous pensez qu'elle n'a pas de peau, d'accord ? Dans un cas, vous allez chercher, ça c'est aujourd'hui, à être utile au dominé. Dans l'autre cas, ça c'était les années 70, vous alliez chercher à être nuisible au dominant. c'est pas le même boulot, tu vois. Bon. Et donc, alors nous ne sommes pas obligés d'utiliser ces mots. Il n'y a pas de mode d'emploi, ils ne vous mettent pas un fusil dans le dos. Vous pouvez continuer dans vos demandes de subvention, par exemple, si vous êtes dans une association, à utiliser des mots qui font sens politiquement. Bon, vous me dites combien vous aurez comme subvention, voilà. Monsieur le maire, nous allons nous occuper des aliénés du quartier. Et alors, en plus, c'est fait... Il n'y a pas, oui, je vous disais, il n'y a pas de mode d'emploi. C'est fait en douceur. Tu vois. Ça, c'était mon métier. Mon métier, ça consistait à repérer ces mots-là. C'est pour ça que je passais ma vie dans les colloques. J'étais payé pour ça, d'accord. C'était d'entendre, tu vois. J'étais subsidiologue, en fait. Il fallait que je chope les mots qui permettent d'avoir la subvention avant les autres, quoi, tu vois. Par exemple, un fonctionnaire du ministère de la Culture, par exemple, quand j'allais dans ce ministère pour essayer de trouver des sous pour ma fédération, un fonctionnaire de ce ministère me disait, mais comme ça, tu vois, c'est fluide, enfin, tu vois, c'est dans la phrase, comme ça, tu vois. Il disait, monsieur Lepage, de toute façon, il faut absolument comprendre qu'un processus de développement social sur un quartier aujourd'hui qui ne serait pas articulé en son cœur sur un véritable projet de développement culturel n'aurait aucune chance d'aboutir. Je repérais tout de suite la phrase à subvention, tu vois, toc, je notais, tu vois. Donc je rentrais dans ma fédération, tu vois, là j'organisais un colloque, hein. C'est pour ça que tout à l'heure on finira sur le colloque, donc la base venait en laissant des traces de boue et de cambouis plein les sièges, hein. Dégueulasse. Et puis je leur disais, Monsieur le Président, Monsieur le Maire, non, c'est pas dans ce sens-là, Monsieur le Représentant du Conseil Général, Monsieur le Président, enfin Madame, le Président, bref, Mesdames, Messieurs, au fond, il faut bien réaliser qu'aujourd'hui, un processus de développement social sur un quartier qui ne serait pas articulé en son cœur, sur un véritable projet de développement culturel, n'aurait aucune chance d'aboutir. Alors, les mecs notaient, tu vois. Et puis, ils rentraient dans leur centre social Jacques Prévert, tu vois. Et là, ils faisaient la demande de subvention à la mairie. Et ils disaient, Monsieur le maire, le conseil d'administration du centre social Jacques Prévert a toujours considéré qu'un processus de développement social sur un quartier qui serait pas articulé dans son cœur, sur un véritable projet de quoi? De développement culturel, n'aurait aucune chance d'aboutir. Alors, le maire dont c'est la mission, vérifier la conformité, tu vois, hop, entre ceux qui sait. Et faisait tomber la subvention, les 100 000 euros pour l'opération prévention été jeune ou ce que vous voulez, sur cette association-là, d'accord, plutôt qu'une autre, puisqu'elles sont toutes en concurrence les unes contre les autres, hein, on appelle ça la décentralisation. Et donc, ça va, ça. Vous savez ce que c'est que la décentralisation? C'est un faux ami, ça s'appelle. Hein. La méchante centralisation. Oui, sauf que quand le capitalisme est régulé nationalement, je sais ce que c'est qu'une décentralisation. Bon. Et donc.
La décentralisation, c'est la mise en concurrence de tous les territoires sur le modèle de l'entreprise. Et donc, vous avez deux régions de programme. Ça, c'est pas prévu que je dise ça. Vous avez deux régions de programme, la Haute-Normandie et la Basse-Normandie. C'est deux régions différentes. Et d'accord, ils ont payé un cabinet d'audit parisien très très cher pour savoir, pour calculer quelles seraient les incidences d'une réunification de ces deux régions en une seule région qui s'appellerait la Normandie. Bon. Et alors le résultat est spectaculaire. Le résultat, mais c'est époustouflant. Enfin, ça serait la première région de France pour la richesse produite, la sixième région d'Europe pour le nombre de salariés. Enfin, bref. Ouais, un carton, tu vois. Alors, le journaliste de Charlie Hebdo, à l'époque, on lisait encore ce truc-là, le journaliste, il termine l'article en disant « Oh, vous vous rendez compte le pays qu'on aurait si on remettait toutes les régions ensemble ?» Ici, c'est quoi la région? C'est Limousin. C'est ça? Votre ennemi, c'est Poitou-Charentes. Des gros bâtards, je te le dis. Bref, et donc, alors vous avez toujours des gens qui vont pas dans les colocs. Ouais, les grands maîtres, ouais, truc d'un télo. Bon. Alors, ok, tu fais comme tu veux, bonhomme. Mais alors, eux, ils avaient de moins en moins d'argent pour leur association et ils comprenaient pas pourquoi. Parce qu'ils utilisaient pas les bons mots, quoi, tu vois. Enfin, moi, j'ai vu des demandes de subventions, mais à tomber par terre, hein, je te jure. Mais des trucs à se pisser de rire. Hein. Et je vous jure que c'est vrai. Moi, j'ai vu des trucs du genre, monsieur le maire, le projet du centre social Boris Vian cet été sur le quartier pour les jeunes. C'est que les jeunes soient heureux et qu'ils passent des bonnes vacances. Zéro euro. Nul. Le truc, tu vois, le degré zéro de la pensée. Quoi. Les mecs, même pas capables d'inscrire ça dans une démarche de développement local, tu vois. Enfin bref. Donc je faisais un travail utile, puis surtout je faisais un travail agréable, parce que c'est super agréable de nager dans le sens de l'idéologie dominante. On se sent up to date, tu vois. J'ai vraiment adoré cette période. Enfin, je veux dire, je prenais des bains de médiation culturelle. Je me shootais au diagnostic partagé dans le territoire de la proximité. Enfin, tu vois, c'était super. Jusqu'à l'accident, le truc bête, un jour dans un colloque, est-ce que j'avais abusé du Kir Royal, offert par la municipalité, elle-même ivre de développement local. Toujours est-il, c'était un colloque sur décentralisation justement, et donc toujours est-il que quand ça a été à mon tour de parler, j'ai dit, monsieur le représentant général, le maire, la présidente, au fond, il serait temps de se demander si la décentralisation, c'est un progrès pour la démocratie. Il y a eu un silence. Et puis, ils ont ri. Et ils ont applaudi. Quoi, le genre... Wow. Et le maire est venu me voir avec son Kir Royal à la fin. Il m'a dit, j'ai beaucoup apprécié votre intervention à la tribune tout à l'heure. Au fond, c'est vrai, il serait temps de se demander si la décentralisation, finalement, c'est démocratique. Ça m'a scié, ce truc-là. Alors, j'ai recommencé dans un autre colloque. J'ai fait exprès, hein. Je passais ma vie dans les colloques. Et donc, un colloque sur développement culturel et développement local, tu vois, un truc comme ça. Donc là, j'ai pas bu de Kir Royal, rien. J'ai attendu que ça soit mon tour de parler. J'ai dit, monsieur le représentant du conseil général, monsieur le maire, madame la présidente, madame, monsieur, au fond, il s'attend de se demander si le développement culturel, ça développe quoi que ce soit. Il y a eu un blanc, ils ont ri et ils ont applaudi. Et le maire est venu voir à la fin avec son Kir Royal et m'a dit, j'ai beaucoup apprécié votre intervention à la tribune tout à l'heure. Au fond, c'est vrai, il serait temps de se demander si le développement culturel, ça développe quoi que ce soit. Je m'en suis fait une spécialité. Je suis devenu menteur professionnel.
Donc j'allais dans les colloques pour dire des contre-vérités, vous voyez, à l'envers de ce qui était supposé être dit dans le colloque, tu vois. Alors je me suis mis à avoir un petit succès. Ils se sont mis à me faire venir de plus en plus souvent. Mais vraiment, hein, la veille pour le lendemain, je le passe, nous avons un colloque à Grenoble sur les acteurs de l'éducation partagée. On aimerait absolument avoir votre présence à la tribune. Alors moi je dis, attendez, vous savez que je mens, enfin, vous savez que je ne dis pas la vérité, enfin, vous savez ce que je raconte sur l'éducation, vous savez ce que je dis sur les contrats éducatifs locaux. Vous savez... Oui, c'est exactement ce qu'on veut, ça met de l'animation dans le colloque. C'est là où j'ai commencé à comprendre le rôle qu'on me faisait jouer dans ces trucs-là. D'ailleurs, un jour, un type me l'a dit, tu sais, j'en avais balancé une bonne, comme ça, j'avais fait un peu marrer la salle, tu vois. Et un type a pris le micro, parce qu'on passe toujours la parole à la salle pour les questions. Un type a pris le micro, comme ça, puis il m'a dit, monsieur, en ce qui me concerne, vous êtes un clown. Puis il a ajouté, vous n'êtes pas seulement un clown, monsieur, vous êtes une danseuse. Vous êtes leur danseuse. J'espère que vous en avez conscience, monsieur. Puis il a passé le micro comme ça. Alors je vais vous montrer, mesdames, messieurs, clown danseuse, c'est assez particulier. C'est quoi ça, c'est la quatrième? Cinq? Six? Putain, c'est quoi la septième? Arrête. D'accord. Ça m'a fait un bien fou. Je veux dire, vous passez votre vie à essayer de comprendre qui vous êtes et un type, un jour, dans un colloque, vous fait le cadeau de votre identité. Clown danseuse. Incidemment, ça m'a fait gagner du pognon parce que je payais à l'époque très cher une psychanalyste. Une lacanienne, hein, pour essayer de comprendre qui j'étais. Alors je sais pas, il y a peut-être des gens qui connaissent ça dans la salle, mais s'il y en a d'autres qui ont envie d'essayer, vous avez les freudiens et les lacaniens, grosso modo. Je conseille le freudien. C'est pas qu'il est meilleur, c'est un problème de rapport qualité-prix. Si tu es chez moi, dans le rural profond, hein, entre les montagnes noires et les monts d'Arrée, dans le Finistère centre, la France, tous les pays d'Europe ont une catégorie qui s'appelle le rural, et la France a ajouté une catégorie, c'est le rural profond. Bon. C'est le seul pays d'Europe. Hein. Tu vois, le rural profond, c'est... Je sais pas, moi, ça... rural profond, moi, ça sonne zoophilie dans les étables, tu vois. Et donc, moi, dans le rural profond, le freudien est à 40 euros de l'heure. Bon. Le lacanien est à 40 euros jusqu'à ce que vous ayez dit quelque chose de signifiant. Alors moi, j'avais pas de bol, je disais des trucs signifiants tout de suite. Donc, j'avais des séances ridiculement courtes, tu vois. Et quand je rentrais, ma copine, elle voyait un freudien à Quimper, elle me disait « Oh, c'est super, j'ai parlé avec lui pendant une heure. » Je dis « Ouais, ben moi, elle m'a acheté au bout de 5 minutes, quoi, tu vois. » Puis alors, vous pouvez... Alors, parce qu'au début, vous faites pas gaffe. Au début, vous parlez normalement. Mais c'est le dernier truc à faire avec un lacanien. C'est-à-dire, tu fais pas gaffe, tu surveilles pas ce que tu dis, tu vois. Et donc, par exemple, tu dis « Alors, aujourd'hui ?» Ça commence comme ça, une séance. Non, « Alors, cette semaine ?»« Alors, cette semaine, oui. »« Alors, cette semaine ?» Alors, moi, au début, je faisais pas gaffe. Alors, je dis « Oh, cette semaine, j'en ai plein le cul. » Elle me faisait « Ah, papa !» 40 euros. Vous allez réfléchir à ça, on se revoit la semaine prochaine. Alors, t'essayes de négocier, tu dis « Non, mais c'est une façon de parler. » 40 euros, casse-toi. Alors ça, vous faites gaffe. Ça, déjà, vous arrêtez tous les gros mots, tous ces machins, vous arrêtez. Tu vois, tous les trucs du genre « Ma mère, elle me gonfle », c'est 40 euros direct. Donc, Mais on ne peut pas rivaliser contre une lacanienne, c'est impossible. À la fin, j'essayais de plus rien dire. J'essayais de rien dire d'intéressant. Tu vois, j'essayais de trouver le truc le plus vide, quoi, tu vois. Mais même, elle trouve toujours des trucs, en fait. Un jour, j'étais tellement énervé, j'ai dit, je vais lui raconter ma balade aux champignons la veille, quoi, tu vois.
Là, elle va rien trouver, là, quoi, tu vois. Alors, elle me dit, alors, cette semaine, alors, moi, je faisais le con, tu vois, je fais, ouais, cette semaine, je suis allé me balader, je suis allé aux champignons, j'ai trouvé des bolets, bon, des bolets, il n'y a que ça, j'ai trouvé des pieds de mouton, plus difficile, hein, sous les feuilles, pas évident, le pied de mouton, j'ai trouvé une amanite phalloïde, elle m'a fait, ah, bah, bah, bah. Phalloïde. Vous allez réfléchir à ça, on se revoit la semaine prochaine. Et donc cette femme, je lui disais, au fond, madame, dites-moi, qui suis-je? Elle disait, posez-vous la question. Voilà, alors le gars me donne la réponse, et donc je me suis mis à travailler mon numéro de clown danseuse, et c'est là où les choses ont commencé à se gâter, parce que je me contentais plus d'en balancer une bonne, comme ça, pour faire rire. Par exemple, la décentralisation, c'est un recul du point de vue de la démocratie. Hein. Je me mettais à expliquer ce qu'il faudrait faire pour que la décentralisation, ça devienne démocratique. À savoir du travail public, des contradictions dans la mise en œuvre des services locaux d'intérêt général. Alors là, les gars ont commencé à me trouver moins marrant comme clown. Ouais, pas marrant, le page. C'est politique. Viens, on va boire un kir. Hop, ils se barraient. Et donc, ils m'ont fait venir de moins en moins souvent. Et puis plus du tout. Plus du tout. Et puis ils m'ont viré. Moi et puis d'autres. Enfin, on était. J'ai pas le temps de vous expliquer. Enfin, c'est toute une équipe. Il y avait ma compagne, ma copine dans le tas. Et on a été viré. Et donc on est allé s'installer dans le Finistère, dans le centre Finistère. J'ai quitté Paris, hein, j'avais plus rien à faire. J'étais grillé. Hein. Quitté Paris et je suis allé m'installer dans le Finistère centre et avec mon indemnité de licenciement, j'ai acheté un moulin dans une prairie avec une rivière et 2 hectares de forêt. Et moi qui ai toujours vécu en HLM, moi qui viens d'une famille très 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 pauvre, tu vois, ma mère elle est née dans une roulotte en 31, c'est une immigrée russe, tu vois le genre, à peu près de famille, tu vois. Et moi qui ai toujours passé toute mon enfance en HLM, dans une cité, à 40 et quelques années, je me suis retrouvé propriétaire. Et c'est un drôle de truc. Ça vous change. D'abord, j'ai arrêté de dire la propriété, c'est le vol. Moi, je disais plutôt la propriété, c'est une conquête des travailleurs. Enfin, tu vois, enfin... Mais c'est super bizarre. Enfin, je veux dire, pendant des mois, je me suis réveillé dans ce petit moulin en croyant que j'étais dans un gîte rural en vacances. Enfin, tu vois, je pouvais pas comprendre, c'est tellement beau, je pouvais pas comprendre que ce morceau-là de la planète m'appartenait. C'est un truc, que cet arbre-là est à moi. C'est trop bizarre comme idée, tu vois. Alors au début, je signais les feuilles des arbres. Franck Lepage, Franck Lepage, Franck Lepage, Franck Lepage, Franck Lepage. C'est bizarre, hein. La propriété, c'est bizarre. Hein. Par exemple, tu vois, on est au milieu des bois complètement, enfin, tu vois, et t'as quelqu'un qui se balade dans le bois et il passe, mais 1 mètre chez toi. Tu vois, ah, pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il fait chez moi? C'est un truc à surveiller, tu vois. Là. C'est trop bizarre, ce truc-là. Et puis, je me suis retrouvé pour la première fois de ma vie avec du temps, mes acédiques, 30 mois. 30 mois d'acédiques, et puis à l'époque, attention, hein, c'était le début de cette espèce de saloperie qu'ils ont appelé le PAR, d'accord? Qui fait que maintenant on est tous dans des logiques de contrat. Hein. C'est-à-dire, tu dois prouver que tu cherches du travail, mais c'est plus un droit, là, on est d'accord. Je sais ce que c'est. Non, c'est une assurance chômage. Une assurance, c'est une assurance. Hein. C'est un droit constitutionnel voté par un parlement qui fait que quand vous tombez au chômage, vous avez un droit immédiatement, d'accord, à une indemnité sans avoir à prouver que vous cherchez du travail. D'accord. Vous allez me dire, mais ça ne marche pas comme ça, je leur dis, bien sûr. Mais comment ils ont fait? Oh, je suis en train de faire le DVD numéro 5. Moi, quand je suis arrivé, j'ai dit, je vous préviens, je vais faire 30 mois de hamac et je vous emmerde. Parce que c'est mon droit. Évidemment, la fille, elle a regardé mon curriculum vitae, tu vois. Elle a fait, oui, il n'y a pas de problème. On vous convoquera pour le principe, mais ce ne sera pas la peine de venir. Hein, tu vois. Ah ouais, attention, vous avez vos réseaux. Elle m'a dit, oui, j'ai mes réseaux aussi. Là, il y a 2 poids, 2 mesures. Hein. Et puis surtout, elle m'a dit, il faut que j'arrête cette parenthèse, elle m'a dit, il y en a peut-être qui se rappellent des 2001, l'arrivée du PAR, la 2000. Elle me dit, moi je vais m'inscrire à la NPE, je ne sais plus si c'était déjà le Pôle emploi, enfin qui devrait s'appeler Pôle chômage d'ailleurs. Donc elle me dit, est-ce que vous voulez signer un PAR?
Je dis, je sais pas, c'est quoi? Ben, elle me dit, si vous le signez, vos allocations ne seront pas dégressives. C'est-à-dire, vous allez garder la même somme pendant 30 mois. Si vous ne le signez pas, ça va baisser. C'est quoi ce choix? Il fallait être vachement instruit politiquement et d'ultra-gauche anti-ferroviaire comme moi pour savoir qu'il fallait pas le signer, le truc. Donc évidemment, moi, j'étais, tu vois, j'étais déjà à attaque et tout ça, donc je l'ai pas signé, j'ai compris tout de suite le truc. Je dis non, je le signe pas, c'est pas grave. De toute façon, j'avais des assédics tout à fait corrects, j'avais une paye correcte, ok, j'allais perdre un peu, mais je pouvais me permettre. Mais la dame, là, qui est chômeuse, qui a trois gosses, qui est au SMIC, etc., évidemment qu'elle va le signer, le truc. Mais c'est dégueulasse, ce truc. Parce que comme tout le monde l'a signé, au bout d'un moment, ils ont arrêté de poser la question. Et on est rentré dans une logique de contrat, je ferme la parenthèse, c'est le DVD numéro 5. Et donc on s'est retrouvé, je me suis retrouvé avec du temps et de l'argent. De l'argent parce qu'un an de salaire, mon indemnité de licenciement, ils ont négocié, ils m'ont filé un an de salaire, je suis parti. Alors un an de salaire, quand vous êtes un prolo, vous avez l'impression d'être devenu riche d'un seul coup. C'est complètement idiot, hein, parce que ça fond. Parce qu'en fait, tu te comportes comme un gosse, tu vois. Tu vois, au lieu de chercher dans le bon coin un vélo tout pourri, moins cher que les autres, tu vas chez le marchand de vélo, tu dis, tu vois, je veux un VTT, tu vois, je suis là, tu vois, le jaune là, comme ça, tu vois, pof, tu signes le chèque, t'en fais trois fois, t'as mal au cul, t'arrêtes. Donc ton pognon il s'en va, mais bon, on a quand même acheté le moulin. Et donc je me suis retrouvé avec du temps et de l'argent. Et puis, le truc que vous pouvez pas faire au chômage, c'est rien. Ça, c'est pas possible, c'est glandé. Donc, moi, je me reposais le dimanche. Le dimanche, j'arrêtais, ma copine avait retrouvé du boulot, tu vois. Et donc, moi, mais toute la journée, sinon, t'étais hyper actif, tu vois. Tu coupes du bois, j'ai jamais coupé autant de bois, tu vois. Et donc j'ai décidé de me mettre, de mettre au jardin, parce que j'avais de la terre. Mais j'avais jamais fait pousser le moindre petit pois, quoi. À 14 ans, du shit sur mon radiateur, mais des trucs. Mais. Je veux dire, comme tout le monde, tu vois, un truc, bon, tout ça. Mon père, un jour, il est entré, il me dit, hop, par la fenêtre. Je dis, ouais, c'est des lentilles. Il me dit, tu te fous de moi, j'ai fait l'Algérie. Donc, je suis allé voir mon voisin breton. Alors, breton depuis 75 générations. Hein. Ah, parce que je vous ai pas dit, mais on ne savait pas, mais on s'est mis au cœur des brésopathes. Il y a un copain qui m'a dit, mais c'est où que t'as acheté ton moulin là? Alors j'ai dit, bah c'est vers Spézet, il a fait. Il m'a dit, mais tu parles breton? Bah, j'ai dit non, il a fait. Et là il m'a dit, mon pote, quand on va s'installer à la Mecque, vaut mieux être musulman. Alors c'est vrai que ça fait drôle, la première fois quand tu rentres dans un supermarché et que tout le monde cause en breton, tu dis, on m'a pas tout dit. Alors t'as une semaine, ils te regardent, ils te donnent une semaine pour t'inscrire au cours de breton. T'as des cours de breton partout, d'accord, t'as une semaine. Ils disent rien, ils te regardent. Alors, au bout d'une semaine, t'es pas inscrit, c'est terminé. Donc robespierriste, jacobin, tu vois, ennemi de la culture bretonne, tu vois, enfin bref. Bref. Pas grave, et donc je suis allé voir mon voisin breton, donc j'ai mis ma cuche un peu par derrière pour pas avoir l'air d'un blaouir. J'ai commencé à feuilloter un peu. Et donc je dis bonjour, c'est nous, nos nouveaux voisins, c'est nous qui avons acheté le petit moulin en bas. Voilà, je vois que vous avez un potager magnifique, je voudrais m'y mettre. Alors je n'ai jamais fait ça, je me permets de vous demander quelques conseils. Qu'est-ce qui est facile à faire pousser? Par quoi vous me conseillez de commencer? Il m'a dit c'est les oignons ça pousse tout seul. Bon. Pourquoi pas? Enfin, je veux dire, tu vois, le truc avec une bouffe avec du bœuf, là. Donc, je suis allé chez Gamme Vert. J'ai acheté des sachets de graines d'oignons. Bah oui, parce qu'ils te disent pas tout de suite. Ils se marrent, tu vois, ils regardent le Parisien se planter, tu vois. Puis là, il te donne un petit indice, tu vois. Puis au bout de 20 ans, t'as ton premier oignon, tu vois. Puis là, tu gardes l'info. Tu la files à personne, tu vois. Je veux dire, tu vois, ils te font ça histoire de bien te montrer ce que c'est qu'un savoir populaire, tu vois. Genre, va le chercher dans les bouquins, celui-là, tiens, vas-y. Va à la fac, tiens, apprendre à faire pousser un oignon, tiens. Donc, je suis rentré chez moi avec mes sachets de graines d'oignon. Et puis, un matin,
Un matin, j'ai semé mes graines comme ça, et puis j'ai arrosé. Alors je suis revenu le lendemain matin, il n'y avait rien. Alors j'ai remis des graines, j'ai arrosé. J'étais parisien, hein. Donc j'ai mis des graines, j'ai semé, je suis revenu le lendemain matin, il n'y avait rien. Alors j'ai remis des graines, je suis revenu le lendemain matin, il n'y avait rien. J'ai été racheter des graines, voilà, il n'y avait rien. J'ai essayé Jardiland, Truffaut, Villemorin, pas Villemorin, du F1, du pas F1, enfin bref. Je commençais à trouver que ces produits valaient que dalle, tu vois. Ça, puis ça marche pas leur truc, quoi, tu vois. Je veux dire, tous les jours, tu as des graines, tu n'y a rien, tu vois. Puis un matin, au bout de... Bon, je veux tout lire, en fait, derrière. 18 jours, c'est les radis, les oignons, je sais pas, enfin... Il y avait une espèce de gazon qui était apparu. J'ai flippé. J'ai compris que c'était mes oignons, mais que j'en avais dans les 2 000-3 000. Moi, j'ai arrosé. Hein. Alors, ça pousse. Hein. Ça pousse. Alors, je savais pas quand est-ce qu'on cueille l'oignon. Tu vois, le machin, là. Alors je me disais, je vais en tirer un de temps en temps, parce que j'en ai 3 000, tu vois. Alors chaque fois que j'en tirais un, il n'y avait rien. Moi, j'ai arrosé. Alors les semaines passent, les mois, bon, j'accélère. Ils vont finir par faire dans les 1 mètre, 1 mètre 20. Allez, je dirais 1 mètre 20, allez. Avec une belle boule bleue. Toute bleue. C'est super joli. Putain, il faut que vous essayiez. T'as une putain de tige d'un mètre 20 avec une boule bleue comme ça. Il faut que vous essayiez d'imaginer dans un vent de nord-nord-ouest, 14 km/h, Finistère, tu vois, bon, je suis parapentiste, hein, 2000 boules bleues qui ondulent sur des tiges d'un mètre 20 sur 2 mètres carrés. C'est super beau. Alors je me suis dit, ça doit être là. Alors j'ai tiré, non, c'était toujours pas ça. Bon, alors j'ai arrosé. Et puis, moi j'attendais l'oignon, tu vois, le truc. Alors bon, ça continue à tout ça. Bon, les semaines passent, au bout d'un moment, la boule bleue va devenir noire. Toute noire. Et alors quand vous regardez les boules de tout près, il faut vraiment se mettre le nez dessus comme ça. C'est les mêmes petites graines. Oh, vous êtes comme ça. Donc je me suis dit, ça doit être maintenant. Donc là, j'ai tiré, là, c'était tout pourri, il n'y avait plus rien. Je trouvais ça très con comme système, en fait. Enfin, franchement, j'étais pas sûr que ça allait m'amuser des années. Hein. C'est des graines qui font pousser des graines. Alors j'avais bien conscience d'avoir raté l'oignon quelque part entre les deux. Mais comme je comprenais pas où, et puis surtout que j'osais pas aller demander à mon voisin breton pour pas avoir l'air d'un parisien, tu vois. Alors ça me foutait le cafard, le coup des oignons, parce que ça me faisait penser à ma période colloque-menteur. Parce que à un moment, par exemple, on s'était mis à organiser des colloques pour expliquer aux gens que la décentralisation, c'est plutôt un recul pour la démocratie. Hein. Je veux dire, toutes les associations, le but d'une association, c'est pas de gérer un équipement. Le but d'une association, c'est de faire exister une parole critique dans l'espace public. D'accord. Donc toutes les associations, le nez collé sur le maire, tu vois, sur la subvention municipale, tu vois ce que ça donne par rapport à avant, quand tu avais des subventions qui tombaient. Je veux dire, plus de pensée critique, plus de contre-pouvoir, plus rien, quoi, tu vois. Et donc on expliquait ça, puis on disait la décentralisation, c'est pas démocratique. On disait ça à 100 personnes, qui disaient ça à 100 autres personnes, qui disaient ça à 100... Voilà. Et à la fin, vous aviez 500 personnes qui disaient la décentralisation, c'est pas démocratique. Voilà, c'est tout.
C'est-à-dire, personne ne changeait rien à ça. Les personnes faisaient un oignon avec ça. En fait, c'était des graines qui faisaient pousser des graines, en fait. Bon, j'ai essayé les tomates aussi. Alors, la tomate, quand on vous prévient pas qu'il faut la pincer. J'explique, s'il y en a qui ne savent pas ici, il y a une fourche, là, il y a un truc qui apparaît. Il faut le pincer. Si tu le pinces pas, 6 tomates, 12 tomates, 18 tomates, 20, 30. Je ne pinçais pas. J'ai une copine qui est venue me voir de Paris, elle m'a dit, c'est marrant, je connais pas cette race de tomates. À la fin, je suis allé couper du noisetier en 3 mètres pour faire des tuteurs. J'avais 196 tomates sur 3,30 m de haut, toutes petites, 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 comme ça. Mon voisin breton. Oh, le pauvre gars! Il avait des plants, mais minables, 40 cm. Il arrivait pas à les faire pousser plus haut que ça, lui. Puis il avait rien, il avait 4 5 tomates par plant. Bon, lui, par contre, des grosses. D'accord. Bon, j'ai compris que c'était pas ça le coup des tomates, mais. Je sais pas comment vous dire, c'est un vrai savoir. C'est un vrai savoir. Ça tombe pas du ciel. J'ai trouvé beaucoup plus difficile de réussir un truc comme ça que d'expliquer la crise de la démocratie de représentation dans une économie capitaliste financiarisée. Ça, c'est n'importe quelle nana d'attaque te fait ça le premier soir, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est que dalle, enfin. Alors que réussir ça, c'est un vrai savoir. Alors le coup des tomates aussi, ça m'a foutu le cafard, parce que ça aussi, ça m'a fait penser à ma période de colloque menteur, parce qu'à un moment, on s'était mis en tête d'expliquer aux gens qui faisaient de la démocratisation culturelle, comme nous, comme moi je faisais ça, qu'il fallait qu'ils arrêtent ça, qu'il fallait arrêter ça. Que le problème, c'était pas un problème de manque de culture, qu'il fallait faire de l'éducation populaire, c'est-à-dire exactement le contraire. Faut arrêter de faire croire aux pauvres qui sont pauvres parce qu'ils manquent de culture, quoi. Tu vois, ça va. Je veux dire, faut fabriquer avec les pauvres, c'est-à-dire avec les gens, de la culture, mais de la culture avec un petit C, pas avec un grand Q, c'est-à-dire de l'explication de la société, d'accord ? À partir de ce qu'ils vivent quand ils sont usagers d'un dispositif, agents d'un dispositif, d'accord, quand ils sont... Okay. Et que ça, fabriquer ça, c'est fabriquer de la culture, et donc c'est de l'éducation populaire, c'est-à-dire c'est du travail de la culture dans la transformation sociale et politique. Simplement, comme leur métier, c'était de diffuser la culture des riches sur la tête des pauvres, on leur disait, écoutez, on ne vous demande pas de nous croire ni de donner votre démission demain, on n'est pas idiots. On va vous expliquer. Simplement, il va falloir être patient. Parce qu'il faut maîtriser plusieurs hypothèses. Comme un plant de tomate. Vous voyez ? Pour arriver à comprendre comment sortir de la démocratisation culturelle et comment rentrer dans l'éducation populaire, c'est-à-dire récupérer le mot culture, l'inverser et le retourner contre eux, d'accord ? Il faut maîtriser plusieurs hypothèses. Alors, les gars, ils se méfiaient. Ils disaient, mais ça va être long comment, ton truc ? On disait, ben, il faut repartir de la Révolution. On leur disait, oh, long ! On ne peut pas commencer plus tôt. Je disais, ben non, si on ne repart pas de la Révolution, on ne comprend rien à cette histoire de culture. Alors on leur disait, mais écoutez, essayez, vous verrez bien. Alors là, je vais vous le faire en raccourci, là. Je vais vous faire le plan de tomate, et puis ensuite, on va se faire l'entracte. Et donc, y a 10 branches à l'hypothèse. En fait, pour comprendre comment passer la démocratisation culturelle, enfin la culture avec un grand Q à l'éducation populaire, il faut maîtriser 10 hypothèses. Et dans une salle, vous voyez, de 100 personnes, on perdait 10 personnes à chaque nouvelle branche, tu vois. Voilà, donc on a toujours terminé à zéro. Il n'y a jamais personne qui est resté jusqu'au bout. Alors, je vous le fais à vous maintenant, et puis ensuite, on fait un break. Comme ça, ceux qui ont un métro, tout ça. Donc, on expliquait que le début de toute cette histoire de culture, de toute cette salade, le plan de tomate, le truc qu'on met en terre. Oui, parce que j'ai arrêté avec les graines. J'ai
J'ai regardé comment ils font, les autres. Ils trichent. Vous savez comment ils font avec les oignons? Ils vont acheter des sachets de petits oignons et ils les mettent à grossir dans la terre. Attends, mais ça aussi, moi, je peux le faire si c'est ça. Alors, j'ai acheté des sachets de petits oignons, je les ai mis dans la terre. 6 mois après, ils étaient toujours aussi petits, je les ai remis dans le sac. Une copine qui m'a dit, ça doit être ta terre, t'as fait analyser ta terre. J'ai dit, vous m'emmerdez, maintenant je mets des gros oignons, quand j'en ai besoin, je vais en chercher un, ça va. Donc, le plant de tomate. Un jour, il faudrait que je vous parle des potirons aussi, tiens. Parce que quand on vous explique pas qu'un plant de potiron, ça nourrit une famille de Rome pendant un an... Quand bon parisien, vous faites germer dans des jolis poquets 90 graines de potiron. Là, s'ils vous disent de les mettre par 3, vous dites, oh non, c'est dommage, c'est bête, hein, tu vois. Puis quand ils ont la taille d'un crayon avec 2 grandes feuilles, vous les mettez en terre. Puis là, vous partez en vacances. Gueule du jardin. Puis là, tu fais chier tous tes potes. Tu veux pas me prendre un potiron? Ouais, vas-y, Franck, on a déjà pas bouffé sous le mois dernier. Bah oui, mais j'en ai 400. Et en plus, chez nous, il y a un truc que vous connaissez pas, vous, c'est les limaces. Ouais, parce que vous connaissez ça, vous? Ah ouais? Parce que chez nous, il... tu sais, en Bretagne, il y a 2 saisons, c'est l'hiver et le 15 août, tu sais. Alors les limaces, en plus, t'as toujours des gens qui te donnent des conseils, c'est saoulant, quoi, tu vois. Il n'y en a pas un qui marche, il n'y a que la chimie qui marche. Mais ça, je voulais pas, tu vois. Donc tu mets, faut mettre de la cendre. Alors tu sais, chez nous, il fait beau plusieurs fois par jour, tu vois, c'est-à-dire... Ta cendre, en 1 heure, c'est de la bouillasse, quoi, tu vois. Ouais, les coquilles d'œufs, alors tu chopes du cholestérol, tu bouffes des œufs, tu vois. Elles en ont rien à battre, mais tout, rien, 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 y a rien qui marche. La bière, je la bois maintenant, j'arrête. T'as toujours... Ouais, allez, faut mettre des feuilles de houx, t'as essayé de cueillir des feuilles de houx, connard. Mais c'est une malédiction, hein, je vous jure. Dans tous les spectacles, il y a des spectateurs qui me donnent des conseils, je vous jure. Hein. Pour les oignons, quand vous les avez semés, vous avez regardé la lune, tu vois. Donc, le plant de tomate. Le plant de tomate, c'est la révolution. Alors vous allez dire, ah ouais, la Révolution française, non, non, ça c'est déjà la 2e branche. Non, non, la Révolution anglaise, c'est ça la 1ère branche, c'est ça le début de l'histoire. La Révolution industrielle, 1750. Parce que sur un coin de la planète qui est une île, l'Angleterre, à cause d'une invention, d'une innovation technologique majeure, c'est toujours pour ça qu'il y a des révolutions, hein, c'est des inventions qui changent la façon de produire. La roue avait amené la civilisation agricole, on avait arrêté d'être des chasseurs-cueilleurs, et bien là, c'est la vapeur. La vapeur qui va amener la société industrielle, dont on va crever dans très peu de temps, mais ça, c'est le DVD numéro 4 sur la fin du pétrole. Ça, c'est pas moi qui l'a fait, c'est Tony, cette conférence-là. Après mes conférences, on fait des ateliers, après celle de Tony, on fait des cellules de soutien psychologique. Donc on expliquait que la vapeur, alors je ne sais pas s'il reste des marxistes dans la salle, j'imagine qu'il y en a, et puis il y a aussi des marxistes qui ne le savent pas, parce que bon. Mais bon, gros, je vais le dire en marxiste, comme ça ils comprendront avant les autres, puis après je traduirai en français. Donc on expliquait que la vapeur va bouleverser les rapports de production et les rapports sociaux liés aux rapports de production, donc ça c'est du marxisme. En français, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant vous aviez 30 personnes pour battre du blé, là vous n'en avez plus qu'une qui surveille la machine, et donc les 29 autres. Qu'est-ce qu'elles deviennent?
modification des rapports sociaux, les rapports de production. Et donc, on expliquait que la vapeur va amener quelque chose de tout à fait nouveau, qui est un phénomène que les marxistes connaissent, d'accumulation et de transmission. J'accumule et je transmets aux miens, à mes enfants. Et donc, début des dynasties, etc., l'héritage, on m'en pique la moitié pour le rendre à la collectivité, je trouve ça très juste. L'héritage, si vous voulez supprimer le capitalisme, vous supprimez l'héritage. Vous ne pourrez plus accumuler au-delà d'une vie et vous ne pourrez pas transmettre. Donc, ça ne servira à rien d'accumuler, donc voilà. En tout cas, il va se passer quelque chose de nouveau, c'est qu'il va être possible pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, pour la première fois, que ma vie soit meilleure à la fin de ma vie qu'au début de ma vie, première révolution, et que la vie de mes enfants soit meilleure que ma propre vie. C'est ce que permet cette source d'énergie. Hein. Avec le pétrole, on considère qu'une personne a l'équivalent de 274 esclaves en énergétique. Hein, d'accord ? Avec un litre de pétrole. Et donc, il va être possible que ma vie... Alors, c'est ça qui est en train de changer. Il est de nouveau pas certain que ma vie sera meilleure à la fin de ma vie qu'au début et que la vie de mes enfants sera meilleure que ma propre vie. Et ça change tout. Mais bon, c'est pas le sujet de la conf de ce soir. L'ascension sociale. L'ascension sociale, la voilà, elle arrive là. Sauf que, elle n'est pas permise. C'est-à-dire que vous pouvez vous enrichir, mais vous ne pouvez pas avoir les leviers de commande, puisque c'est la bourgeoisie qui, évidemment, avec la vapeur, va s'enrichir, mais c'est l'aristocratie qui tient le truc. D'accord ? Et puis, on est dans une société complètement bloquée, vous êtes boulanger, vous ne pouvez pas choisir de devenir autre chose. Vous ne pouvez pas dire, tiens, je vais faire cordonnier. Ça ne marche pas comme ça. C'est des corporations, vous êtes boulanger, votre père était boulanger, votre fils sera boulanger, d'accord ? Vous ne choisissez pas votre métier. Et donc, on va faire péter tout le système, la bourgeoisie va tout faire péter, d'accord ? Et à la fois pour dégager l'aristocratie, prendre le pouvoir, mais surtout pour libérer les forces productives, hein, ça, on dit ça en marxiste, c'est-à-dire, deuxième branche de la tomate, la révolution française, celle qui va créer une société d'individus dotés de droits, et notamment du droit d'aller se faire exploiter librement où ils veulent, quand ils veulent, donc les droits de l'homme. Attention. Je ne vous parle pas des droits de l'homme de 58, le droit à l'éducation, la santé et la culture, je ne vous parle pas de ça. Je vous parle des droits de l'homme de 89. Il y en a quatre. Il y a quatre droits qui sont déclarés. Vous les connaissez dans l'ordre ? Dans l'ordre. Premier droit, le droit de propriété. Ces quatre droits signent la naissance du capitalisme. Du vrai capitalisme, hein, du capitalisme industriel. Parce qu'on peut toujours s'amuser à faire remonter le capitalisme à la Renaissance, j'en ai rien à foutre. Hein. Arrêtez de vous faire dire que le capitalisme a toujours existé, qu'il existe depuis que deux mammouths s'échangent des coquillages, d'accord ? Ça, c'est une société de marché. Il y a eu des sociétés de marché pré-capitalistes et il y aura des sociétés de marché post-capitalistes puisque le capitalisme est une forme débile qui n'en a plus pour très longtemps. C'est une forme extrêmement courte dans notre histoire, elle a 200 ans, d'accord ? Et il y a des gens dans cette salle, je vous fous mon billet, qui vont assister à la fin du capitalisme. Les plus jeunes dans cette salle le verront, pour cause d'extinction du pétrole notamment. Le capitalisme est une forme totalement imbécile dont la définition tient en trois mots. C'est un système économique le plus inouï de bêtises qu'on ait jamais inventé. Le capitalisme, la définition du capitalisme, c'est le droit, c'est pour ça que la Révolution française arrive, deuxième branche de la tomate, le droit d'accumulation illimitée. Voilà, vous avez la définition d'un système économique contre-productif, dangereux, suicidaire, mortifère, triste, bête, profondément imbécile. Le droit d'accumulation illimitée, quel que soit. Je vous rappelle que le socialisme, c'est la limitation de cette accumulation. Hein. C'est pour ça que je dis que les socialistes... Sauf ici. Non, c'est vrai, si vous avez des vrais socialistes, je me suis renseigné. Premier droit, le droit de propriété. Vous allez dire, ben non, ça existait déjà, le droit de propriété. On avait le droit d'avoir une chaumière, un âne, un moulin, mais écoutez... Soyez marxiste un peu, ça c'est la propriété d'usage, on s'en fout de celle-là, elle n'a jamais été interdite nulle part, même chez Pol Pot, d'accord ? Je veux dire, c'est bien ça l'astuce de Sarkozy, c'est de nous faire croire, de nous faire mélanger la propriété d'usage et la propriété lucrative en disant si vous vous attaquez à la propriété lucrative, vous n'aurez plus le droit d'avoir une propriété d'usage, vous piquez votre bagnole, la petite maison, la petite vieille, ça suffit. Je veux dire, le droit qui est décrété, c'est le droit de propriété lucrative. C'est-à-dire le droit de posséder une entreprise. C'est ce droit-là qui est fondé en 89. À l'époque, on disait une fabrique. Quand on est marxiste, on dit un moyen de production. On s'en fout, d'accord ?
Et donc le premier droit qui est décrété, c'est le droit de posséder à titre privé un grand moyen de production. Le socialisme, d'accord, c'est l'interdiction de ça. Ça, on peut garder des petits moyens de production, on va pas emmerder la petite PME, mais les grands machins, genre Veolia, c'est non, d'accord. Les autoroutes, bon. Parking Vinci, ça va, quoi, tu vois. Et donc, voilà, donc premier droit, c'est ça. Deuxième droit, le droit de liberté, c'est le droit de faire ce que vous voulez de votre propriété. Je vous rappelle la définition du droit de propriété en France, c'est du latin, c'est « usi et abusi », le droit d'user et d'abuser d'un bien. C'est la définition juridique de votre propriété. Le droit d'user et d'abuser d'un bien. Si vous avez la Joconde, vous avez le droit de la brûler, user et abuser. Si vous êtes monsieur Michelin, l'année de vos bénéfices record, vous avez le droit de licencier 5 à 7 000 personnes sur les quartiers de Clermont-Ferrand, d'accord ? C'est votre droit de propriétaire. Monsieur Jospin, je crois que c'était lui à l'époque, il me semble, ne peut rien vous dire. Il ne peut pas vous dire, je ne suis pas d'accord, je vous empêcherai, c'est impossible. C'est son droit de propriétaire. Propriété, liberté, le droit de sûreté, c'est le droit qu'on protège votre entreprise contre des ouvriers qui voudraient s'en emparer. Et le droit de résistance à l'oppression, quatrième droit, c'est le droit qu'on protège votre usine contre des États qui voudraient s'en emparer. Je vous rappelle que M. Sarkozy, avant de se faire virer, était en train de négocier à toute vitesse le remboursement des nationalisations à la famille Renault, des nationalisations de 45, d'accord ? Au nom de leur droit de propriétaire. Okay ? Et donc ces quatre droits-là vont signer la vraie naissance du vrai capitalisme, le capitalisme industriel. Et donc, troisième branche de la tomate, la culture. Eh bien, elle arrive là. La culture comme nouvelle, alors on va dire en marxiste, comme nouvelle légitimation des inégalités, la culture comme nouvelle explication des inégalités, c'est-à-dire que avant la Révolution, regardez, je me mets avant la Révolution. Avant la Révolution, si vous étiez pauvre, si vous étiez là dans le thermique et qu'il y avait un riche avec son parapente de riche qui était là, d'accord, à l'époque, c'était parce que Dieu le voulait. C'était plausible à l'époque. C'était son truc à Dieu, tu vois. Vous aviez un clergé pour vous expliquer que Dieu, il veut un monde avec des riches, des pauvres, tu vois. Il voit ça comme ça, tout ça. Mais deux bonnes nouvelles. Dieu aime les pauvres. Et puis, deuxième bonne nouvelle, il suffit d'attendre de mourir et on mettra le truc dans l'autre sens. Enfin, ça sera sympa. Vous savez pourquoi le pape, il fait ça dans ses discours ? Parce qu'il traduit ça en 10 langues. Je présente mes excuses aux chrétiens dans la salle. On explique... Arrêtez. On expliquait que... après la Révolution, cette explication que Dieu veut des pauvres et des riches, elle va prendre du plomb dans l'aile et même de l'acier dans le cou. Et on va lui substituer une autre explication, qui est que si vous êtes pauvre et qu'il y en a un qui est riche, c'est parce que vous n'avez pas bien travaillé à l'école. Il faut attendre un mec qui s'appelle Pierre Bourdieu pour démonter cette sinistre connerie. L'école reproduit les rapports sociaux, elle ne les modifie pas. L'école, elle est non seulement là pour confirmer les rapports sociaux, pour empêcher qu'ils bougent, d'accord ? L'école, elle fait monter tout le système. Ça monte, hein, ne vous inquiétez pas. On estime qu'un, grâce à l'école, un bachelier d'aujourd'hui a le niveau culturel d'un ingénieur de 1953. D'accord ? Ok ? L'école, elle rend toute la société plus productive. Ce que l'école ne permet pas de faire, c'est ça. Vous allez dire, c'est pas vrai. J'en connais. Ouais. Hein. 1% de fils d'ouvriers à l'université en 1945, 1% de fils d'ouvriers à l'université en 2010. Attention. Qui sortent de l'université dans les filières d'excellence. Hein. J'en ai rien à foutre des filières où les riches vont pas. Hein. Là, les pourcentages ne m'intéressent pas. Hein. Je parle bien des grandes écoles et tous ces machins-là, d'accord ? 1%. D'accord ? En 50 ans, ils osent parler de démocratisation des savoirs. D'accord ? Bon, ça, c'est le sujet numéro 2. C'est pas ma... C'est moi qui l'ai fait, celle-là. Ça va se prendre 3h30 en plus. Empêchez-moi d'aller sur l'école. Si je vais sur l'école, vous me ramenez, vous dites, ah, papa, c'est la culture ce soir, c'est pas l'école. Et donc, vous savez combien il y a d'ouvriers en France ? On a posé la question à des étudiants Bac plus 5, Rennes 2, sciences de l'éducation. On leur a dit, c'est cité dans des revues de sociologie ce truc, on leur a dit, combien au fait, il y a combien d'ouvriers en France en 2010, c'était en 2010, en proportion de la population active ? Mais vous devez faire une réponse collective. Vous devez vous consulter, on veut une réponse pour tout le groupe. Et ils ne s'y attendaient pas. Alors ils ont discuté entre eux, et puis ils ont dit au prof, bon ben monsieur, on pense qu'il reste aujourd'hui en France en 2010,
5% d'ouvriers. Alors, mesdames, messieurs, l'INSEE, qui n'est pas la LCR, hein, c'est autre chose, hein. L'INSEE nous informe qu'il y a aujourd'hui en France 30% d'ouvriers, soit 6 300 000 travailleurs, c'est-à-dire un tiers de la population active. D'accord ? Donc, pour que des étudiants Bac plus 5, n'en voient plus que 5%, c'est que nous avons réussi à effacer de leur regard, et peut-être du nôtre, hein, la culture, hein, 25% de la population. Ils sont plus, la condition ouvrière, ils sont plus dans les journaux, ils sont plus à la télé, ils sont plus dans les romans, ils sont plus à la radio, ils sont plus dans les livres, ils sont plus au cinéma. Il n'y a plus d'ouvriers en France. C'est magique. 25%. Et donc 1% de ces 30%-là vont sortir de l'université. Sortir, hein, je m'en fous qu'ils rentrent. Hein. Qui rentrent, ça c'est Sarkozy, c'est l'égalité des chances. Hein. Enfin, ça c'est un oxymore, hein, ça s'appelle en français. Un oxymore, c'est soit c'est l'égalité, soit c'est les chances. Hein. On ne peut pas être les deux. Hein. Hein, l'égalité des chances, c'est la définition de l'inégalité, n'est-ce pas? D'accord, mais ça permet de l'appeler l'égalité, hein, on est chez Orwell. Hein. Hein, c'est l'égalité des chances, c'est que pour le lièvre comme pour la tortue, la ligne de départ est la même. Hein. Et donc, quatrième branche de la tomate, on expliquait qu'on pouvait croire à cette idiotie dans une société de plein emploi. D'accord ? C'était plausible. Le mensonge de l'école était, à l'époque, on pouvait y croire. Société de plein emploi, j'ai connu, hein. Je ne dois pas être le seul dans la salle. Je dis ça aux plus jeunes dans la salle, parce qu'ils ne savent pas, mais on avait un truc à l'époque, dans les années 70, c'était génial, ça s'appelait la démission. C'est super. Tu vois. Ouais, c'est une boîte pourrie si je me casse. Hop. Maintenant, c'est... Non, c'est très très bien. Comment ? Baisser mon salaire ? Oui, d'accord, oui. Jusqu'à 40%, oui, c'est l'ANI, bien sûr, ça a été signé par la CNFDT. Et donc, pas de problème, ok. Bref, et donc on peut croire dans une société de plein emploi, quatrième branche de la tomate, on peut croire, vous pouviez croire. Parce que dès que vous sortiez de l'école, vous étiez au boulot. Donc vous pouviez croire que si vous étiez ouvrier et que votre copain était médecin, c'est parce que vous n'aviez pas tout récité les leçons à la maîtresse comme lui. Vous auriez tout récité à la maîtresse, tout pareil que lui, vous seriez médecin. Vous pouviez croire ça, à l'époque. Il se trouve que votre père était ouvrier et que le sien était médecin. Bon, mais ça, c'est une coïncidence. Hein. Mais ça ne marche plus dans une société de chômage structurel de masse. 10 au kire. Donc, cinquième branche de la tomate, on expliquait ce qui crée le chômage structurel de masse, c'est-à-dire, on expliquait la théorie de l'excès de culture. Alors là, vous dites, mais qu'est-ce qu'il dit ? Bah oui. Bah oui, parce que la culture, c'est un truc de droite. C'est ça que j'ai fini par comprendre. La culture, ça sert à nous définir en manque, en creux. D'accord ? On pourra toujours expliquer votre situation sociale par votre manque de culture. Le problème, c'est que même quand vous aurez lu Proust et Gide, il restera à vous taper Dostoïevski. Donc, vous n'en aurez jamais assez. Okay ? Si vous êtes de droite, cette explication vous convient. C'est-à-dire que la droite, c'est une attitude politique, mentale, qui consiste à penser que nous sommes individuellement responsables de notre situation. Il suffit de se bouger. Mais si vous êtes de gauche, ben, ça ne marche plus. Vous savez qu'il existe des déterminants collectifs aux inégalités. Et donc, si vous êtes de gauche, vous devez savoir que non seulement nous ne manquons pas de culture, mais que nous sommes tous en excès de culture. C'est-à-dire que nous en savons tous, grâce à l'école d'ailleurs, nous en savons tous plus que ce qu'on nous autorise à faire dans l'organisation du travail. Premier des droits de l'homme, on ne touche pas à ça. Ça appartient au patron des moyens de production. C'est-à-dire que tous là dans cette salle, tous, vous en savez plus, vous pourriez en faire plus si on libérait votre initiative au travail. Vous pourriez en faire plus que ce qu'on vous laisse faire. D'accord ? Mais vous connaissez ça très bien. C'est la secrétaire trilingue qui accepte de s'employer pour le salaire d'une secrétaire monolingue qui lui pique sa place et qui, de toute façon, va utiliser une seule langue pour coller des timbres toute la journée. D'accord ? Donc, on appelle ça le massacre des compétences, d'accord ? Bon, c'est-à-dire, c'est l'organisation scientifique du travail, c'est le management, c'est toute cette horreur-là, d'accord ? Si on laissait les gens définir comment organiser leur travail avec les milliards de bénéfices de Michelin, il n'y aurait plus de chômage, d'accord ? On dirait, non, mais attendez, on va les utiliser, vos milliards, bougez pas, on a plein d'idées, ok ? Bref,
Et donc, cinquième branche de la, sixième branche de la tomate, on expliquait qu'une société de chômage structurel de masse va modifier la nature de l'action publique. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est très simple. Dans les années 60, c'était quoi l'action publique quand vous étiez élu quelque part? C'est archi facile. Ça consistait à faire sortir de terre des MJC, des théâtres, des piscines, des médiathèques, des bibliothèques, des centres culturels, des théâtres, des bibliothèques. C'est-à-dire, ça consistait à distribuer la richesse économique sous forme de richesse culturelle pour produire de la richesse et de l'ascension sociale. Bon. Dans une société de chômage structurel de masse, quand vous avez 10 millions de personnes rayées des cadres, 4 millions de chômeurs plus 6 millions de précaires qui n'ont aucun avenir, en France, cinquième puissance économique mondiale, attention, la France dégueule de richesse, la France a doublé son produit intérieur brut en 17 ans, elle avait mis 50 ans avant à faire ça, c'est-à-dire qu'entre 1996 et aujourd'hui, il y a en France deux fois plus de richesse qui se balade, la France ne fabrique pas du pauvre, elle fabrique du riche essentiellement. Vous allez me dire, cet argent, il n'est pas dans votre poche. Oui, d'accord, mais ça, c'est un autre problème. Ce n'est pas un problème de crise, ce n'est pas un problème d'austérité. C'est un problème de répartition, de rapport de force. Bon. Alors, ça va, serrer la ceinture, ça va, c'est bon, quoi. Il n'y a absolument aucun manque de richesse en France, il y en a trop. Et donc, on expliquait que dans une société de chômage structurel de masse, l'action publique va arrêter de faire sortir des médiathèques et puis surtout, elle va arrêter de faire croire à Karim que s'il va à la médiathèque, ça va l'aider à trouver du travail, d'accord? Alors, pourquoi Karim? Il faut que je m'explique. Ça, c'est l'INSEE, c'est pas moi. Qui a un contrat de travail à durée indéterminée en France, c'est-à-dire qui a un avenir aujourd'hui? C'est-à-dire qui peut se marier, s'installer avec sa copine, prendre un appart, d'accord? Présenter une fiche de paye, un CDI, qui peut faire des gosses, acheter des frigos, changer de gosse, changer de frigo, qui? D'accord? Ben, c'est simple. C'est des hommes, c'est pas des femmes. Ils ont entre 30 et 50 ans. En dessous de 30 ans, c'est trop jeune. Au-dessus de 50 ans, c'est trop vieux. D'accord ? J'aime beaucoup le programme de Pôle emploi. Quand vous avez 50 ans, vous recevez un truc qui s'appelle « Senior et alors ». Sympa. Donc, des hommes entre 30 et 50 ans, d'origine française sur au moins deux générations, et bien qualifiés, mais pas trop. Et donc, tout le reste, c'est-à-dire la majorité de cette salle, moi y compris, d'ailleurs, je me suis accroché à un handicap récemment, l'âge. Nous sommes considérés par l'INSEE comme population à risque. À risque au regard de notre capacité à nous insérer sur le marché du travail. Le marxiste rigole, il sait qu'il n'existe pas de marché du travail, mais c'est pareil. C'est la conférence numéro 5. Et donc pour ces gens-là, donc si vous appelez Fatima, un handicap, vous êtes une femme. Deux handicaps, votre père est algérien. Trois handicaps, vous n'avez que 26 ans. Quatre handicaps, vous n'avez que bac plus 2, bac plus 3, d'accord? Donc, pour vous, on va mettre en place des dispositifs. Une action publique par dispositif. Des dispositifs de traitement social du chômage pour vous aider, n'est-ce pas, à retrouver le chemin de l'emploi. Parce qu'en fait, il y a une énorme offre d'emploi que fait le patronat français, mais les gens ne la trouvent pas. Écoutez, c'est con, putain. C'est-à-dire, des dispositifs pour les 16-18, pour les 18-25, pour les femmes de 18-25, pour les femmes des 18-25 issues de l'immigration, etc., pour vous aider, n'est-ce pas, à devenir un peu moins jeune, un peu moins femme, un peu moins étranger, un peu moins... D'accord? Évidemment, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Une action publique par dispositif, ça ne marche pas puisque ça ne s'attaque pas à la cause du chômage qui est l'organisation du travail dans l'entreprise et la répartition des moyens, d'accord? Ça s'attaque aux chômeurs. Et donc, septième branche de la tomate, on expliquait qu'une action publique par dispositif, ça tue la démocratie de représentation, mesdames, messieurs. Nous sommes en train de vivre le moment historique d'effondrement de la démocratie délégataire. Sondage sur dernière présidentielle, 70% des personnes interrogées considèrent que leur bulletin de vote n'aura aucune incidence. 70%. Et donc la droite, la gauche nous disent « Nous allons déclarer la guerre au chômage !» Au bout d'un moment, le citoyen se dit « Marche pas leur truc !» On pourrait peut-être essayer autre chose.
Et ça tombe vachement bien. 8e branche de la tomate. Vivendi se pointe. Et dit, donnez-moi les services publics. Donnez-moi la flotte. C'est fait. Donnez-moi le téléphone. C'est fait. Donnez-moi l'électricité, c'est en ce moment. Donnez-moi les transports. Tous les transports régionaux, c'est Veolia. Donnez-moi les maisons de retraite. C'est pareil, c'est Veolia. Donnez-moi. L'école. L'éducation nationale, ça c'est le grand projet de l'Union Européenne, c'est de privatiser toutes les éducations nationales. Ça c'est Strauss-Kahn qui l'aurait fait. Je suis sûr que c'est lui. Il avait commencé au FMI, d'accord ? Ok, ça sera pas lui, ça sera un autre, c'est pas grave. Les Américains nous ont sauvés 3 fois dans notre histoire, en 14, en 39 et en 2011 au Sofitel. Donc... C'est-à-dire, donnez-moi l'argent des services publics. Donnez-moi l'argent des services publics, donnez-moi les milliards de l'impôt, nom de Dieu, que c'est con de transformer ça tout de suite en un service public alors que ça pourrait d'abord passer par la case banque et qu'on pourrait faire fructifier cet argent en bourse et qu'on rendrait le service. Vous inquiétez pas, il y aura de l'hôpital, il y aura de la maison de retraite pour ceux qui peuvent se la payer, il y aura de la flotte 4 fois plus chère, il y aura des autoroutes payantes, c'est le seul pays d'Europe où on les paye, les autoroutes, la France. Il y aura. Je veux dire, et alors, c'est quoi le problème? Aux États-Unis, ça marche comme ça, c'est une grande démocratie, c'est quoi le problème? 9e branche de la tomate, on expliquait que si on ne veut pas de ça, à supposer qu'on ne veuille pas d'une société où tout, éducation, santé, tout va être une marchandise, d'accord? On peut le vouloir, ça existe des sociétés comme ça. Moi je suis allé au Liban, il n'y a pas de service public, je peux vous raconter comment ça se passe, ça marche, ça existe, ça marche pas comme chez nous. Il faut mieux être du bon côté du truc, on est d'accord, mais ça existe. Mais supposons qu'on ne veuille pas de ça, mais alors faut arrêter de faire croire aux pauvres qu'ils sont pauvres parce qu'ils manquent de culture, quoi. C'est vraiment pas le problème, enfin. Je veux dire, faut arrêter ça, quoi. Il faut fabriquer avec les gens de la culture, c'est-à-dire il faut mettre autour d'une table un agent d'une mission locale pour l'emploi qui sait qu'il n'a jamais inséré personne d'autre que lui-même, d'accord ? Des jeunes accueillis dans cette mission qui savent qu'on va les trimballer dans des stages qui servent à rien mais qui vont engraisser des officines privées de formation. Des élus qui savent qu'il n'y a pas d'emploi. Ils sont pas cons les élus, ils savent que ça n'existe pas, d'accord ? C'est-à-dire que tout le monde sait. Mais quand est-ce qu'on met ces gens autour d'une table pour fabriquer de la culture avec ça ? C'est-à-dire pour commencer à détricoter le système, d'accord ? Jusqu'à la révolution. Quoi d'autre ? Là, il restait une personne. Et on la finissait avec la 10e branche de l'hypothèse, puisqu'on disait... Oh la vache, j'ai pris 10 minutes de retard. Et puisqu'on disait... Et alors c'est étonnant, parce que cette approche de l'éducation populaire comme travail de la culture, de la transformation sociale, c'est exactement la définition que proposait Paul Ricoeur de la démocratie. Paul Ricoeur, c'est un philosophe chrétien qui vient de mourir et qui est le seul qui avait pensé la démocratie comme un processus et pas comme un ensemble de valeurs, d'accord ? Parce que si je vous dis c'est quoi la démocratie et que vous n'avez pas passé vos soirées à lire des bouquins de Sciences Po, bah vous allez me dire un truc du genre, bah la démocratie, c'est quoi ? C'est la liberté d'expression. Ah, ok, donc... Non, la liberté d'expression n'est que le premier temps du processus démocratique, qui en compte 4 selon Ricoeur. Parce que Ricoeur nous disait, est démocratique, une société qui se reconnaît divisée, c'est-à-dire traversée par des contradictions d'intérêts. Mon intérêt n'est pas ton intérêt, votre intérêt, d'accord ? Mais qui se fixe comme modalité obligatoire d'associer à part égale chaque citoyen dans l'expression de ses contradictions. Ok, liberté d'expression. L'analyse de ces contradictions. Oui, il y a déjà beaucoup moins de monde là. Vous aurez des subventions. Si vous êtes une maison de jeunes, par exemple, ou un centre culturel, vous aurez des subventions pour que des jeunes vomissent les institutions dans des textes misogynes, phallocrates, d'accord ? Fuck la police, nique ton maire. Vous aurez des subventions pour ça au nom de la liberté d'expression. Mais... faites un truc, parce que moi, nous on l'a fait, je peux vous raconter. Gardez-les, les jeunes. Au lieu de dire, ça y est, j'ai fait mon boulot, je suis un démocrate. Non. Gardez. Reste un peu. Reprenons ce que vous avez écrit. Reprenons vos textes et maintenant fabriquons de l'analyse politique avec ça. Et là, vous me dites combien vous avez comme subvention. Allô, c'est le service jeunesse à l'appareil. La MJC, oui. Vous faites quoi là avec les jeunes de l'analyse politique? Vous pouvez passer au deuxième étage, là, vite fait. Expression, analyse, délibération.
avec ceux qui ne sont pas d'accord avec votre point de vue, en vue d'arriver à un arbitrage de ces contradictions. L'arbitrage, ce n'est pas nous, c'est le politique, c'est l'élu. Okay, ça ne nous concerne pas. Attention, une contradiction ne peut être qu'arbitrée, elle ne peut jamais être résolue. Hein. Un pays qui aurait résolu ses contradictions serait un pays de type fasciste. D'accord ? Il n'y a pas de prostitution en République populaire de Chine. Voilà, fin de la contradiction. Voilà. Il reste quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Il n'y avait plus personne. Ils étaient tous repartis. Balancer de la culture sur la tête des pauvres, torcher au kir. Et nous, on disait, mais pourtant, c'est ça. Enfin, si, c'est ça. Enfin, la révolution industrielle, tac, la révolution française, quoi. La culture comme explication des inégalités, ça tient tant qu'il y a du plein emploi, ça vole en éclats avec le chômage, ça fout en l'air démocratie si ça se vend au privé, et la privatisation des politiques publiques. Et, mais c'est... Éducation populaire pour résister. Si, c'est ça. Personne. Personne. Et tout ça à cause de qui ? À cause de Christian Faure. Parce que quand elle a finalement accepté de me raconter son histoire, le deuxième jour, ben moi, j'ai commencé à comprendre. Mais là, j'ai pris une sacrée baffe. Je vous raconte ça pour ceux qui reviennent après l'entracte. Vous êtes revenu ? Et donc, le deuxième jour, Mademoiselle Faure m'a dit, asseyez-vous, monsieur, et taisez-vous. Je vais vous raconter la véritable histoire du ministère de la Culture. En 1940, monsieur, j'étais jeune professeur de français au lycée de jeunes filles à Oran, en Algérie, lorsque l'État français a promulgué les lois portant statut des Juifs en France. Monsieur, nous avons reçu une circulaire du ministère nous demandant d'établir la liste des élèves juifs de notre établissement afin qu'elles en soient expulsées. Monsieur, j'étais choqué de cette mesure, mais j'étais encore plus choqué d'être la seule à être choquée. Et mes collègues m'ont dit, Christiane, qu'est-ce que tu veux faire ? C'est une loi, et puis c'est une guerre, et puis c'est une directive du ministère, et puis la circulaire précise qu'en cas d'omission d'une seule élève, c'est le proviseur qui sera sanctionné. Et puis tu devrais faire ta réprobation plus discrète si tu ne veux pas risquer, toi, d'être déporté, d'être... Voyez-vous, monsieur, nous avons établi la liste. Monsieur, je savais que je ne pourrais plus jamais être enseignante après la guerre. Voyez-vous, j'enseignais Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Diderot. Sachant les enseigner, monsieur, nous aurions dû savoir les défendre. J'ai pleuré de rage en voyant les jeunes filles descendre la colline d'Oran avec leurs blouses roses et leurs livres scolaires. Alors elle va résister, Christiane. Vous savez ce que ça va être, sa résistance ? Elle va leur faire cours en cachette chez elle la nuit. Voilà. C'est ça sa résistance à Christian Faure, faire cours à des élèves juives chez elle le soir. Alors ça va se savoir. Elle va passer à ça de très très gros ennuis, mais coup de chance pour elle,
l'Algérie est libérée très tôt. Et dès 1942, le gouvernement provisoire de la République s'installe à Alger et reconstitue des cabinets. Le proviseur est muté à Constantine. C'est tout de même moins loin qu'à Auschwitz. Et donc, ils vont reconstituer des ministères, notamment un nouveau ministère, non plus de l'instruction publique, mais de l'éducation nationale. Et c'est Christiane Faure qui m'explique la différence. Ils ont un ministre, René Capitan, un directeur de cabinet, Jean Guéhenault. Peut-être certains d'entre vous connaissent Jean Guéhenault, c'est un philosophe proche du Parti communiste, c'est le grand inventeur des maisons de la culture, c'est pas l'autre, on y arrive. Et donc, elle me raconte que Jean Guéhenault et Capitan les réunissent et leur disent « Voilà, nous avons un problème, nous savons désormais que ça n'est pas une question d'instruction. Enfin, on peut être parfaitement instruit, extrêmement cultivé et ne pas préférer la démocratie au fascisme. » Des gardiens de camps de concentration étaient de fins mélomanes pour certains d'entre eux. Tout le patronat français massivement a collaboré. C'était tous des gens bardés de diplômes. Hein. Les gens de la Banque de France, qui était une banque privée, Schneider, d'autres, etc. Enfin, à travers la synarchie, hein, ceux qui connaissent ça, une société secrète en 1932 qui négociait avec Hitler et tout le patronat français. Enfin. Et donc tous ces gens étaient cultivés. Et donc, si ça n'est pas... On avait cru, hein, les Lumières, c'était l'idée que plus on fait monter le niveau d'instruction d'un peuple, plus on fait reculer la barbarie, et bien Auschwitz démontre le contraire. Et donc il faut la Shoah, plus l'élimination des Tziganes, plus enfin bref, 20 millions de morts, je ne sais plus combien, pour qu'on admette cette idée toute simple, c'est que la République a une responsabilité constitutionnelle dans l'éducation politique des jeunes adultes. D'accord ? Parce que si ça n'est pas un problème d'instruction, c'est donc que c'est un problème d'éducation politique. La démocratie, ça s'apprend. La République, ça s'enseigne. Ce que Condorcet avait déjà dit. Condorcet, il y avait deux parties dans son plan. Hein, pour fonder une république, une démocratie égalitaire et tout le bazar. On n'avait pas essayé depuis 2000 ans, hein, depuis les Grecs. Et Condorcet disait, mes petits amis, une démocratie, ça ne tombe pas du ciel. Il disait, il y avait l'instruction publique des enfants, puis il y avait l'éducation politique des adultes. Hein. Et Condorcet disait, attention, si vous ne faites que l'instruction publique des enfants, vous allez simplement bâtir une société dans laquelle les inégalités seront désormais fondées sur les savoirs. Il avait tout compris, Condorcet. Il avait lu Bourdieu, tous ces machins-là. Donc évidemment, on avait soigneusement laissé tomber le volet d'éducation des adultes. Ça n'intéresse aucun pouvoir d'avoir des adultes instruits politiquement. Et donc il faut la Shoah, il faut tous ces millions de morts, il faut les camps de concentration pour qu'on remette en œuvre le plan de Condorcet. Et effectivement, pendant une très courte période, ça va durer 3 ans, en 1944, on va créer une nouvelle direction au sein du ministère de l'Éducation nationale, et c'est Christiane Faure qui se porte volontaire. Vous savez, dans ce ministère, il y a toujours les mêmes directions depuis 2 siècles. C'est la direction du primaire, la direction du secondaire, la direction du supérieur, la direction des arts et lettres, les beaux-arts. On va y revenir tout à l'heure à celle-là. Et puis, la direction de l'éducation physique et des activités sportives. Eh bien, on va remettre une nouvelle direction, la direction de l'éducation populaire, qui s'appelle pendant 3 mois la direction de la culture populaire. Puis on change le mot. La direction de l'éducation populaire et... des mouvements de jeunesse. Mouvement, parce qu'on ne veut pas confier ça à des enseignants, étant donné ce qui vient de se passer. Et jeunesse, attention, attention. Jeune, à l'époque, ça veut dire 21 ans minimum. Ce sont des jeunes adultes. Faites très attention, ne faites pas d'anachronisme, parce que le mot « jeune » a changé de sens dans les années 60. Attention, hein. Si je vous dis « jeune », vous entendez un adolescent. D'origine immigrée, avec une casquette à l'envers, des lacets, des faits. Ben oui, c'est ça un jeune dans le discours politique. Quand Sarkozy nous parle des jeunes, il ne parle pas d'un type qui a 26 ans, marié, catholique, Sciences Po, 3 enfants et qui dirige une agence bancaire déjà. Ok, c'est pas ça un jeune. Okay. En 44, si. En 44, un jeune, c'est ça. Un jeune, ça a 21 ans, un costard, une cravate, ça va rebâtir la France qui a été rasée par des bombes américaines avec du fric américain comme ils font partout et des entreprises américaines comme ils font en Irak, en Afghanistan, ils ont toujours fait ça.
connaissez d'ailleurs la clause d'attribution de l'argent du plan Marshall. Il y avait une condition. C'était la liberté totale de circulation des produits culturels américains. Hollywood. Donc Christiane Faure, on va lui donner un petit peu d'argent. Alors elle va recruter, avec le peu d'argent qu'elle a, elle va réussir à recruter 18 personnes. 18 personnes, et elle va chercher des gens qui ont tous un métier dans un domaine qu'on appellerait aujourd'hui d'expression, pour utiliser des mots d'aujourd'hui. En fait, elle va recruter des cinéastes. Elle va recruter, Chris Marker fera partie de cette équipe dans les années 50. Elle va recruter des gens de la radio, Pierre Schaeffer. Pierre Schaeffer, il va créer Radio France un peu plus tard. Elle va des gens du théâtre, Gabriel Monet, Henri Cordreau, Gignoux qui va créer le TNS à Strasbourg un peu plus tard. Elle va recruter des ethnologues, elle va recruter des économistes, des gens du livre, Jean Nazet, des écrivains, bref. Toute une équipe comme ça. Et à chaque fois, elle leur dit, est-ce que vous accepteriez de venir, enfin d'abandonner votre carrière en quelque sorte et de venir à l'éducation nationale, inventer, parce qu'on ne sait pas faire ça, inventer les conditions d'une éducation politique des jeunes adultes. Comment on fait de l'éducation politique qui ne soit pas de l'endoctrinement, mais qui soit bien de l'éducation populaire, c'est-à-dire du travail, de réflexion sur la démocratie, la pensée critique, l'économie, enfin bon, bref. Alors, ils sont 18 à embarquer, j'en ai rencontré quelques-uns. Eux, ils m'ont laissé les enregistrer. Et puis, il y en a qui ont refusé de me voir. Charles Antonetti, qui est un très grand nom du théâtre français, complètement ignoré, lui a refusé de me voir, il ne veut plus parler de cette histoire. Mademoiselle Nicole Lefort des Ilouz, elle, quand je la vois, elle me raconte sa première entrevue avec Christiane Faure en 1944. Elle dit, je suis allé demander à Mademoiselle Faure en quoi consisterait mon travail. Et Mademoiselle Faure m'a répondu, si vous ne le savez pas, vous n'avez rien à faire ici. Il fallait qu'ils inventent complètement ce métier. Et alors les communistes vont essayer de mettre la main sur cette direction et les gaullistes vont essayer de mettre la main sur cette direction. Ça n'intéresse pas tellement un gaulliste de voir un communiste s'occuper de l'éducation politique des jeunes Français, si vous voulez. Et vice-versa. Et donc, ils vont se tirer la bourre comme ça pendant 3 ans, et c'est les gaullistes qui vont gagner. Alors, le problème, c'est que c'est les communistes qui sont rapporteurs des problèmes éducatifs dans les gouvernements de la Libération. Alors, les communistes, voyant que le truc va leur échapper, plutôt que de le filer à un adversaire, ils vont préférer couler le projet. Est-ce qu'ils ont eu raison? Est-ce qu'ils ont eu tort? L'histoire jugera. Toujours est-il que Mademoiselle Faure explique que M. Roger Garaudy annonce en 1948 à la Chambre, à la surprise générale, que le groupe communiste propose pour mesure d'économie publique de fusionner 2 directions d'éducation nationale en une seule. Alors, j'ouvre une parenthèse parce que j'ai peur que des gens dans la salle les plus jeunes aient un doute. Les communistes à l'époque ne sont pas à 1,9%. C'est ça, je vais dire, qu'est-ce qu'on a à foutre des communistes? Non, ils sont à 24% de l'électorat, c'est le premier parti de France. Ils vont culminer à 27%, je crois, en 67, d'accord? C'est plus important. Et ils sont armés. Alors évidemment, avec un parti communiste armé à 24%, on arrache la sécurité sociale en une seule caisse contre tous les accidents de la vie, la généralisation des retraites pour tout le monde, c'est plus le patron qui décide du salaire, il y a des conventions collectives, il y a... D'accord? Oui. Ah oui, ah bah oui, un parti communiste armé à 24%, ça change tout de suite la gueule du dialogue social, tu vois. Ah oui. Ouais. Vous imaginez, là, à l'époque, avec Fillon, là, quand il nous a fait le coup des retraites, là, on aurait eu un parti communiste armé à 24%, il dit « Fillon, on touche pas aux retraites !» On dit « Non, pas de problème, on peut même les descendre à 58 ans, il n'y a aucun problème. Il y a tout le pognon, alors là... C'est pour ça que Sarkozy se foutait de nous quand il nous parlait de moraliser le capitalisme. Je vous ai expliqué que le capitalisme est un système immoral. Ça ne veut pas dire un système méchant, c'est immoral. C'est-à-dire qu'il n'a pas de morale, qu'il n'a pas d'éthique, hein, le droit d'accumulation illimité. Frédéric Lordon raconte que quand vous êtes dans la jungle et que vous tombez face à un tigre, il va vous bouffer. Mais ce n'est pas parce qu'il ne vous aime pas. Il va vous bouffer parce que c'est un prédateur, c'est sa nature. Moraliser le capitalisme, ça consisterait à dire au tigre « Couchez, Kiki !» Kiki pas bouger. Kiki va commencer à réfléchir si t'es assis sur un éléphant, que t'as un pétard avec 24 balles, et là, Kiki va commencer à faire miaou. Ça s'appelle un rapport de force et non pas un dialogue social. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Et donc, en 1948, le groupe communiste propose
pour mesure d'économie publique, pour faire des économies, de fusionner deux directions de l'éducation nationale en une seule, pour faire des économies. La toute jeune, toute petite, toute révolutionnaire, toute incroyable direction de l'éducation populaire et des mouvements de jeunesse, direction pour laquelle il avait fallu découvrir ce qu'il y avait dans les camps de concentration, d'accord, avec l'énorme direction de l'éducation physique et des activités sportives. La recette du pâté d'alouette, monsieur. Pardon, mademoiselle. Le pâté d'alouette, monsieur. Un cheval, une alouette, vous mélangez. Pour donner naissance à une toute nouvelle, toute bizarre, toute curieuse, toute incompréhensible direction générale de la jeunesse et des sports. Matrice du ministère bizarrissime, dont 60 ans plus tard, les fonctionnaires se demanderont encore ce que peut bien vouloir dire jeunesse et sport. Alors, c'est pas des jeunes qui font du sport. Alors, le sport, c'est clair. OK, le sport, d'accord. Mais alors, la jeunesse... Eh ben, c'est quoi une politique jeunesse? Ben évidemment, si vous n'entendez pas le mot jeunesse comme il doit être entendu, c'est-à-dire la construction du sujet politique adulte, d'accord? C'est ça, la notion de jeunesse, d'accord? Et si entre-temps, c'est-à-dire si vous n'entendez pas jeunesse comme éducation populaire, bien sûr, et si entre-temps, la jeunesse devient une catégorie sociologique de l'adolescence immigrée, urbaine, turbulente, ok? Ah ben alors, évidemment, le fin d'une politique jeunesse aujourd'hui, c'est de donner 3 subventions à 2 adolescents excités pour qu'ils aillent au Maroc acheter du shit, qui ramène un reportage photo et qu'on appelle ça un défi jeune. D'accord, mais enfin... Pas en 44, quoi, tu vois, pas en 44. En 44, voilà. Alors, donc jeunesse et sport est le premier avortement, vous comprenez bien ça. Parce qu'il va y en avoir un deuxième, ça va mourir 2 fois ce projet. Le premier avortement de ce projet absolument essentiel d'une direction de l'éducation politique jeunes adultes. Alors, je sais que ça vous semble bizarre la notion d'éducation politique, mais c'est parce qu'il faut vraiment que vous fassiez l'effort d'imagination que le mois dernier, là, en janvier, on ouvre les portes des camps de concentration, d'accord, on découvre ce qu'il y a dedans. Okay. Et là, la notion d'éducation politique, elle va peut-être vous paraître très très utile d'un seul coup, hein, d'éducation à la démocratie, d'éducation à ce que vous voulez. C'est juste que ça va juste durer 3 ans, et puis le truc, ils vont le verrouiller tout de suite, quoi. Et donc, jeunesse et sport, c'est un anticoncept. Hein. Vous comprenez bien que jeunesse et sport, c'est un assemblage fait pour empêcher, pour tuer quelque chose. Jeunesse et sport, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'éducation politique des jeunes Français, des jeunes adultes dans ce pays. C'est pas grave, hein. Ils feront du kayak. Jeunesse et sport, c'est comme si on avait voulu squeezer la CGT des cheminots qui est trop à gauche, tu vois. Alors on l'aurait mis avec un syndicat réac, genre la FNSEA agricole, tu vois. Puis là, on aurait créé le ministère du rail et de la betterave, tu vois. Super intéressant comme ministère. Voilà, alors Jean Guéhenno donne sa démission tout de suite. Jean Guéhenno me dit, moi je ne comprends pas ce que vous faites, je ne vois pas ce que le sport vient faire là. Non, je respecte le sport, c'est une pratique sociale éminemment respectable. Enfin, moi, mon problème, c'est Auschwitz, c'est le fascisme, c'est la démocratie, donc là, je comprends pas. Donc voilà, faites avec quelqu'un qui sait faire et il s'en va. Christiane Faure m'a raconté que Guéhenno, des années plus tard, lui a avoué qu'il regrettait cette décision, qu'il pense qu'il aurait dû rester. Oui, bah, il est parti. Christiane Faure, elle part aussi. Elle va en Algérie parce que là, on va lui confier une direction de l'éducation populaire non rattachée au sport. Ça sera le seul département en France qui va connaître pendant 10 ans une direction de l'éducation populaire non rattachée au sport. Et à cette seule condition, elle accepte de partir comme inspectrice là-bas. Et elle me raconte ces 10 années algériennes, et moi, j'ai pas le droit de l'enregistrer, j'ai pas le droit de prendre des notes, et ça dure une journée. Elle me raconte des trucs absolument essentiels. Ils vont inventer tout. Ils vont inventer les stages. Les stages, aujourd'hui, tout le monde fait des stages. C'est eux qui inventent ça. Il n'y a rien pour les adultes après la guerre, rien. Ils vont inventer c'est eux qui inventent les festivals dehors en plein air, parce qu'il y a rien. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'ils ont inventé. Et donc, elle me raconte qu'elle fait des stages d'écriture avec les soldats du contingent en pleine guerre d'Algérie, en plein début de la guerre. On va la convoquer, on va lui demander si elle est communiste. Et elle répond non, je ne suis pas communiste, je fais de l'éducation populaire. Elle fait du théâtre en arabe, on lui interdit, on dit qu'elle est là pour faire du théâtre en français. Elle dit non, je fais de l'éducation populaire.
Elle me raconte qu'elle fait venir 200 chevaux sur le port de Mersel-Kébir, 200 chevaux pour monter un énorme spectacle pour toute la population arabe, pour un spectacle d'Emmanuel Robles, une pièce de Robles, bien avant le mec du Puy du Fou là-bas et toutes ces conneries. Et donc... Et puis elle me dit des noms, des dates, elle me raconte ces cinq directeurs de centres sociaux qui sont assassinés par l'OAS, elle me raconte. Et moi je suis là, j'essaie de garder les noms, de faire le tri entre ce qui est anecdotique, ce qui est important. Elle a un jeune couturier qui a 20 ans qui fait les costumes de théâtre, il s'appelle Yves Saint-Laurent, t'imagines le truc. Tout ça, je dis non, ça c'est people, je m'en fous, tac, enfin... Enfin bref, et pendant ce temps-là, les instructeurs d'éducation populaire, ils vont grossir tout doucement, mais ils sont devenus une pauvre sous-direction, et on va leur construire des crêpes, des centres... Vous connaissez ça? Ah, il y en a à l'image? Il y en a eu un? Ah oui, ça y est, ils ont vendu les bijoux de famille, là, c'est fini, ouais. Et donc, un crêpe, c'est un centre régional d'éducation populaire et de sport. EP, ça veut dire éducation populaire. Souvent, les gens pensent que c'est éducation physique. Non, non. Et alors, c'est très curieux parce que vous avez déjà vu l'affiche d'un crêpes. Moi, j'ai vu celui d'Aix-en-Provence. C'est 18 photos de sport. C'est une affiche avec 18 nanas. Il y a une nana qui lance un javelot, une nana qui fait du tennis, une nana qui fait de l'équitation, une nana qui fait de la... C'est quelle photo, éducation populaire? Il y a marqué éducation populaire et sport. C'est laquelle? Je veux dire, au minimum, il faudrait une nana qui manifeste, enfin, tu vois. Ou qui avorte, ou je sais pas quoi, enfin, tu vois. Enfin bref, un phénomène de société, un truc comme ça. Alors, ils vont se rendre compte qu'ils se sont fait avoir, parce que quand ils arrivent, René Jauneau arrive au Crêpes de Falampin, dit « Bonjour, où est le théâtre? Je suis l'instructeur national de théâtre. Il n'y a pas, il y a le gymnase, vous n'avez qu'à mettre des draps noirs sur le côté. Bonjour, je suis l'instructeur de cinéma national, de cinéma. Où sont les bancs de montage, les caméras, la salle de vision? Il y a le gymnase, vous mettez un drap blanc dans le fond. » Donc voilà, ils ont compris qu'ils se sont fait avoir. Ils n'ont plus qu'une obsession, c'est de se tirer du sport. Ça va devenir une véritable obsession chez eux de récupérer leur propre ministère et de se barrer du sport, quoi. Il y en a même un que j'ai failli faire crever, d'ailleurs, c'est Henri Cordreau. Il avait pas loin de 90 ans quand il m'a reçu. Puis moi, j'installe le magnétophone, puis je lui dis « Alors, monsieur Cordreau, voilà, pour commencer, est-ce que vous pouvez m'expliquer dans quelles circonstances vous avez été amené à travailler à Jeunesse et Sport ?» Le type, il fait « Mais c'était pas Jeunesse et Sport, justement !» Moi, j'étais là « Pardon, excusez-moi. » Type, 70 ans après, il est encore foudrage, quoi, tu vois. Et alors, ils vont écrire une brochure en 1956 et ils vont commencer à réfléchir en termes de ministère de la Culture. En fait, ils sont très, très, très culottés. Parce qu'on a connu à ce moment-là que trois exemples de ministère de la Culture dans le monde. Un chez Hitler, un chez Mussolini et un chez Staline. D'accord ? Le concept de ministère de la Culture a été inventé par des systèmes totalitaires. Vous ne pouvez pas avoir un ministère de la Culture dans une démocratie, c'est pas possible. Vous pouvez avoir ce qu'on a actuellement, qui n'est pas un ministère de la Culture, qui est un secrétariat d'État aux Beaux-Arts, qui donne trois subventions à deux artistes officiels pour pisser par terre. Okay ? Mais ce n'est pas un ministère de la Culture, heureusement d'ailleurs. Ça serait un ministère de la Culture, comme chez Hitler, Staline ou Mussolini. Ça veut dire que c'est l'État qui dit le sens d'une société et qui le contrôle, ce qui est une définition possible du totalitarisme. Et alors nos instructeurs se disent qu'il doit y avoir moyen de récupérer ce truc-là dans une démocratie. Il faudrait que ça soit un ministère qui travaillerait la question de la démocratie en permanence. Je dis bien qu'il travaillerait, pas qu'il ferait croire à la démocratie. Ça serait un ministère où on ferait de la politique en permanence avec le mouvement social, les syndicats, les partis, les associations. Ça serait, bref, ça serait un ministère d'éducation populaire, quoi. Et ils pensent à Camus pour être leur ministre. Camus, alors attention, là aussi ça devient people, Camus a épousé la sœur de Christiane Faure. Christiane Faure, c'est la belle-sœur de Camus, d'accord ? Francine Faure. Et donc Camus, ministre de la Culture, ça aurait eu une autre gueule, le truc. Il est communiste, il va rompre avec le PC au moment de la guerre d'Algérie, il n'est plus d'accord avec les positions du parti. Il dirige une maison de la culture à Alger, bah ouais, ça existait déjà. Il a créé un théâtre qui s'appelle le Théâtre du Travail. Il défend la création collective contre la création individuelle. Enfin bref, Camus, c'est pas Malraux. Mais vous savez tous comme moi que c'est pas Camus qu'on aura. De toute façon, il va se tuer en bagnole dans très peu de temps. Et en 58, on a un général qui prend le pouvoir en France. Catastrophe, 121 intellectuels hurlent au putsch. Vous savez, quand un militaire prend le pouvoir, on ne sait jamais trop comment ça va tourner, le truc, d'accord? Bon, alors celui-là, ça a été.
Pourquoi voulez-vous qu'à 62 ans, je commence une carrière de dictateur? Je ne vais pas attenter aux libertés publiques, je les ai rétablies. Bref, ce général-là, il a dans ses bagages, quand il arrive, un admirateur, un chantre. Un type qui écrit sa légende à ce général depuis une quinzaine d'années. Un faillot. André Malraux. Raide génial pour les uns, raide timbré pour les autres. Malraux est un énergumène qui amuse toute la classe politique. C'est un... Comment vous dire qui est Malraux? C'est un dandy. C'est un gars de la jet set. Dans les années 20, il épouse des bonnes femmes riches. Puis avec leur pognon, il fait du trafic d'art en Extrême-Orient. Il pique des statuettes Khmer. Il vient les revendre en France. Il vole des temples. Et là, il se fait gauler. Alors, il fait 2 ans de tôle en Extrême-Orient. La France arrive à le faire revenir. Là, il y a la guerre d'Espagne qui éclate. Alors, avec l'argent de ces nanas, il s'achète une escadrille. L'escadrille André Malraux. Les républicains lui font remarquer qu'il pourrait peut-être changer le nom, alors il accepte de la rebaptiser l'escadrille Espagna, mais enfin il trouve ça moins bien. Et puis, avec son escadrille, à lui, hein, il lance des petites bombes sur les méchants fascistes, comme ça, tac, avec sa grande écharpe blanche à la Bernard-Henri Lévy, comme ça. Les généraux républicains sont fous de colère après lui, il fait n'importe quoi, c'est du dandisme. Allez sur internet, tapez Malraux Espagne, vous allez trouver, moi j'ai trouvé. Mais ça va contribuer à créer la légende, surtout qu'il va l'écrire lui-même, hein, sa légende, ça va aider, du Malraux, le combattant de la liberté, d'accord, tous ces trucs-là. C'est un très très grand écrivain, sans aucun doute. C'est probablement pas du tout un très très grand homme d'État. Hein, c'est la thèse de Todd, hein, je confonds toujours Olivier et Emmanuel Todd, mais l'un des deux. Allez sur France Culture, tapez Malraux épidémiologie d'une légende, on peut toujours podcaster le truc, il existe toujours, vous allez savoir qui est Malraux. C'est un faux résistant, par exemple. Il n'a pas bougé ses fesses de toute la résistance. Vous savez, ces résistants de la dernière heure, vous savez. Il s'est inventé des grades dans la résistance qui n'ont pas existé, colonel Berger. Il s'est inventé des fausses blessures avec des faux certificats médicaux. Il a raconté dans ses antimémoires qu'il a libéré des villes en France. C'est n'importe quoi. Jean Lacouture, qui est un historien, s'y est laissé prendre pour vous dire si c'est bien fait. Ses deux frères à Malraux ont été fusillés. Vous n'avez jamais entendu parler d'eux. Ils n'ont pas une impasse à leur nom. De Gaulle va décorer Malraux comme grand résistant. Et ça, c'est pas possible. De Gaulle ne peut pas ne pas savoir que Malraux n'a pas résisté. Ça, c'est impossible. Chirac va panthéoniser Malraux en 1995. C'est l'une des panthéonisations les plus discutables et les moins discutées de notre histoire. Malraux est une icône. À droite comme à gauche, on touche pas à Malraux. Okay, bon, peut-être avons-nous besoin d'icônes, hein, je m'en fous, c'est pas... En tout cas, Malraux, c'est cet intellectuel de pouvoir qui colle au pouvoir pour avoir du pouvoir. C'est pour ça que je le compare à Bernard-Henri Lévy. Malraux, il va être, par exemple, directeur de la propagande du RPF, le parti de De Gaulle. Hein, directeur de la propagande, vous voyez, l'autre, il s'appelait Goebbels, de l'autre côté de la frontière. Ensuite, il va être ministre de l'Information. Dès que De Gaulle arrive au pouvoir, quand De Gaulle est président du Conseil, sous la 4e à un moment, pof, Malraux est ministre de l'Information. Ensuite, De Gaulle se fait sa traversée du désert. Et là, Malraux ne le lâche pas. Il lui écrit sa légende. De Gaulle incarne pour lui la grandeur de la nation française. Tu vois. Malraux, il se shoot à la nation française. Tu vois. Les soldats de l'an 2. Entre ici, Jean Moulin, ton visage tuméfié à ce soir, le visage de la France, etc. Donc quand De Gaulle arrive au pouvoir et que tous les intellectuels sont contre lui, Sartre est à gauche, Camus est à gauche, ils sont tous anti-gaullistes, il y en a un qui est gaulliste. Eh bien, ça va payer. Alors De Gaulle appelle Debré, alors le père du fils, hein, pour les plus jeunes. Et De Gaulle demande un ministère pour Malraux. Alors Debré se dit, oh non, on va pas filer un ministère à Malraux, oh non, on va pas commencer comme ça. « Oh non, merde, putain, la vache fait chier !» Je suis pas sûr de la citation historique, mais enfin... Bon, en gros, c'est l'idée. Alors, il va voir Malraux, Debré, puis lui dit « Monsieur Malraux, le général veut vous confier un ministère. Ben, qu'est-ce que vous voulez être comme ministre ?» Malraux répond « Je veux être ministre de la jeunesse. » Alors, attention, mesdames, messieurs, vous avez
En 58, on a connu trois exemples de ministères de la jeunesse dans le monde. Un chez Hitler, un chez Mussolini, un chez Staline. Le ministère de la jeunesse, dans ces pays-là, c'est un méga ministère qui coiffe toute la société civile, d'accord, qui coiffe d'autres ministères, d'accord, le ministère de surveillance de la patamodlie sociale, quoi, voilà. Et donc, comme Malraux est un véritable mégalomane, d'accord, il est fou, il est génial, il est tout ce que vous voulez, hein, et c'est un très grand écrivain, je vous l'ai dit, il a eu le prix Goncourt avant la guerre avec La Condition humaine, hein, si vous avez lu ça chez Folio Gallimard. Chêne soulèverait-il la moustiquaire? Enfin bon. Et donc. Donc Debré refuse, pas de ministère de la jeunesse en France, hors de question, on sort de chez Pétain, ça va, non, niet. Mendès France s'est déjà cassé la gueule en essayant une fois. Alors, Malraux fait un deuxième choix, il dit « Alors, je vais être ministre de la Recherche ». La recherche, l'élite, tout ce qui va déterminer encore. Alors là, je suis pas dans la tête à Debré, hein, mais il doit se dire un truc du genre « Oui, 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 il n'y a pas de problème, on va filer la bombe atomique à Malraux. » Debré refuse. Debré motive son refus. Il dit à Malraux qu'il n'a pas les compétences pour être ministre de la Recherche. Il voulait dire qualification, mais il n'était pas marxiste. Et donc, Malraux fait un troisième choix. Malraux dit « Alors, je veux être ministre de la télévision. » Là, t'as Debré qui se dit « Tararan, tararan, pimpon, pimpon ». Enfin, tu vois, il doit se dire « Bon, l'autre, il avait pété tous les câbles en même temps. » Enfin, parce qu'on est en 58, vous avez 14 postes en France, tu vois. Je veux dire, c'est une boîte en bois avec une bonne femme qui te donne l'or à l'intérieur, tu vois. L'autre, il veut être ministre de ça, quoi, tu vois. Sauf que Malraux a déjà compris ce que c'est que la télévision. Malraux est fou, tout ce que vous voulez, mais il est génial. C'est un visionnaire, c'est un mégalomane, c'est tout ce que vous voulez. Vous lui, tous les adjectifs, vous lui mettez, mais en tout cas, il a compris ce que c'est que la télévision. Les machines à rêver, etc. Et donc, il veut ça. Debré refuse. Refuse qu'il y ait un ministère de la télévision en France. Alors Malraux boude. Alors De Gaulle est en colère. De Gaulle pique une colère, De Gaulle appelle Debré, De Gaulle passe un savon à Debré, De Gaulle exige un ministère pour Malraux, et même un ministère d'État, et maintenant. Je vous fais remarquer au passage, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué vous-même, que Malraux n'a pas demandé à être ministre de la Culture. Il n'y a même pas pensé. Ok ? Malraux qui a inventé le ministère de la Culture, ça va. En revanche, il y a un conseiller de l'Élysée complètement inconnu qui s'appelle Georges Pompidou, qui a lu la brochure des instructeurs et qui dit à Debré, tu devrais lui proposer d'être ministre des Affaires culturelles, un truc qui veut rien dire. Il est foutu d'accepter, il prend son portefeuille de ministre à vie, avec sa paye de ministre à vie, il se casse au bout de 3 semaines, il nous lâche. Il décide de jouer le truc comme ça, parce qu'on sort de la 4e République et les ministères sont des ministères très éphémères qui durent 3 semaines. Okay ? On est dans cette culture de ministère éphémère. Et donc, ils vont jouer le truc comme ça. On va donner un hochet à Malraux, un ministère qui ne veut rien dire, et puis ça va l'amuser un moment, puis il va nous ficher un peu. Alors, ils vont le voir, ils disent, est-ce que vous accepteriez d'être ministre des Affaires culturelles ? Malraux accepte. Bah tiens. Alors, on va lui fabriquer un ministère. Bah, il faut lui monter une administration. Alors, on va lui donner des bouts d'autres ministères, vite fait, comme ça. On va retirer le cinéma, la direction du cinéma du ministère de l'Industrie, où elle était, très logiquement, d'accord ? Pouf, on lui donne. On va retirer la direction des Arts et Lettres, les Beaux-Arts, du ministère de l'Éducation nationale. On lui donne, ok ? Les Arts et Lettres, Jeanne Laurent, celle qui a donné sa première subvention à Jean Villard pour faire le Festival d'Avignon en 51. Ça, c'est la vérité. Je vais vous dire un petit mensonge maintenant. À côté de Jean Villard, il y a un gars qui s'appelle Jean Rouvet. Jean Rouvet, il a été recruté. C'est un des 18 instructeurs de Christiane Faure du début. C'est pas mal Jean Rouvet qui a fait le Festival d'Avignon. L'histoire n'a pas retenu son nom. Ok, on lui donne, et on va lui donner la sous-direction de l'éducation populaire, d'accord ? On va faire un tri là-dedans, et on va lui donner l'éducation populaire à Malraux. Sauf que, ils ont grossi, ils sont plus 18, ils sont 100, les conseillers, et puis les associations, elles ont grossi. Vous avez tout un tas d'associations, la Ligue de l'Enseignement, les Francas, les Lagrange, les CMEA, les MJC, les centres sociaux, enfin, toute une bande qui est en train de grossir, ok. Tout ça, on va le filer à Malraux. Après, il faut lui donner des fonctionnaires. Là, il n'y a personne qui veut aller chez Malraux. Zéro. Il n'y a pas un seul fonctionnaire qui accepte. Non, non, non. Il y en a un, bloc l'aîné, il y va à condition que ça n'apparaisse pas dans son dossier de carrière, tu vois.
Il va en cachette, l'autre. Alors, on est très emmerdés. Si tu Malraux n'est pas sérieux. Enfin, personne ne le prend au sérieux. Et donc, on va lui donner des fonctionnaires dont personne ne veut. Et on va croire qu'on s'en débarrasse. On va lui donner... Ça va, Malraux? Ça va ou c'est chiant? D'accord. On va lui donner les... Si c'est chiant, vous me le faites comprendre. Vous faites... je sais pas, un truc comme ça... Et donc, on va lui donner les fonctionnaires rapatriés de la France d'outre-mer. Alors là, essayez de suivre. La France se fait virer de partout. C'est la décolonisation. La France se fait virer du Tchad, du Dahomey, de la Cochinchine, de la Haute-Volta, de la Guinée, de l'Algérie. Et donc, vous avez une armée de fonctionnaires qui rentrent en métropole. Mais il faut les affecter, ce sont des fonctionnaires, il faut les mettre quelque part. Alors, on va faire un truc génial, on va tous les filer à Malraux. Allez, venez chez Malraux. Malraux, venez. Hop. Malraux, sur votre écran d'ordinateur, c'est la petite corbeille en bas à droite. D'accord? Et ce sont eux, mesdames, messieurs, qui vont faire le ministère de la Culture dans la splendeur et la magnificence et la puissance qui est la sienne actuellement. C'est un ministère que le monde entier nous envie. Le monde capitaliste, hein, j'entends. C'est un ministère central de la domination capitaliste, et ça, c'est les socialistes qui vont le comprendre. Mais on n'en est pas encore là. Et donc, on va donner à Malraux des fonctionnaires incroyablement efficaces, des fonctionnaires redoutables, des gens formés à l'École nationale de la France d'outre-mer, l'ENFOM, qui n'existe plus, des gens qui sont déjà habitués à imposer la culture française, c'est déjà leur métier, par la guerre, par la violence, par la force, par la prédation des ressources naturelles au service des entreprises françaises, ok? Et puis ce sont des bâtisseurs, des ponts, des routes, ok? Et puis des dispensaires. Vous savez tous comme moi que la colonisation a consisté essentiellement à faire des écoles et des dispensaires. On est d'accord? Hein? Bon. En 1947, deux ans après la libération, hein, l'armée française qui bombe un peu le torse, là, en Madagascar, elle va massacrer en quelques semaines 70 000 malgaches. 70 000. Alors là, il faut quelques dispensaires, hein, on est d'accord. Et donc, tous ces gens-là, hein, on va les donner à Malraux. Giacomoni, c'est tous des Corses, d'ailleurs. Giacomoni, il va créer le CNC, que tout le cinéma. Biasini, lui, il va prendre la direction, c'est lui qui va faire le programme des maisons de la culture, d'accord. Biasini était gouverneur du Tchad, puis de la Guinée. Il y en a qui ont entendu son nom, à Biasini? Oui. Il y en a qui ont dû l'entendre, parce qu'on va le retrouver sous Mitterrand comme ministre des grands travaux. C'est lui le vrai ministre. Vous savez, en France, vous avez une potiche, une marionnette devant, puis derrière, vous avez une administration qui bosse. C'est pas Jacques Lang, hein, qui a fait la fête de la musique, hein. C'est Maurice Fleuret, vous connaissez même pas son nom, vous savez pas qui c'est, ce gars-là, d'accord? Et je veux dire, là, vous avez Malraux et vous avez Biasini derrière. Et Biasini va le construire, parce que Malraux a demandé un truc. Malraux a dit « Je veux une maison de la culture dans chaque ville de France ». Puis ensuite, il va faire le malin, il va jouer chez les Pompidou, parler toute la soirée tout seul, enfin bref. Et donc... parce que Claude Pompidou raconte que quand Malraux vient à la maison, il n'y a que lui qui parle, en fait. Et donc, il est incapable de bâtir une administration, puis il s'en fout, enfin, ça ne l'intéresse pas. Enfin, bref. Et donc, mais derrière, vous avez des bosseurs, des vrais bosseurs, d'accord. Et donc, il a demandé une maison de la culture dans chaque ville de France. Donc, ils se sont mis au travail, les instructeurs, parce que... Biasini n'arrive pas tout de suite. Parce que... Il faut vraiment que je sois précis. Pierre Moineau, premier directeur de cabinet de Malraux, c'est un copain de Christiane Faure. Il rappelle Christiane Faure, il dit « Mademoiselle, revenez, nous avons gagné, nous avons notre ministère, ça y est. » Et les instructeurs se disent « On a gagné, ça y est, on est sorti du sport, on a notre ministère de l'éducation populaire, notre ministère de la culture. » Et à l'époque, ils pensent culture avec un petit C. Et ils sont fous de joie. Et Christiane Faure me raconte les nuits qu'elle passe avec Pierre Moineau aujourd'hui c'est un académicien. Les nuits qu'elle passe avec Pierre Moineau à essayer de définir le programme des maisons de la culture. Qu'est-ce qu'il y aura dedans? Il y aura vous, il y aura moi, il y aura toutes les associations, il y aura les syndicats, il y aura le féminisme, il y aura le mouvement social, il y aura les partis, il y aura les journalistes, il y aura les artistes ça fait aussi partie de la culture. Il y aura tout ça, oui. Ils imaginent un truc de fou, une effervescence extraordinaire. Et ils se disent on a gagné, ils croient qu'ils ont gagné. Et en fait ils ont perdu. Mais ils ne le savent pas encore. Ils ont perdu une deuxième fois. Parce que le deuxième avortement de ce projet d'un ministère de l'Éducation populaire s'appelle le ministère de la Culture. Parce que quand les fonctionnaires de la France d'Outre-mer arrivent, quand Biasini, par exemple, arrive,
Biasini va comprendre tout de suite de qui il s'agit, les Duc Pop. Tout de suite, il va comprendre que c'est des gens de gauche. Et Biasini va avoir deux influences. Premièrement, il va dire à Debray, tu me reprends l'éducation populaire, j'en veux pas. Debray dit non, on les a transférés, tu les gardes. L'autre, il dit j'en veux pas. Il dit tu les gardes au moins 2 ans. L'autre, il est patient, il va les garder 2 ans. Mais en 61, ils vont repartir, l'éducation populaire va repartir, mais cette fois-ci, pour toujours, à Jeunesse et Sport, où elle a absolument rien à faire. Et où Mademoiselle Faure finira sa carrière en 1973 en ne voulant plus jamais qu'on lui parle de cette histoire. Jusqu'à ce qu'un énergumène l'appelle au téléphone en la prenant pour un homme et qu'elle lui dise « L'éducation populaire, monsieur, ils n'en ont pas voulu. Ça n'intéresse plus personne aujourd'hui. Au revoir. » Et qu'elle me raccroche au nez. Et puis la deuxième influence de Biasini, c'est qu'il va comprendre l'intérêt de centrer toute la doctrine du ministère de la Culture sur la seule logique des beaux-arts. Si bien que si aujourd'hui je vous dis culture, vous entendez art et vous n'entendez plus rien d'autre que ça. Eh bien, mesdames, messieurs, si culture ne veut plus dire que art, c'est une catastrophe intellectuelle majeure pour tout homme et femme de progrès. Et c'est une victoire flamboyante du capitalisme. Parce qu'alors, les métiers, c'est plus de la culture. La condition ouvrière, c'est plus de la culture. La paysannerie, c'est plus de la culture. Le féminisme, c'est plus de la culture. Le langage, c'est plus de la culture. Le journalisme, c'est plus de la culture. Le syndicalisme, c'est pas de la culture. L'économie, c'est pas de la culture. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils nous ont piqué culture, ils nous ont piqué notre seul moyen de nous défendre. Biasini, les maisons de la culture, il va les envisager comme des temples. On appelle ça les cathédrales de la culture. C'est-à-dire comme des endroits faits pour impressionner le peuple, pour faire peur, qu'il va poser dans les villes de France comme ça, des trucs immenses, effrayants. D'accord? Commencez la phrase. Alors, il aurait dit, je ne sais pas si c'est vrai, il aurait dit « Les maisons de la culture ne seront pas le garage des galas de fin d'année en tutu rose des associations de parents d'élèves. » Tu vois, la France d'en bas, enfin, truc nul. Et c'est à ce moment-là que s'établit cette coupure obscène entre culturel et socioculturel. D'accord ? Coupure qui existe encore aujourd'hui dans nos villes. Okay ? Et donc, il va assigner aux maisons de la culture le rôle de présenter les plus hautes œuvres du génie humain et d'abord du génie français. Le génie. Maison de la Culture, c'est un endroit où vous allez voir du génie. Pas vous, pas moi. Ça n'a plus rien à voir avec le projet d'éducation populaire. Dans populaire, il y a populaire, vous voyez. Pas du tout. Maintenant, il y a des individus touchés par une espèce de grâce mystérieuse, hein, qu'on appelle l'art. Et ça touche certaines personnes, mais on ne sait pas pourquoi, tu vois. Cette espèce de mystère, c'est complètement religieux comme conception, tu vois. Et alors, nous, mais vous ne serez jamais touché par ça, mais jamais. Nous, on a juste le droit d'aller contempler ce mystère dans des cathédrales de la culture, tu vois, comme ça. Vous êtes déjà entré dans une maison de la culture? Moi, je suis entré dans celle d'Amiens une fois. C'est immense. C'est complètement désert, tu vois. Y a personne. Dans une vraie cathédrale, au moins, t'as une petite vieille qui prie. Mais là, même pas, tu vois. Là, t'as rien, comme ça. Alors, tu rentres là-dedans. Tu parles tout bas. Tu sais même pas pourquoi. Tu vois, comme ça. Pof, pof, comme ça. Et puis, contre un mur, t'as une rangée de bidons. Des gros bidons en fer. Tu vois, je sais pas, 40, 50, je me rappelle plus. Tu vois, toute une rangée de bidons, OK? C'est une œuvre. Sur chacun de ces bidons, il y a une petite photographie Polaroid complètement nulle, complètement ratée. C'est exprès, hein, c'est de l'art contemporain. Et donc, il y a marqué un nom de là d'où vient la flotte. Et donc, vous comprenez qu'il y a un bidon du Nil, du Yangtze-Kiang, du Mississippi, de la Volga, de la Loire, ce que vous voulez. Comme ça, toute une rangée, comme ça. Bon. Et là, vous êtes devant une bifurcation intellectuelle. Dans le secret de votre conscience, personne ne vous regarde, personne ne vous écoute, il va falloir prendre une décision. Et cette décision est une décision politique.
Soit vous dites... C'est complètement con. Puis en plus, si ça se trouve, c'est bidon. Enfin, je veux dire... Si ça se trouve, c'est de l'eau d'Amien. Enfin, tu vois, je veux dire... Puis je pourrais faire pareil. Moi, si on me paye le tour du monde, je veux bien ramener de la flotte de partout. C'est quoi ces conneries? Enfin bref, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Et vous êtes un prolétaire. Soit vous dites... Bon, moi, je trouve ça bidon, mais si je le dis, je vais avoir l'air d'un prolo. Vaut mieux que je dise qu'il y a une démarche. Et vous décidez... Attention, parce que j'ai pesé chaque mot. Vous décidez de faire partie des gens capables d'apprécier... Je n'ai pas dit de comprendre, ok? L'art contemporain prétend expulser le sens. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. L'art contemporain dit, s'il y a un sens, il y a quelque chose à comprendre, c'est plus de l'art, c'est du socio-cul. Okay? Donc, vous décidez de faire partie des gens capables d'apprécier cette démarche. Et l'art contemporain, comme je l'appelle pour rire, réalise ce petit miracle qui est que, dans une démocratie, l'enjeu des luttes de classe, c'est toujours le même. Hein? C'est de convaincre les classes moyennes de faire alliance avec les classes populaires, contre les classes dominantes. L'art contemporain, la culture avec un grand cul, ça réalise exactement l'inverse. Ça incite les classes moyennes à faire alliance avec les classes dominantes contre les classes populaires. Et donc, pas que j'aille sur l'art contemporain, parce que c'est la version de 6 heures. Arrêtez, vous êtes au courant, vous savez à quelle heure on va terminer là déjà ? J'ai deux choses à vous dire. Non, je le fais pas. Non, je peux pas faire l'art contemporain. Je peux pas le faire. Je peux juste vous dire une chose, parce que sans ça, on va nager dans l'ambiguïté, puis vous allez penser que je suis d'extrême droite ou je sais pas quoi, que j'attaque l'art. Non, je défends l'art. C'est pas de l'art, il est pas contemporain. C'est un système de marché, d'accord ? C'est de l'art de marché, si vous voulez. Juste une chose. J'ai eu 4 émissions d'Arte sur la CIA. Arte. OK ? Le directeur de la CIA des années 60 qui dit dans un des films, l'opération de désinformation la plus réussie de toute l'histoire de la CIA est le financement de l'art contemporain en Europe. Ça a été loin le début. J'ai commencé, après j'ai lu des bouquins, j'ai essayé de comprendre. Mais ça, je ne vous le ferai pas ce soir. En gros, ça va servir à détourner toute l'intelligentsia occidentale de la tentation communiste et pour l'amener vers la défense d'une liberté absolument sans aucun objet. L'art contemporain, c'est fait de transgression, c'est le contraire d'une subversion. Je ne sais pas s'il y a des psychanalystes dans la salle, mais faire pipi par terre, c'est de la transgression. Tout l'art contemporain est transgressif, il n'est absolument pas subversif. Vous comprenez que faire pipi par terre, ça ne fait pas trembler le MEDEF. C'est une transgression, ça n'est pas dangereux. Bon bref, je ferme la parenthèse. Je viens vous dire encore une chose, c'est que deux animatrices de mes amies, d'un mouvement d'éducation populaire magnifique par ailleurs, qui s'appelle Peuple et Culture, on avait une discussion il y a une quinzaine d'années, parce qu'elles avaient en elles des... Parce qu'elles, moi, enfin, on essayait tous de se convaincre, on disait, attention, là, aujourd'hui ça va, j'ai retourné ma... Mais je veux dire, à l'époque, j'essayais d'être un petit soldat, ça. C'est-à-dire que, tu sais, enfin, vous avez tous essayé, comme moi, de vous coller devant un porte-partition avec 3 pinces à linge qui vaut 80 000 euros, puis de vous forcer à dire, il y a une démarche comme ça. J'essaie de se convaincre, hein, mon Dieu, à parler de ça. Et donc, elles me racontent qu'elles emmènent des jeunes d'une cité à la Documenta de Kassel, la grande foire d'art contemporain de Kassel. Et le pavillon d'Allemagne, c'est un artiste qui a fait carreler un pavillon avec du carrelage. Donc il a attendu, donc les carreleurs ont complètement carrelé un bâtiment. Et puis il est venu avec un marteau et son acte artistique, il a pété tout le carrelage. Voilà. Et donc vous marchiez, vous traversiez, il y avait marqué Deutschland, hein, vous voyez l'image, et donc on marchait sur des débris de carrelage. Et alors, elles avaient emmené avec les subventions et tout ce qu'il faut, hein, des jeunes, vraiment bien, des beurs, tout ce qu'il faut, tu vois. Elles avaient emmené là-dedans. Et donc les mecs, et les nanas, enfin les jeunes disent « Madame, on peut faire pareil, franchement. Et si on pète un abribus, vous nous donnez combien de thunes, quoi, tu vois ?» Et ils ont raison. Ils ont raison, leur remarque est extrêmement sensée. Et ce qui est intéressant, c'est la réponse de ces deux animatrices.
Et là, je suis en train de faire leur contemporain, c'est chiant, mais je vous dis ça. La réponse de ces deux animatrices, c'est quoi? Moi, j'aurais trouvé qu'une réponse d'éducation populaire, ça aurait consisté à dire à ces jeunes, bah, oui, tu peux faire pareil, c'est évident, mais non, tu ne seras jamais légitimé comme artiste par les trois instances de légitimation, les trois M, marché, médias, ministère, d'accord? Et la petite clique de commissaires parisiens qui décident de qui, d'accord, etc., pour que François Pinault aille défiscaliser des millions sur ton abribus, d'accord. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer comment marche un processus de légitimation. Je vais t'expliquer pourquoi deux bouts de moquette collés face à face à la FIAC de l'année dernière, pas de l'année 2000, celle d'il y a deux ans, deux bouts de moquette collés face à face, ça vaut 80 000 euros, d'accord? Je vais t'expliquer pourquoi c'est possible, comment c'est possible, comment c'est fabriqué ce cas. Et parce que François Pinault, il n'est pas assez taré, d'accord, pour risquer 80 000 de ses bons euros, d'accord, sur deux bouts de moquette collés face à face, si derrière ça, il n'y a pas un État, c'est-à-dire un ministère de la Culture, d'accord, qui a payé ça à un galeriste pour créer la cote de cet artiste. Et par décision du Conseil d'État de 1991, seul exemple, seule exception dans la République française, le prix d'achat par le ministère des œuvres d'art contemporain en France est tenu secret. Personne ne peut avoir accès à cette somme, d'accord. Et donc, moi, j'aurais trouvé que c'était une réponse d'éducation populaire. Au lieu de ça, elle leur répond à ces jeunes, bah, tu vois, c'est dommage que tu dises ça, que tu pourrais faire pareil, parce que ça prouve que tu n'es pas capable de comprendre la démarche de cet artiste. Pas capable. Untermensch. Voilà, je ferme la parenthèse. Et donc ce ministère va devenir un ministère des arts et va nous piquer culture. Il y a deux réflexions extrêmement intéressantes. Il y a un truc qui est archi connu, c'est Malraux qui essaie de défendre son budget à l'Assemblée nationale en 1960. Et la France s'est pris une déculottée aux Jeux Olympiques de Rome, zéro médaille. La De Gaulle est malade, il nomme Herzog pour créer le système de recrutement de l'élite pyramidale sportive française à partir de ce moment-là. Et tout le pognon va au sport à ce moment-là. Et donc, ce tout petit ministère naissant qui n'a pas d'argent, Malraux essaie de défendre. Malraux est incapable de défendre un budget, ça fait chier. Enfin, donc, il est à l'Assemblée nationale, il dit 9 090 912, il tourne des pages comme chaque fois. Puis à un moment, il dit, il prend un gros paquet de pages de son budget, puis il fait et j'en passe. Il y a un député qui le regarde et qui dit et ça lasse. Alors Malraux, vexé, piqué au vif, prend son budget, le jette dans l'air, il a toutes les feuilles qui volent, et là t'as Malraux qui commence à faire du Malraux. Antigone est entrée. Et t'as tous les députés qui viennent regarder Malraux faire le con. Et puis t'as Biasini qui s'arrache les cheveux parce qu'il sait qu'il n'aura pas de pognon cette année-là. Et donc il va aller au commissariat au plan chercher de l'argent, même quand le fonctionnaire du plan lui dit. Là, c'est très intéressant, il dit, monsieur Biasini, il y a un truc qui ne colle pas dans votre projet de ministère de la Culture. Il n'y a que les beaux-arts. Il lui dit, vous avez oublié, par exemple, l'information économique des populations. Attendez, vous entendez cette phrase? Pour ce fonctionnaire en 1960, culture voulait encore dire culture, l'information économique des populations. À un moment, je ne comprends plus rien. Donc je dis à Christiane Faure, mademoiselle Faure, je ne comprends rien. Vous étiez directrice de l'éducation populaire, ok. Là, il y avait la directrice des Beaux-Arts, des Jeanne Laurent, des Arts et Lettres, ok. Et vous étiez de rang égal, ok. Mais vous travaillez ensemble. Et elle me fait cette réponse que je vous laisse méditer. Christiane Faure me dit, mais monsieur, nous n'avions rien à faire avec mademoiselle Laurent. Mademoiselle Laurent, c'était les arts. Nous, c'était la culture. Vous voyez le chemin qu'on a perdu depuis? Bref. Allez, on arrête avec Malraux, il va se faire virer en 68. Je vous propose de passer sur les années Giscard, on s'en fout. François Giroud, Michel Guy, tout ça, jusqu'à... jusqu'à la catastrophe finale. En 1981 arrive Super Malraux. Jeff, totalement incompréhensible, totalement. Enfin si, aujourd'hui ça y est, on a compris, on sait que les socialistes ont été un moment de modernisation du capitalisme. À l'époque, ils disaient qu'ils allaient rompre avec le capitalisme. Moi, je les ai cru. Enfin, en 80, j'habitais à la Bastille,
J'ai passé la nuit à embrasser des inconnus dans la rue toute la nuit. Mais non, mais ils avaient écrit, mais relisez le programme commun, c'est plus radical que ce qu'écrit le NPA aujourd'hui, c'est impressionnant le programme commun. Ils disaient, on va rompre avec le capitalisme. Moi, je faisais partie d'un pays qui avait arrêté le capitalisme, j'y ai cru, enfin, c'est, je sais, je me trouvais bête aujourd'hui. Et donc, la gauche arrivant enfin au pouvoir, on pouvait s'attendre à ce qu'elle mette en place une politique culturelle de gauche. Je sais ce que c'est qu'une politique culturelle de gauche, c'est vous, c'est moi, c'est les associations, c'est le mouvement social, c'est le féminisme, je sais pas, enfin, c'est l'éducation populaire, c'est d'arrêter cette coupure obscène entre culturel et socioculturel, enfin, c'est tout ça, quoi. Alors, pas du tout, alors là, Jacques Lang va propulser la figure de l'artiste à des hauteurs jusque-là inconnues. Alors là... Là, l'artiste, alors, destruction de tous les collectifs d'artistes. Hein, dans les années 70, tous les peintres, tous les artistes sont dans des collectifs, sont tous communistes, ils sont etc. Alors là, terminé, un artiste, c'est un autiste. Là, c'est un individu singulier dans sa singularité singulière. Voilà, vachement intéressant, c'est vachement de gauche hein, comme conception, c'est super. Hein. Et puis nous, on va s'enrôler, moi, je vais être un petit soldat de la défense de la liberté de ce mec-là, tu vois, défense de la liberté de création. Je vais aller manifester avec Mnouchkine dans les rues, parce qu'ils ont enlevé 15 centimes à la... Enfin, tu vois, je veux dire, les trucs, enfin bref. Bon, on va pas s'énerver, hein, on va rester... Ça va se passer bien ce soir, en fait. Et donc, Jacques Lang, d'abord, on lui colle Biasini tout de suite derrière, hein. Attention, Mitterrand. Là, vous avez Jacques Lang qui fait la fête de la musique. Mais là, vous avez qui? Vous avez Biasini, lui, il construit le très grand Louvre, il construit la très grande bibliothèque. Là, Jacques Lang, il n'a pas le droit d'y toucher, il n'a pas le droit de mettre son nez dans les dossiers. Il se roulera par terre, il en fera des crises de nerfs quand lui est collé Biasini. Alors vous allez me dire, ben non, c'est pas possible. Comment ça se fait que Mitterrand a nommé Biasini qui était déjà avec De Gaulle et tout ça? Mais enfin, rappelez-vous, quoi, il était quoi Mitterrand sous la quatrième? Ministre des colonies, Biasini était gouverneur du Tchad. Je veux dire, c'est des gens qui se connaissent depuis longtemps. Il faut voir comment ça marche, le système. L'autre, c'est pour faire rire, quoi. Je veux dire, les vrais, ils sont... D'ailleurs, vous n'entendez pas parler. À chaque fois que je demande Biasini, non. C'est ministre des grands travaux. Et donc, ce ministère va partir sur des bases absolument épouvantables, antipopulaires, élitistes, élitaires. C'est un ministère qui va fabriquer de l'idéologie au service du capitalisme et ça va fonctionner. Le rêve du capitalisme, le rêve marchand est réalisé par l'art contemporain. C'est qu'on peut fabriquer de la valeur sans fabriquer de la richesse. C'est ça que dit l'art contemporain. Quand vous dites ça, ça vaut 80 000 euros et qu'il suffit qu'on m'ait désigné comme artiste pour que quoi que je fasse, ça vaut ça, d'accord? Ou quand vous faites comme cet artiste français qui déchire... Putain, je suis en train de retourner là-dessus. Quand vous faites cet artiste français, il va au restaurant, il déchire la nappe en papier, il la signe. Quand il a 12 petites déchirouillis, là, il en fait une œuvre. Il y a 6 ans, 4 ans, je ne sais plus, ça s'est vendu 200 000 euros à la Biennale de New York. Ces 200 000 euros, cette œuvre ensuite, vous avez vu la gueule de l'œuvre, hein, elle rentre dans un fonds spéculatif à la Société Générale ou ailleurs, et là, elle va devenir 400 000 euros, puis elle va devenir 600 000 euros. D'accord, on va spéculer là-dessus, ok, avec la complicité de l'État, bien sûr. Et donc ça, c'est la preuve qu'on peut fabriquer de la valeur, c'est-à-dire de l'argent, sans passer par le travail, sans passer par la richesse, sans passer par vous, par moi, en éliminant complètement nous. En éliminant la main. C'est pour ça que vous avez des milliers d'artistes de la main en France, d'accord, qui apprennent à faire de la peinture, de la sculpture, qui crèvent de faim, d'accord. Bon. Et donc le rêve du capitalisme, c'est ça. C'est un ministère qui détruit du politique. Le culturel, c'est ce qui détruit du politique. Quand c'est culturel, c'est que ça n'est plus politique. Lisez le livre d'Alain Brossat, Le grand dégoût culturel, c'est magnifiquement expliqué. Lisez Les stratèges de la culture d'Evelyne Ritten, c'est une prof de Sciences Po Bordeaux. Elle a une phrase qui résume toute ma conférence. Elle dit « La culture, c'est ce qui sert à empêcher l'énonciation du conflit social. » On ne peut pas le dire mieux. Ça, c'est un jugement politique. Regardez, ça consiste à dire « Ceci est meilleur que cela ». Par exemple, vous dites « Une société qui décrète l'égalité de l'homme et de la femme est une société meilleure qu'une société qui ne la décrète pas. » Jugement politique. On peut être contre, on peut être choqué par ça, mais tant mieux, c'est à ça que ça sert. C'est un jugement politique, un jugement de valeur. Donc on peut s'y opposer, on peut faire quelque chose. Maintenant, regardez bien, je vous le fais en culturel.
Une société qui décrète l'égalité de l'homme et de la femme, c'est un choix d'expression culturelle qui n'a absolument rien à dire à une société qui a décidé d'un autre choix d'expression culturelle. Donc là, on peut interdire l'excision, et là, on dit, nous, on n'excise pas, eux, ils excisent. Et alors, c'est leur culture, d'accord ? Politique culturelle. Bon, je vous le fais vite parce qu'on n'a pas de temps. Hein. Ça demanderait à être affiné, j'entends. J'entends. Et je vous propose de sauter, parce que là c'est épouvantable, je vous propose de sauter le bicentenaire de la Révolution française, qui pour moi est une très très belle illustration de la façon dont du culturel vide complètement de son sens un événement politique comme celui de la Révolution française. Mais bon, le bicentenaire, écoutez, on va passer. C'est un ministère qui vend de l'innovation. Ça, c'est un des critères du capitalisme, c'est le renouvellement de la marchandise. Donc ce ministère, si vous voulez être subventionné par ce ministère, il faut prouver que ce que vous faites est nouveau, que ça n'a jamais été fait. D'accord ? C'est la table rase. Dès que ça a 10 minutes, c'est complètement plus subventionnable. C'est complètement ringard. C'est nul. La droite était moderne, la gauche est contemporaine. Contemporaine, c'est tout de suite. Ils sont tellement pétés avec ça que maintenant, ils financent même les pratiques émergentes. C'est quoi ? Je ne sais pas. Oh super, je finance. Enfin bref. Moi, j'étais un petit soldat de ça. Et donc, pour ça, j'organisais des colloques. Et donc, je vous propose qu'on termine là-dessus. Je vais vous montrer comment ça se passe dans un colloque organisé par le ministère de la Culture avec une collectivité locale. Puis ensuite, on ira boire un Kir Royal. Offert par la magistrée. Ça va ? Minuit 20. On termine tranquille. Ça va. Et donc dans un colloque... Alors, le costume, là, il va falloir que vous fassiez... Si vous devez partir, allez-y. Hein, genre, si vous avez des babysitters, des trucs... Le costume, il faut faire un effort parce que je me suis fait piquer mon costume de colloque. Et ça, c'était mon costume de subvention. C'est pas du tout le même. Non, c'est vrai. Ça, c'est un costume en pure laine gris anthracite. Pure laine peignée gris anthracite. Donc ça, c'est pour les subs. Alors, j'allais pas dans un colloque comme ça. Dans un colloque, faites l'effort de m'imaginer en lin froissé gris souris. Donc, lin... Hein, c'est un colloque froissé. N'allez jamais dans un colloque ministère de la Culture avec des vêtements repassés. On vous prendrait pour un éduxpé ou un mec des affaires sociales. Donc, Les chaussures sont des Campers neufs. On voit que je ne suis plus dans les colloques. Hein. Campers, pourquoi ? C'est la seule marque de godasses dans le catalogue duquel vous n'avez pas de godasses, mais 200 pages de discours sur l'art contemporain. Donc ça s'appelle Campers, The Art of Walking. Et donc, la DRAC le sait, et donc Campers égale subvention. Quand c'est la droite, c'est une chemise. Quand c'est la gauche, enfin la droite sociale, c'est un polo noir, trois boutons, fermé, quatre gants. D'accord ? La gauche, le PS, polo noir. Noir, hein, la culture, c'est des curés, hein, c'est un clergé. Hein, donc noir, trois boutons, fermé, hein, vous n'avez pas joué au bout sur la canne bière avec vos potes, quatre gants, j'ai pas le temps. Dans un colloque, vous avez toujours, ça c'est le maire qui veut ça, un animateur d'un jeu télévisé célèbre. Donc ça rate jamais, on y a toujours droit à celui-là. Donc c'est vraiment le... c'est complètement... Alors lui, son truc, il va essayer de se faire rire pour se moquer des intellectuels, mais ça marche jamais, il comprend pas. Voilà, donc lui, il est en chemise blanche et en cravate. C'est le seul, dans un colloque culture, mec, il est en chemise blanche et en cravate. Et donc, voilà, j'ai pas de chemise blanche, j'ai pas de cravate, donc je vais faire l'animateur avec ça. Alors, la convention du clown interdit qu'on mette le nez rouge devant les spectateurs, mais la convention du théâtre interdit qu'on tourne le dos aux spectateurs. Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Bien, 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 mesdames et messieurs, écoutez, venez devant, c'est ridicule, vous êtes tous dans le fond, écoutez, venez, madame, écoutez, ce sont des sociologues, ils ne vont pas vous manger.
S'il vous plaît, merci, venez, c'est gentil. Descendez, madame, merci, venez. Écoutez, il est temps qu'on commence ce colloque sur le développement culturel et le développement social associé à un développement économique pour un véritable développement local en Haute-Vienne. Contrairement à ce qui était annoncé sur la plaquette qui vous a été distribuée à l'entrée, monsieur le président du Conseil général ne sera pas des nôtres aujourd'hui. C'est un homme ici ? C'est une femme. Oui, madame la présidente du Conseil général ne sera pas des nôtres aujourd'hui. Je sais qu'elle était annoncée sur la totalité des travaux. Écoutez, vous n'êtes pas venu pour rien. Elle a été appelée à un rendez-vous très important en préfecture, mais elle m'a promis qu'elle reviendrait 5 minutes avant la fin pour faire la conclusion de vos travaux. Une première table ronde intitulée « Développement culturel et développement local en Haute-Vienne » avec une assez belle parité homme-femme, je tiens à le souligner parce que ça n'est après tout pas toujours le cas, puisque nous avons monsieur le directeur de la CAF et sa charmante secrétaire, ainsi que 4 directeurs de centres sociaux et leurs 4 délicieuses animatrices danse. Le premier intervenant s'appelle monsieur Lepage. Alors, monsieur Lepage, je lis pour ne pas me tromper. Monsieur Lepage, vous êtes directeur chargé du développement culturel, de la communication, des actions de prospective et de formation à la Fédération nationale laïque, pluraliste, cogestionnaire et démocratique de la jeunesse sociale, solidaire, civique, culturelle et citoyenne de France. C'est bien ça, monsieur Lepage, je ne me suis pas trompé. Monsieur Lepage, vous nous parlez de développement culturel et de liens interculturels. Mon Dieu, comme tout cela a l'air fascinant. Pendant 5 longues minutes. Oui, parce qu'en général, vous avez 3 tables rondes de 17 intervenants chacune et il faut rendre avant 1 heure la salle. Alors, 2-3 trucs à vous expliquer. Bon, ceux qui vont dans les colloques connaissent ça par cœur, mais grosso modo, vous allez dans un colloque pour être d'accord. Un colloque, ça sert à montrer au pouvoir qui organise le colloque qu'on est d'accord avec lui. Ça sert à rien d'autre. Donc, vous évitez les trucs de début. Vous n'avez jamais à exprimer un désaccord dans un colloque. Vraiment, c'est très très mal vu. Donc, vous évitez les trucs de débutant, du genre « Je suis absolument pas d'accord avec ce que vient de dire le maire. » Pourquoi tu viens alors ? Ou « C'est complètement bête ce que vient de dire Edgar Morin. » Enfin, tu vois, le truc. Non, si vous voulez exprimer un désaccord avec un intervenant, c'est pour une raison stratégique, c'est parce que vous voulez lui piquer le contrat de recherche qu'il a depuis des années avec la mairie, vous avez sondé le maire est d'accord, il est éventuellement d'accord pour le laisser tomber, pour bosser avec vous l'année prochaine, mais bon, voilà, vous allez faire le boulot, d'accord ? C'est pas le maire qui va s'en occuper, d'accord ? Donc vous flinguez le mec en public, d'accord ? Et dans ce cas-là, quand on démolit quelqu'un dans un public, on respecte la convention du colloque. Puis on attend qu'il ait parlé, on parle après lui, on dit « je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire l'intervenant précédent, simplement, comme il a manqué de temps, il n'a pas pu revenir sur cette notion qui, moi, me paraît essentielle. » Donc l'autre, il dit « ah, je sais pas, tu vois, il est mort. Vous avez plusieurs entrées en matière dans les colloques, hein, donc vous avez au fond. » Au fond, elle est bien parce qu'elle est modulable. Par exemple, si c'est un colloque sur violence et banlieue, par exemple, et si c'est le ministère de la Culture qui vous fait intervenir, vous dites « au fond ». Au fond, on peut se demander si la question de la violence dans les banlieues est une question de délinquance. Est-ce que ça ne serait pas plus profondément, plus essentiellement, une question de nature culturelle ? Alors regardez bien, c'est le même thème, violence et banlieue, mais là c'est le ministère de l'Intérieur qui organise le colloque et qui vous fait intervenir. Évidemment, vous dites au fond. Au fond, on peut se demander si la question de la violence dans les banlieues est une question culturelle. Est-ce que ça ne serait pas plus profondément, plus essentiellement, un problème de délinquance ? Là, ça marche très bien. Bon, moi, j'utilise un peu toujours la même. Hein. C'est, mesdames, messieurs, je voudrais revenir dans le temps qui m'est imparti sur une notion qui, moi, me paraît essentielle.
Alors, vous ne l'avez pas vu passer, parce que c'est... mais le mot important, c'est revenir. En fait, vous annoncez à la salle que vous n'allez rien dire de nouveau. C'est extrêmement rassurant. Voilà. Vous avez besoin pour une communication de 6 ou 7 mots, 8, allez, qui ne veulent strictement rien dire, mais qui ont l'air de dire quelque chose. Les linguistes appellent ça des effets de sens. Ben vous les connaissez, hein, c'est ceux avec lesquels vous obtenez les subventions. Un philosophe de 68 qui s'appelait Marcuse. Marcuse est le premier qui a compris ce qui était en train de se passer dans le langage, hein, ce dont on parlera demain. Ce qu'on appelle la pensée unique aujourd'hui, c'est-à-dire l'impossibilité de penser le capitalisme en dehors des catégories que le capitalisme lui-même nous propose pour penser. D'accord ? Et donc Marcuse avait compris un truc essentiel en 68. 68, ça pète dans tout le monde développé. Hein. Ça pète au Japon, en Allemagne, au Mexique, il y a 4 morts, aux États-Unis, il y a des morts. En France, une grève générale. Et donc Marcuse nous dit, attention, nous sommes en train de vivre la toute dernière critique efficace du capitalisme. C'est-à-dire que Marcuse comprend un truc. Il y aura d'autres critiques, bien sûr, mais elles seront plus efficaces. Elles seront plus efficaces parce que Marcuse nous dit on est en train de nous opérer une révolution dans le langage, révolution qui nous vient des États-Unis, qui fait qu'on nous enlève tous les mots un par un qui nous permettaient de nommer négativement et donc de penser négativement le capitalisme, et qu'on nous les remplace par des mots qui ne le désignent plus que positivement. Vous comprenez bien que quand le capitalisme s'appelle développement, bah du coup, il y en a qui voudraient que ça soit durable, évidemment. Donc, quand la soumission et la répression s'appellent lien social, ou, enfin, vous voyez ce que je veux dire, ou l'ordre, enfin, quand la productivité s'appelle qualité, enfin bref. Donc, Marcuse appelait ça des concepts opérationnels. Alors ça, c'est génial. Excusez-moi, ça fait un peu jargon allemand, mais un concept, c'est ce qui sert à penser. Ça permet de penser un concept. Un concept opérationnel, ça ne permet plus de penser, ça sert juste à agir sans pouvoir penser ce qu'on agit. Et on est truffé de ça aujourd'hui. Insertion est un concept opérationnel. C'est scandaleux ce mot. Réfléchissez 2 secondes, s'insérer. Je veux dire, insertion, ça nous permet de ne plus penser hiérarchiquement la société. Hein? Insertion, ça veut dire qu'il y a des gens en dehors de la société et des gens dedans, c'est aberrant. Un clochard sous un pont, il est parfaitement inséré. Hein. Il fait partie de cette société. Il est juste en bas de la pyramide. D'accord ? Il n'est pas dehors, il est dedans. Mais donc, insertion, ça nous donne l'image d'une assiette au beurre qui tourne un peu vite. Puis il y a des gens qui n'arrivent pas à s'accrocher au milieu. Et comme c'est un jeu, ben voilà, on va pas en faire un drame. Et donc, insertion, c'est monstrueux, ce truc. Mais, à force de l'utiliser, on le fait exister. Hein. Les sociologues appellent ça des énoncés performatifs, je ne sais plus quoi. C'est à force qu'on dise insertion, ben on fait comme si ça existait. Alors qu'au début, on aurait dû dire, mais ça va pas, non. Bref, je vous ai préparé une communication à 16 concepts opérationnels, mais c'est uniquement pour les besoins du spectacle. Dans un vrai colloque, vous n'auriez absolument jamais besoin d'autant de mots. Vous n'êtes pas là pour faire passer le maire pour un imbécile. Lui utilise un grand maximum de 4 à 5 mots. Partenariat, développement local. Et le préfet, s'il est là, utilise 2 mots. Hein, c'est république et sécurité. Voilà, donc je les bats devant vous. J'espère que vous me faites confiance. Voilà. On peut couper si vous avez encore un doute. Tac, 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 pouf, pouf, pouf. Voilà. Et donc, quand c'est votre tour de parler, vous dites, madame la représentante du conseil général, monsieur le maire, madame la présidente, mesdames, messieurs, je voudrais revenir dans le temps qui m'est imparti sur une notion qui, moi, me paraît essentielle. C'est la question du partenariat que je voudrais mettre en rapport avec cette autre question qui est celle du projet. Alors, pourquoi fonder aujourd'hui des projets en partenariat ? Pour une raison très simple, c'est que ce que nous appelons peut-être un peu hâtivement lien social et que nous devons impérativement
mettre au cœur de tout processus de développement, ce que nous appelons lien social, eh bien, c'est, selon moi, notre capacité à établir une logique de contrat avec les habitants eux-mêmes, c'est-à-dire de réaliser avec eux un diagnostic partagé qui, à l'heure de la mondialisation, prend le risque de traiter ses habitants comme des acteurs et des acteurs d'une citoyenneté garante d'une refondation de la démocratie qui s'opère effectivement sur un impératif de solidarité interculturelle. Une solidarité interculturelle inscrite dans l'espace désormais incontournable dans lequel la démocratie peut s'inscrire, c'est-à-dire l'espace du local. C'est-à-dire que nous devons penser aujourd'hui la démocratie comme nécessairement inscrite dans un territoire. Mais je voudrais dire tout de suite une deuxième chose. Cette deuxième chose, c'est que, comme l'a fait remarquer avec... c'est de nouveaux partenariats, permettez. Cette deuxième chose, c'est que, comme l'a fait remarquer avec beaucoup de justesse à l'intervenant précédent, lorsqu'il a, quant à lui, particulièrement insisté sur les logiques de projet, cette deuxième chose, c'est que ce que nous appelons, de ce vieux et noble mot de citoyenneté, ce que nous appelons de nos voeux, cette citoyenneté locale dont je viens de parler, elle doit penser aujourd'hui, elle doit relever aujourd'hui le défi du développement en inscrivant ça, je l'ai dit, je le répète, en inscrivant au cœur de cette logique de développement la question incontournable du lien social. Parce que sans ça, je ne vois pas comment on pourrait parler de démocratie. Alors, une démocratie incarnée, pour moi, c'est une démocratie partenariale, c'est-à-dire une démocratie qui envisage un vrai partenariat avec ses acteurs. La question interculturelle, aujourd'hui, c'est la question de la solidarité. C'est dans l'interculturel que se manifeste aujourd'hui la solidarité. Moi, je plaide pour qu'on prenne au sérieux, une bonne fois, l'idée de passer avec les habitants un véritable contrat. Ce contrat, c'est quoi ? Mais c'est tout simplement le contrat qui nous permet de faire face à la mondialisation. Et faire face à la mondialisation, c'est pas difficile. On n'est pas obligé de prendre l'avion, d'aller très loin, d'accord ? Faire face à la mondialisation, c'est prendre le risque, ici, de réaliser un diagnostic partagé. Qui refonde un territoire. Alors, dans un colloque, vous savez qu'on passe la parole à la salle pour les questions. Alors, il n'y a, faut que vous sachiez que dans un colloque, il n'y a jamais de première question. Il y a toujours un grand silence, on passe tout de suite à la deuxième question. La deuxième question n'est jamais une question, c'est toujours une intervention d'un président associatif qui veut montrer au maire que lui aussi sait le faire et que sa place aurait dû être non pas dans la salle mais à la tribune. Alors il va prendre le micro et il va redire ça dans un ordre encore différent. Après quoi, on va avoir un jeu de questions-réponses sans aucun danger, totalement inoffensif. Alors je ne suis pas un adepte du théâtre de participation, de prise d'otage des spectateurs, j'ai horreur de ça, donc n'aie pas peur, faites-moi confiance. Si tu veux bien, Nicolas, Vincent, remettre un peu de lumière sur la salle, et si quelqu'un veut bien me tirer deux papiers pour me fabriquer une question de colloque, voilà, vous me prenez quelqu'un, vous me prenez deux papiers, je vais passer devant les baffles, hein, Vincent. Vous prenez deux papiers, puis vous me fabriquez une question. Vous les mettez dans n'importe quel sens. N'ayez pas peur, ça marche tout seul. Faites-vous aider par vos voisins. Personne qui veut me tirer deux papiers pour me faire une question, vous avez peur ou quoi ? Non, attendez. Merci, c'est gentil. Super. Donc, prenez deux mots. Voilà. Pendant que vous réfléchissez avec vos voisins,
On va demander aux jeunes filles en mini-jupe qui passent les micros de bien vouloir. Parce que dans les colloques, vous avez toujours des jeunes filles en mini-jupe hein, qui passent les micros. Donc oui, je crois qu'il y a une dame qui a demandé la parole au deuxième rang, si quelqu'un, si vous pouvez lui passer. Oui, mademoiselle, madame, pardon, parlez fort, posez votre question. C'est la question centrale, madame. C'est la question centrale. Alors, moi, je suis très, très heureux que vous ayez posé cette question. Alors, j'ai bien une idée sur la réponse, vous vous en doutez, mais je préférais que ce soit la salle qui vous réponde. Alors, est-ce que quelqu'un peut tirer deux papiers pour faire une réponse à madame ? Comment impliquer les habitants dans le développement ? Quelqu'un veut bien faire une réponse à madame avec deux papiers ? Non, ils se cachent. Personne, j'ai... Merci, c'est gentil. Vous faites une réponse. Vous la mettez dans n'importe quel sens. Vous voyez, ça a marché. Hein. Je vous rappelle la question. La question est une question essentielle. Franchement, enfin, je veux dire, impliquer les habitants dans le développement, c'est vraiment l'enjeu central aujourd'hui. Oui, je crois qu'il y a une dame qui souhaite. Madame, vous souhaitez répondre, oui. Allez-y. Parlez fort. Madame, je ne l'aurais pas mieux dit. Voilà, donc ça va se passer comme ça jusqu'à l'heure du déjeuner. Tranquille, on est entre soi, ça baigne. Sauf si un énergumène s'est glissé dans le colloque qui utilise encore des mots qu'on avait pourtant retirés de la circulation. Alors, en général, c'est un barbu. Tu peux me remettre un peu de lumière, s'il te plaît ? Un barbu, quelqu'un veut faire le barbu ? Monsieur est barbu, vous êtes barbu ? Non, vous n'êtes pas barbu ? Alors, oui, assez gentil, voilà, merci. J'en ai pas beaucoup. Tiens. Alors, pendant qu'il réfléchit à sa question, j'ai qu'un mot, j'en ai pas. Pendant qu'il réfléchit à sa question, règle numéro 1 de l'animateur de colloque. Quand un barbu demande le micro, ça craint. Tout votre savoir-faire, c'est d'empêcher les barbus de prendre le micro. Donc, vous les laissez la main en l'air pendant 2 heures, vous faites circuler le micro. Bon, mais il y a 2 écueils possibles. Des fois, le barbu prend le micro au passage, d'accord ? Donc là, vous êtes beau joueur, vous dites, écoutez monsieur, je vois que vous avez pris le micro, donc posez votre question. Premier écueil. Deuxième piège, des fois les barbus se déguisent en femmes. Donc là, vous avez un barbu qui a pris le micro au passage, donc vous dites, écoutez monsieur, je vois que vous avez le micro, écoutez, je vous en prie, écoutez, profitez-en, alors posez votre question. C'est parti. Tout le monde a entendu, enfant ? Donc, question, comment vous faites avec la lutte des classes ? Alors, il faut faire très très gaffe avec ça, parce que c'est très contagieux. C'est-à-dire que dès qu'il y en a un qui se remet à penser, ça donne envie aux autres de faire pareil. Donc, il faut tuer ça dans l'œuf tout de suite, quoi. Alors, en général, on fait un truc du genre, écoutez, monsieur, j'entends la question que vous posez, je préférerais que ce soit la salle qui vous réponde. Alors, comme ils sont tous venus failloter le maire, ils vont lyncher le mec à votre place, tu vois. Mais vraiment, mais vous laissez faire, tu vois. Tu vois, c'est pas possible d'entendre encore des trucs comme ça aujourd'hui. Va te raser. Voilà. Alors, si vous n'avez pas de chance, ils sont venus à 2, ou il y en a un autre à qui ça donne des ailes. Bon, je vais faire le deuxième barbu, ça va être plus simple. Donc là, vous avez un type qui va, ou une femme, quelqu'un va dire, je suis très très heureux de la question que vient de poser le monsieur barbu au deuxième rang, parce que moi, ça fait un moment que je vous écoute aussi. Alors moi, je comprends plus rien. Je vous entends parler. Alors, vous parlez que de partenariat. Alors je suppose qu'il n'y a plus d'exploitation dans les entreprises, c'est fini. Tout ça, on est tous devenus égaux, c'est quand même génial. Ils doivent s'acheter des godasses à 1000 balles, sûrement c'est du fun, c'est de la créativité, hein, c'est pas de l'aliénation dans la consommation. On est tous devenus égaux, c'est le communisme. Enfin, maintenant, il n'y a plus du tout de phénomène de domination dans cette société, ni de domination de classe, ni de sexe, ni de race, tout ça. Enfin, c'est formidable. Enfin, j'ai dû m'endormir.
Donc moi, ma question, elle est très simple. Vous avez l'air d'être un sociologue de gauche. Alors, j'ai dû rater un train, j'en sais rien. Est-ce que, pour vous, à gauche, aujourd'hui, merci de me répondre par oui ou par non, est-ce que la révolution est toujours à l'ordre du jour? Là, vous avez un problème. Tout le monde vous regarde, le maire vous regarde, tout le monde veut savoir comment vous allez vous tirer de ce truc-là. Vous avez deux façons de vous en tirer. La première n'est pas la plus élégante, mais elle est assez efficace. Elle consiste à essayer de faire rire la salle au détriment de l'intéressé. Donc, on a quelques vannes assez lourdes en réserve. Hein, et donc, on dit, écoutez, monsieur, je vous le dis sincèrement, je suis un tout petit peu inquiet quand j'entends les mots que vous utilisez. J'imagine que vous et moi... Nous nous réjouissons tous deux de la chute du mur de Berlin. J'imagine que vous n'échangeriez pas votre Renault Espace contre une Trabant, dont on reconnaît le conducteur au fait qu'il a les deux bras bronzés de chaque côté. Ou votre Citroën Évasion contre une Skoda, dont les vitres chauffantes sont là à l'arrière pour qu'on ait les mains au chaud quand on pousse en hiver. Ou votre C6 contre une Lada, dont la seule différence avec le SIDA, eh bien, c'est qu'une Lada, elle, on ne peut la refiler à personne. Non, je vous ai prévenu, c'est lourd, c'est gros. Voilà, alors vous regardez le maire, si le maire rigole, c'est très bon. Vous avez une autre façon de faire, mais c'est plus long. Je veux bien que tu redescendes de la salle un petit peu, parce qu'ils me font peur. Vous avez une deuxième façon de faire, c'est plus long. C'est de dire, écoutez, monsieur... Je ne vais pas me dérober à la question. J'entends les mots que vous utilisez, je les ai moi-même utilisés autrefois. Simplement, monsieur, on ne peut pas... C'est un spectacle de danse contemporaine. Simplement, si c'est ce petit scotch qui tient un gros projo, donc je connais les mots que vous utilisez, je les ai moi-même utilisés autrefois. Simplement, monsieur, on ne peut pas penser les problèmes d'aujourd'hui avec les catégories d'hier. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette ânerie, mais on nous la sort très souvent. En fait, vous comprenez que si on ne pouvait pas penser les problèmes d'aujourd'hui avec les catégories d'hier, on ne pourrait plus penser du tout. Hein? Hegel, Platon, Nietzsche, Freud, Aristote... Bon, en fait, cette phrase s'adresse au marxisme. Hein? C'est comme seule catégorie connue de démontage de l'économie politique capitaliste. Et donc, monsieur, vous m'attaquez en tant que sociologue, c'est de bonne guerre. Nous sommes dans un colloque, je ne vous en veux pas. Mais alors, permettez-moi de vous raconter la chose suivante, c'est que deux sociologues de mes amis, Monsieur Luc Boltanski et Madame Ève Schiapello, dans un ouvrage dont le titre devrait vous réjouir, « Le nouvel esprit du capitalisme », se sont mis en tête en 1999-2000, d'essayer de comprendre la structure culturelle du capitalisme. Culturelle avec un petit C. C'est-à-dire comment ça marche dans nos têtes, le capitalisme. Comment se fait-il que nous ayons su mettre fin au communisme en constatant les dégâts et que nous sommes capables de constater les dégâts du capitalisme sans parvenir à y mettre fin? Alors, ils ont eu l'idée de rentrer dans un ordinateur tous les mots de 90 ouvrages de management de l'année 1960, puis tous les mots de 90 ouvrages de management de l'année 2000. Pourquoi de management? Parce qu'ils se disent, Schiapello et Boltanski, que la structure culturelle du capitalisme, on la trouve dans son langage, et son langage, sa doctrine, on va la trouver la plus pure dans les ouvrages de management. Hein, qu'est-ce que c'est que le management, sinon une théorie générale de l'exploitation? Comment nous extorquer le maximum de richesse contre le minimum de salaire? Et donc, ils font tourner leur logiciel d'analyse du langage pour s'apercevoir qu'en 1960, le mot qui apparaît le plus souvent cité dans 90 ouvrages de management, est le mot « hiérarchie ». Jusqu'à là, vous allez me dire, « Bah oui,
On voit bien pourquoi il faut raisonner en termes de hiérarchie quand on va apprendre à des gens à nous diriger. Alors je vous pose la question et je demande à ceux qui connaissent la réponse parce qu'ils ont vu YouTube ou je sais pas quoi, de ne pas souffler, parce qu'il y a des gens maintenant qui savent, mais laissez les autres chercher, ceux qui ne savent pas. D'après vous, d'après les autres, combien de fois le mot hiérarchie est-il cité dans 90 ouvrages de management de l'année 2000, enfin d'aujourd'hui quand même. Aucune, zéro. Le mot hiérarchie a disparu. Ou alors, nous disent Boltanski et Chapelot, quand il est encore cité, c'est pour nous dire de ne plus l'utiliser. Alors, je vous pose la question, la hiérarchie a-t-elle disparu des entreprises? Parce que si vous me dites que non, mais qu'on ne peut plus la nommer comme hiérarchie, alors les linguistes nous apprennent qu'on ne peut plus non plus la penser comme hiérarchie. Et les syndicalistes ont un problème. Parce qu'autant on peut mobiliser un collectif de travailleurs contre une hiérarchie, autant il est extrêmement difficile, voire impossible, de mobiliser des individus contre ce qui tient lieu désormais des hiérarchies, mais n'emporte pas le nom. Mesdames, messieurs, quelle est selon vous? On ne souffle pas. On ne souffle pas parce que je vais vérifier qu'il n'est jamais trouvé. Quel est selon vous le mot qui apparaît le plus souvent cité dans 90 ouvrages de management d'aujourd'hui? Collaborateur. Collaborateur deux fois. Collaborateur. Et participation. Collaborateur, participation. Collaborateur, participation. Comité directeur. Collaborateur, participation. C'est génial. Parce que ces mots-là sont trouvés, ça fait 400 fois que je fais cette conférence depuis 2006, ces mots-là sont trouvés tous les soirs. Enfin, chaque fois que je joue, collaborateur. Mais vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi vous les trouvez? Parce que vous voyez le piège de ces mots. C'est-à-dire que vous le décelez. C'est pour ça que vous pouvez les citer. Quand la banque vous dit qu'elle est votre partenaire, ou quand le patron vous appelle une collaboratrice et qu'il vous file un SMIG, tu vois, etc. Donc vous voyez le truc. Chez moi à Quimper, il y a une affiche du centre de recrutement de l'armée de terre. Et c'est l'armée, premier partenaire des jeunes. Et non, et celui-là, il n'est jamais trouvé, bien sûr. Il n'est jamais trouvé. Il a été trouvé 5 fois en 5 ans, je crois. Il n'est jamais trouvé. À chaque fois, je suis bluffé quand quelqu'un le trouve, mais ça n'arrive jamais. Et vous savez pourquoi ça n'arrive pas? Parce que c'est la définition d'une idéologie dominante. Une idéologie est dominante quand sa fonction idéologique ne peut pas être perçue. C'est-à-dire que c'est parce que vous ne pouvez pas voir sa fonction idéologique qu'elle est dominante. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter leur chef à tous, le prince noir, notre ennemi commun. Projet. Mesdames, messieurs, nous sommes foutus. Nous sommes foutus parce que ce satané foutu machin a envahi notre espace mental à un point où je vous mets au défi de penser aujourd'hui en dehors de cette catégorie. Faites comme certains spectateurs dans des réunions, mettez une croix chaque fois que le mot est utilisé, vous allez vous faire peur. Mesdames, messieurs, nous disons aujourd'hui de jeunes qu'ils n'ont pas de projet. Nous disons de vieux qu'ils n'ont pas de projet. Nous disons d'handicapés. Nous soumettons l'allocation de certains droits au fait de déposer préalablement un projet. Les seuls à qui on ne demande jamais de projet, ce sont les riches. Ça ne vous frappe pas? Un spectateur est venu me voir pour que sa petite fille bénéficie d'une opération des yeux très coûteuse. On lui a demandé quel était le projet de vie de cette petite fille qui nécessitait cette opération, qui la justifiait. Aujourd'hui, en prison, les prisonniers doivent avoir un projet de détention, puis un projet de réinsertion. Une femme qui accouche en France depuis 2 ans doit faire un projet de naissance. C'est-à-dire qu'elle doit inscrire son acte d'accoucher dans un protocole productif et marchandisable. Nous disons couramment que nous devons avoir un projet de vie. Manifestement, vivre ne suffit plus. Et il nous faut manifester par notre façon de vivre un processus productif permanent, puisque vous commencez peut-être à le comprendre. Projet veut dire en réalité produit, sans que nous nous en rendions compte. Ce mot-là,
Ce mot qui n'aurait jamais dû sortir de la boîte dont il est sorti dans les années 85. Au milieu des années 80, la méthodologie de projet arrive des États-Unis en France. Elle vient de la théorie de la gestion accès résultat, qui elle-même vient de la théorie de la rationalisation des choix budgétaires, qui n'est rien d'autre que le projet totalitaire de privatisation de la totalité des services publics. La méthodologie de projet, ça sert à ça. Ça sert à préparer ça. Et donc il va falloir apprendre à nous défendre contre ce machin, parce que ça transforme... Ce mot est tellement anodin, tellement neutre, tellement positif. Je sais bien d'avoir des projets, non? Je sais pas, moi j'ai des projets de vacances, j'ai un projet politique, c'est la révolution, tu vois? Je veux dire, ce mot transforme tout ce qu'il touche en une marchandise, selon la définition marxiste de la marchandise. Hein. Une marchandise, c'est un bien ou un service réalisé dans des conditions professionnelles qui teste sa pertinence contre un bien ou un service équivalent sur un marché. Mais écoutez, aujourd'hui un éducateur de rue, vous savez comment il travaille par rapport à il y a ne serait-ce qu'une génération. Là, je vais faire pleurer les plus jeunes dans la salle. Il y a une génération, années 80, un éducateur de rue recevait une subvention dite de fonctionnement. Parce qu'on considérait à l'époque, le pouvoir qui finançait considérait qu'il avait un métier, c'est-à-dire une qualification, et qu'il savait ce qu'il avait à faire. Et donc on lui donnait de l'argent et on ne lui demandait, je vous jure que c'est vrai, on ne lui demandait absolument pas de déposer le moindre projet pour avoir cet argent. Et on contrôlait a posteriori. On évaluait ce qu'il avait fait parce qu'on n'était pas idiots à l'époque, d'accord ? On ne gaspillait pas l'argent public. Mais en gros, il pouvait penser son métier dans le long terme, il pouvait le penser politiquement, d'accord ? Et parce qu'un éducateur sait qu'on ne change pas la mentalité d'un groupe de jeunes à moins de 6-7 ans sur un quartier. Vous savez comment il travaille aujourd'hui, cet éducateur ? Vous le savez tous. Aujourd'hui, cet éducateur, pour pouvoir travailler, il va devoir déposer un projet. Ce projet va durer très exactement un an. Ce projet a un début, mais surtout il a une fin. Ce projet n'est pas fini, qu'il est en train de préparer le projet suivant avec d'autres jeunes. C'est bien ça l'astuce. D'accord ? Ce projet sera évalué positivement, même s'il a raté. Limite s'il n'a pas eu lieu. Cet éducateur n'a plus le droit à l'échec. Et donc cet éducateur ne se rend pas compte, bien sûr, quand il travaille de cette manière, parce que toute la société est en train de se mettre à travailler de cette manière, qu'il est en train de préparer le terrain pour la marchandisation généralisée de son secteur. Et donc, il va falloir apprendre à nous débarrasser de ces trucs-là. Mais ça ne va pas être une mince affaire parce que ce sont des mots positifs. Et comment est-ce qu'on se bat contre du vocabulaire positif? Eh bien, nous n'avons pas encore inventé les modes de résistance. Comment est-ce qu'on se bat contre la démarche qualité? Vous êtes contre la qualité, vous? Vous êtes malade? Vous savez ce que c'est que la démarche qualité? C'est des gens qui sautent par la fenêtre dans une entreprise dont on ne dira pas le nom parce qu'elle nous fait un procès, ok? C'est ça la démarche qualité. C'est des infirmières qui n'ont plus le droit de parler à des malades parce qu'on leur a dit qu'il fallait faire une toilette en 4 minutes, d'accord? Alors qu'elles ont fait ce métier pour parler. Alors, c'est pas du tout de la qualité, ça c'est autre chose. Mais si ça s'appelait vraiment ce que c'est démarche productivité, les syndicats pourraient se battre. Mais démarche qualité, comment voulez-vous battre? Vous êtes contre, je sais pas moi, vous êtes contre l'harmonisation des diplômes, c'est pas bien, vous aimez pas l'harmonie, vous êtes pas harmonieux alors. L'autonomie des établissements, c'est pas chouette ce truc, hein, l'autonomie, vous aimez pas l'autonomie? Mutualisation, tous les pièges, transversalité, transparence. Donc tous ces machins qui nous tuent, qui nous rendent dingues, qui nous oppriment, sont tous des mots à désignation positive. Et donc ce piège-là, il va falloir qu'on se mette au boulot pour inventer les façons de nous défendre. Mesdames, Messieurs, le projet, c'est ce qui tue le désir. N'importe quelle femme ici présente à cette seconde est capable de comprendre la différence entre un homme qui a un désir d'elle et un homme qui a un projet sur elle. Parce que le désir institue l'autre en sujet, alors que le projet institue l'autre en objet. Le désir prend le risque de l'échec, de la négociation, du refus, pas le projet. Le projet, c'est de définir toutes les étapes du processus en étant exactement sûr de la façon dont ça va être fait, exactement à la fin, et donc on n'a plus envie de le faire. Le projet, c'est ce qui tue le désir. Le philosophe Alain, je suis tombé sur cette phrase magnifique il y a 2 ans, j'ai compris le contraire de la méthodologie de projet en lisant une phrase de Alain. Alain dit,
le secret de l'action, c'est de commencer. Il ne dit pas c'est de faire des étapes et de faire N+4, N-4, N-3, etc. Il dit le secret de l'action, c'est de commencer. Et vous vous rappelez, ceux qui ont mon âge, quand on travaillait avec des gens, avec des jeunes, le grand mot d'ordre, c'était le résultat final compte pas. On ne veut pas savoir ce que c'est le processus qui compte. C'était instituant, on inventait, c'était génial. Et donc, il va falloir apprendre à nous débarrasser de ce truc-là. Alors moi, je vous fais une proposition. C'est qu'ici, en Haute-Vienne, vous fassiez savoir à vos financeurs que plus jamais vous ne déposerez de projet, mais que vous voulez quand même l'argent. Et que vous en avez marre de passer 80% de votre temps statistique à l'appui, vérifié, 80% du temps d'un professionnel à faire des montages de projets. D'accord ? D'accord ? À faire du copier-coller, d'accord ? Avec des projets qui ne seront pas lus, qui ne seront pas évalués, qui sont toujours les mêmes, d'accord ? Avec 14 territoires de financement. Vous en avez marre. Que vous en avez marre de faire la démonstration de votre utilité sociale à chaque nouveau projet bidon, que ça suffit. Et que peut-être, si vous faites ça collectivement, vous aurez en face de vous des gens, peut-être des alliés, dans l'appareil d'État, qui eux-mêmes en ont marre d'être des guichets à projets, parce que c'est franchement pas marrant de travailler comme ça, quoi. Il y a un moment... Bravo ! Enfin, voilà. Voilà, monsieur, j'aurais aimé parler avec vous des heures encore, mais enfin, dans les colloques, même les révolutionnaires sont parfois obligés de respecter les horaires. Et donc, je vais vous délivrer mon message final sur la petite musique, voilà, que vous ne verrez pas venir, sans que le public s'en aperçoive. Mesdames, messieurs, le capitalisme est une saloperie. Non mais ça, vous le savez. Vous le savez à cause du trou dans la couche d'ozone, du pillage de l'Afrique, à cause des 10 millions de précaires dans la 5e puissance mondiale, la France, tout ça, vous le savez. Mais c'est une saloperie pour une autre raison, c'est que ce foutu système parvient à se faire aimer par nous, j'ai bien dit aimer, alors même que nous croyons l'attaquer et qu'il utilise pour cela des trucs et des astuces de langage qui mobilisent notre générosité à son service. Mesdames, messieurs, lorsqu'on se bat pour faire de la défense de la liberté de création, du développement local, du développement social, du développement durable, du lien social. Je voudrais que quelqu'un ici m'explique ce que c'est que du lien social. Je vois ce que c'est que du lien politique, je vois ce que c'est que du maintien de l'ordre, mais du lien social. Qui détruit du lien social à Clermont-Ferrand? Est-ce que c'est le jeune qui raye une voiture avec sa clé ou est-ce que c'est Monsieur Michelin qui licencie 7000 personnes dans les quartiers de Clermont-Ferrand l'année de ses bénéfices records? Qui détruit du lien social à Clermont-Ferrand? Et qu'est-ce que c'est que cette connerie de lien social qu'on voudrait nous faire restaurer? Depuis quand on doit faire du macramé social au service du capitalisme? On nous a volé des mots, mesdames, messieurs. On nous a volé des mots et on nous a refilé à la place de la verroterie, de la pacotille, de la camelote. Il va falloir apprendre à nous battre et ça ne sera pas facile parce que ce sont des mots positifs. Un peu fort, hein? Non, ça va? Mademoiselle Fort, c'est un peu à cause de vous tout ça. Parce que moi, j'avais pas de problème avant de vous rencontrer avec ces mots. Je veux dire, j'avais pas de problème avec le mot culture, par exemple. Et puis, vous m'avez raconté ce que vous aviez essayé de faire avec le mot culture et ce qu'ils avaient fait avec ce que vous aviez essayé de faire. Et puis, vous êtes morte. 3 ans après m'avoir reçue. Et moi, mademoiselle, je fais quoi avec cette histoire? Vous m'avez transmis un bien curieux héritage, mademoiselle. Vous m'avez donné des petites graines, je suis venu les semer ce soir. À Saint-Julien. J'espère que quelqu'un arrivera à faire un oignon avec ça, j'en sais rien. Je voulais vous remercier de m'avoir reçu. Je voulais vous demander pardon de vous avoir appelé monsieur. J'aurais préféré que vous me laissiez vous enregistrer.
Je voulais vous dire que je suis fier que vous m'ayez raconté votre histoire. Je voulais vous dire que vous vous êtes trompé. Quand vous m'avez dit l'éducation populaire, monsieur, ça n'intéresse plus personne, mademoiselle. Écoutez, regardez, ils sont là, ils sont restés jusqu'au bout, 4 heures. Vous m'avez raconté un truc incroyable ce jour-là, mademoiselle. Vous m'avez raconté que vous aviez fait 200 km dans le désert pour lire un livre à des Arabes. Le vieil homme et la mère. 200 km dans le désert. Et moi, je vous ai dit, mais mademoiselle, mais pourquoi vous avez fait un truc pareil? Je comprends pas. 200 km pour un bouquin. Et vous m'avez regardé avec un air tellement triste. Tellement triste. Et vous m'avez dit, mais monsieur, l'ardeur, ça compte, non? Alors ça ne compte pas, l'ardeur. Sur le moment, je vous dirais que je suis resté un peu interdit, et puis j'y réfléchis depuis. Et je voulais vous dire que je crois que vous aviez raison. L'ardeur, ça compte. Et puis maintenant que vous êtes sous la terre, mademoiselle, est-ce que vous pourriez m'expliquer pour les oignons? Parce que je sème des graines, puis là j'arrose, et là ils montent en graines comme ça. C'est le moment que je préfère dans le spectacle. 1h10. Merci. Merci. Voilà, ça vous est présenté par une coopérative d'éducation populaire. Il y en a 4. Des conférences gestiblées comme ça, il y en a 100 aujourd'hui. On en forme quasiment 40 par an. Donc si vous avez envie de faire votre conférence, à partir de ce que vous avez compris, vécu dans votre métier, venez, ça dure 12 jours, c'est génial, vous sortez de là avec une conférence gesticulée. Et il y a quelqu'un qui a dit, il y a un gesticulant qui a dit, quand on aura tous fait notre conférence gesticulée, ils seront morts. Oui, parce qu'on aura tous transformé, on aura transformé notre savoir en un savoir utile pour de l'action collective, quoi. Voilà, donc demain, il y a un atelier de désintoxication du langage. Vous avez les DVD, vous avez le texte à la sortie si vous avez des amis socialistes, vous avez... Donc demain, on va réviser les formules de style, vous savez, les euphémismes, les oxymores, tout ça. Vous savez, on ne dit plus un nain, on dit une personne de petite taille, on ne dit plus un socialiste, on dit une personne de petite conviction, des trucs comme ça. Et on fait des formations, inscrivez-vous, enfin voilà. Merci d'être resté aussi longtemps.